on parie que c'est vous qui gagnez le grand prix. Expect.com. Bien que classé hors catégorie, Gant Wevel Game reste une épreuve de taille. Par tradition, cette course se déroule en pleine semaine entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Gant Wevel Game sur la 2 ce mercredi après-midi. Prêt pour le départ ? LOTTO, Loto. Recevez directement via SMS tous les résultats de la Ligue Jupiler. Pour les résultats du week-end, inscrivez-vous en envoyant un SMS au numéro 3028 avec le code RTBF espace FootJup. Pour le classement général, tapez le code RTBF espace FootClass. Plus d'infos, télétexte page 399 avec la RTBF et Etri. Prêt pour le départ ? LOTTO, Loto. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous accueillir ici sur la ligne d'arrivée à Merbeek, ligne d'arrivée du Tour des Flandres 2006, 90e édition déjà de cette épreuve dont toute la Flandre parle. Marc-Hugues Rouven, bonjour, depuis bonjour. 15 jours. Ah oui, au moins, depuis Milan-San Remo et même depuis le Volk. Il n'y a qu'une chose qui continue. Regardez le palmarès récent du Tour des Flandres. Et oui, le drapeau belge est quand même bien présent grâce à Musset, Van Petegem, Schmil, Van Petegem encore, et Bonen, candidat à un doublé. Gagné deux fois de suite, c'est rare. Ça n'est jamais arrivé dans un monument d'attendre aussi longtemps. 33 ans et un certain Le Mans. Le Mann. Éric Le Mann. Le Mann, voilà. Et il fait sec. C'est quand même la grosse info du jour parce que je peux vous assurer que depuis ce matin à Bruges, les coureurs n'ont pas été gâtés. L'UCI Pro Tour. Vous savez qu'on ne parle plus de Coupe du Monde depuis 2 ans. Et donc, au terme des 3 premières épreuves, c'est-à-dire de Tirreno-Adriatico juste avant cela, de Paris-Nice et puis de Milan-San Remo, Landis n'est pas là, Thomas Dekker n'est pas là. Donc Pozzato est le mieux placé, peut-être, pour prendre cette première place. Mais vous le voyez, Tom Boonen est 8e de ce classement très particulier. Donc voici la suite. Savoltelli, Sanchez, Napolitano ne sont pas là, Schleck n'est pas là non plus, Burger non plus, Fréré non plus. Ce sont des spécialistes, Bertagnoli pas davantage. Ah si, Dekker est là, lui qui est à la 19e place de ce classement provisoire du Pro Tour. Donc des conditions atmosphériques très très difficiles, c'est la première info du jour. Il a plu très très fort ce matin au départ à Bruges, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Le classement par équipe, Discovery Channel, et oui, l'équipe naguère, doit-on dire maintenant, de Lance Armstrong, l'équipe Discovery Channel notamment, qui pourra s'illustrer peut-être aujourd'hui grâce à Incapi, De Volder ou Leif Ost, le dernier vainqueur des 3 jours de la panne. Vous avez vu donc ce classement par équipe. Je vous le disais donc, depuis quelques minutes à peine, le ciel s'est calmé. On parlera beaucoup du rôle aussi du vent tout à l'heure. De toute façon, toutes les côtes seront très, très humides et surtout les pavés. Voici, entre Bruges et Merbeek,
très exactement 258 km, les 17 difficultés répertoriées depuis le Molenberg, où les cours ne sont pas encore au moment où je vous parle, jusqu'au Bosberg, situé à moins de 15 km de l'arrivée. Ici, tout cela ramassé en très peu de kilomètres. Voilà cette image dont je vous parlais ce matin. Les coureurs sont partis à 10h et voilà, les parapluies étaient là, vous savez comment ça marche. Il y a une foule considérable évidemment sur la Grand Place à Bruges, et alors toujours un petit peu la frustration aussi des supporters, des spectateurs, car on sort à la dernière seconde des grands bus pour ne pas prendre froid. Vous découvrez ici l'homme dont on parle beaucoup du côté italien, Balan, le seul qui a pu suivre Tom Boonen à Harelbeek la semaine dernière. Il capit qui a failli gagner le contre-la-montre des 3 jours de la panne jeudi. Voici Flecha, dont on sait qu'il est un des rares espagnols à adorer les pavés. On l'appelle le loco, le fou en Espagne, parce qu'il aime les pavés, justement. Et puis on découvre aussi Paolo Bettini avec son casque d'or, souvenir de son titre olympique. Attention à Bettini, le plus léger et le plus petit des favoris aujourd'hui. Eric Zabel, il dit qu'il n'aime pas la pluie, mais attention, week-end dernier, tant à Harelbeek qu'à la Brabanson, il était très très solide. Attention, il ne fait plus partie de l'équipe T-Mobile, on peut le rappeler, il est avec Petacchi, à moins que ce ne soit l'inverse. Pozzato, pour éventuellement un doublé Milan-Sanremo Tour des Flandres qu'il n'y a plus depuis Eddy Merckx. Et dois-je vous le présenter, Tom Boonen, à propos d'Eddy Merckx. Eh bien oui, c'est le dernier Merckx à avoir gagné un Tour des Flandres avec un maillot de champion du monde sur les épaules. Vous voyez, c'est surtout de survêtement qu'on vient de parler avec son grand ami Armand Brouwers, qui le suit partout, qui est là. Et voici Petacchi. Boonen a d'ailleurs déjà dit Petacchi, on ne le verra plus après le Quarmon. On verra tout à l'heure Leif Ost, qui est peut-être dans la forme de sa vie. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, il est passé tout près de la victoire ici, deuxième, et la semaine suivante, bien sans un drapeau malencontreusement placé sur les pavés de Roubaix, on ne sait pas jusqu'où il serait allé. Andreas Klier, attention à lui, c'est également un des grands outsiders. Ivan Peteghem, qui serre la main d'André Schmil, deux anciens vainqueurs. Van Peteghem, sur qui on met beaucoup de pression, il a le sourire, mais c'est notamment son grand patron de David Amon qui met la pression en disant « S'il n'y a pas de résultat, je vais me fâcher, il y aura des sanctions. » Bon, on verra bien ça tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de fonctionner avec un homme comme le Pete, comme on l'appelle ici. Et vous le voyez, il est 10h du matin, un petit peu plus d'ailleurs, quelques minutes de plus au moment où les coureurs s'élancent, avec notamment l'équipe Rabobank et l'équipe Unibet, complètement décimée par les blessures, les maladies, les absences. Et vous le voyez, les tenues sont de circonstance, la pluie, les premiers kilomètres très pénibles, et malgré tout ce public omniprésent comme à chaque fois. Les coureurs sont partis donc pour 258 km, 17 côtes étroites qui vont faire une sélection certainement impitoyable. Et première chute, vous le voyez, de la journée, à un moment où la route est sèche. Premier dégât que nous découvrons maintenant ensemble, et l'occasion aussi de vous signaler le dispositif qui sera le nôtre aujourd'hui. En l'occurrence, nous aurons bien sûr Marc Uytterhoven comme co-commentateur, et Laurent Bruvier, qui est en contact direct avec Radio Tour, avec tout ce qui se passe, et qui ne manquera pas de nous intervenir, d'intervenir et de nous informer aussitôt que possible. Et ça n'est pas tout, nous aurons également Benjamin Tseninck sur le bord de la route, cette route que l'on découvre ici avec ce pavé. Et regardez ces roues, on se croirait déjà presque dans Paris-Roubaix, là, ce sera seulement pour la semaine prochaine. Regardez, avec ici en l'occurrence, le premier coureur que vous avez sous les yeux, c'est Eladio Sanchez, un de ces coureurs espagnols qui se demande vraiment ce qu'il est venu faire dans cette galère. Rodrigo, voilà, bonjour, Laurent. Première information, on a vu des images de la chute tout à l'heure, et c'était Wim de Vock qui était une des victimes de la chute, Wim de Vock qui a été emmené à l'hôpital. Van Peteghem a eu une crevaison, vous le voyez en image. Il a été attendu et dépanné par des équipiers, et il est rentré sans problème dans le peloton. Ça s'est passé il y a quelques minutes, quelques instants seulement. Très important ce que vous nous dites là. Premier événement ici, c'est Vogels qui donne en fait sa roue, lui qu'on appelle le petit oiseau ici en Flandre, c'est ça? Vogeltjes, oui. Vogeltjes, hein. Et donc Van Peteghem dépanné. De Vogt, c'est un coup dur pour Van Peteghem, parce que De Vogt, c'est un de ces gars qui devait beaucoup travailler, qui a gagné le Tour des Flandres, si je ne m'abuse, chez les Espoirs, et un de ces jeunes qui devait être très utile. Donc, plus de Et de qui Vogt. Était en pleine forme en plus. En plus, il était en pleine forme, et c'était aussi un titulaire indiscutable, car en effet, il y a eu notamment des imprévus. C'est le cas de Nico Matan, qui n'est pas là, et qui a été remplacé par Dox. Donc, De Vogt était une valeur sûre, c'est un mauvais coup, alors que vous découvrez le groupe ici sous vos yeux, avec Marichal, Auger, Schmitz,
Albasini, Boucher et Reinrink. Un petit groupe avec quand même déjà Marc Uytterhoven, un équipier de la T-Mobile qui se trouve là, et donc de Andreas Klier. C'est intéressant. Absolument, parce que Andreas Klier, lui, il est vraiment très très confiant. C'est lui qui dit dans la presse flamande de toute façon qu'il va battre Bohlen. Il faut l'oser hein, pour l'instant. Donc il est vraiment très confiant. N'oublions pas qu'il était deuxième déjà l'année dernière, Andreas Klier, et qu'il a vraiment bien marché le week-end dernier déjà au Grand Prix E3 à Arlbeek. Oui, et s'il n'a pas pu accompagner Bohnen et Balan, c'est aussi peut-être parce qu'il avait anticipé Klier. Oui, il faisait partie de l'échappée matinale. Voilà. Et Thierry Marichal, c'est un habitué. Thierry est là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le plus flamand des coureurs wallons? Dans son style. Dans son style, certainement. Ouais. Oui, absolument. Ouais, bon. 11e ici, hein, oui, déjà dans le passé, en partant comme ça de très loin. Je ne vais pas dire que Philippe Gilbert est tout à fait flamand, mais c'est quand même quelqu'un, depuis qu'il a gagné le Volk, qui a gagné beaucoup d'estime chez nous. Et bon, moi, je l'ai vu surtout l'année dernière pendant les épreuves de Coupe de France, qu'il est plus ou moins obligé de faire parce qu'il est dans une équipe française. Mais je vous assure que Philippe Gilbert, il a fait impression chez nous. Hein. Et étonnant, si on regarde le palmarès, jamais quelqu'un n'a réussi le doublé de Volk Tour des Flandres. Ça on dit, comme dit Philippe Gilbert lui-même, au Volk, la dernière montée est à 400 km de l'arrivée, c'est lui qui le dit. Et donc, mais ça veut dire effectivement qu'il y a une énorme différence entre le Tour des Flandres et le Volk. Le petit Tour des Flandres, c'est quand même plutôt le Grand Prix E3 de samedi dernier. Quoique, là aussi, la dernière difficulté est à 40 km de l'arrivée. Et voilà ce peloton qu'on avait vu juste avant le début, juste avant la prise d'antenne. On avait vu le peloton très étiré, c'était sur un secteur pavé, avec deux équipes. En première file, Discovery Channel. Attention, c'est donc l'équipe du trio Incapi, Host, De Volder. Et puis juste derrière, l'équipe T-Mobile, donc de Andreas Klier, déjà très attentif, mais déjà dans une position d'attente. Oui, et c'est la seule équipe qui est dans cette position-là, donc c'est la seule équipe qui a un représentant devant. Équipe, on va dire, de vrais favoris. Oui, oui, voilà, exactement. Donc, les autres, enfin, on va quand même pas dire que l'équipe hollandaise Kiel de Reinrink qui est devant fait figure de favori. Hein. Donc, c'est la juste petite équipe invitée. Hein. Oui, exactement. Voilà. Donc les coureurs qui sont partis de Bruges, qui sont passés à Breden, où tout le monde était habillé, couvert. Même si la plage est célèbre là. Oui, voilà. Ça fait aussi partie. Plage naturiste. Ça fait aussi partie des plaisirs de la Flandre, ça. Hein. Mais on met des pullovers, mais rien en bas, quoi. D'accord. D'accord. Faut être courageux. Bah, c'est le règlement. Puis à Ostende et à Middelkerk, histoire de passer. On n'a pas. Histoire peut-être de passer au casino. Gistel, c'était la ville suivante, la ville de Johan Musset, triple vainqueur. Puis Courtrai, ça veut donc dire qu'on ne longe plus la mer pendant 25 km, comme on l'a fait pendant, je dirais, à peu près la moitié des années 60, au temps de Van Looy. Et puis Arlbeek, le premier ravito. Je vous signale quand même que dans la première heure de course, 41 km 200 ont été parcourus, ça n'est pas mal. 199 coureurs au départ, toutes des équipes de 8, sauf une équipe partie à 7, c'est l'équipe Liberty Seguros, qui n'a pas remplacé Barredo, lequel était parti, était tombé en milieu de semaine. Et donc l'équipe Liberty Seguros est partie à 7 avec peut-être, comme coureur intéressant, José Joaquín Rojas, qui est un tout jeune coureur néo-professionnel qui s'est drôlement bien tiré d'affaire aux 3 jours de la panne. On découvre ici notamment Eric Dekker sur la gauche. Eric Dekker qui a été battu ici pour une question de millimètres dans un sprint qu'il n'oubliera jamais face à Bortolà. Il ne se rendait pas compte, hein. Je l'ai vu, c'était l'an 2001 et je faisais des interviews de ici dans un café, bar, un bistrot, juste bar, à côté, un toujours, bar, juste oui, à côté. Vous faites souvent les interviews dans Oui, je suis bien obligé, c'est mon habitat. Donc, et il arrivait, il n'avait pas bien compris ce qu'il avait perdu, quoi. Donc on lui montrait l'image, parce qu'il partait en 8e position, parce qu'il y avait un groupe de tête de 8, et il partait comme quelqu'un qui, enfin, désintéressé complètement. Et bon, tout d'un coup, il se met au jeu, et il arrive on ne va pas exagérer, mais à 10 cm de Bortolami, et il fait deuxième. Et donc, il répondait, oui, si je le vois comme ça, bon, j'ai perdu, mais si je l'aurais gagné comme ça,
Ça aurait été belle quand même. Hein. Et ce n'est qu'après coup que Eddy Merckx lui avait presque engueulé, mais tu ne comprends pas ce que tu as perdu. Tu viens de passer à côté de la chance de ta vie. Ouais, et puis après, il en a été malade quand même. Et Dekker est en forme, hein. il faut bien le dire. C'est l'autre arme de l'équipe Rabobank, avec Flecha bien sûr. Dekker qui, ne l'oublions pas, vient de se classer 7e de Paris-Nice et 2e du Critérium. International. Il a gagné la première étape à Charleville-Mézières. C'était assez bizarre, hein, cette première étape qu'il a gagnée. Il avait une chute de l'ancien champion du monde Hamilton à Stalloa. Ils étaient quatre devant et il pleuvait. Et il a glissé et puis il a encore gagné. Donc le coureur devant lui il tombe et lui il arrive encore à battre les deux autres sprints. Ah, et nous allons avoir notre première insert téléphonique. Nous avons la chance d'être au cœur de la course avec Freddy Avlanche. Bonjour Freddy. Bonjour Rodrigo et bienvenue au cœur du peloton de la 90e édition du Tour des Flandres. Vous nous rejoignez au moment où nous venons de franchir le cap de la mi-course et au moment où Peter Van Petegem vient de rentrer au peloton après sa deuxième crevaison subie en moins de 4 km. Nous n'avons pas encore bien sûr abordé les premiers secteurs pavés, mais pour l'instant, alors que voilà encore une chute qui se produit juste devant nous, eh bien sachez que nous avons déjà parcouru 130 km et que la moyenne générale est de 43 km 600, que les opérations de départ se sont déroulées sous la pluie, mais que depuis le départ, eh bien les conditions climatiques sont meilleures et pour l'instant on peut dire évidemment que toute la Flandre est sur les routes pour suivre cet événement. Alors sachez que du côté d'Ictegem, d'Isegem et de Courtrai, c'était vraiment une foule énorme et que l'on s'attend évidemment à une très très grosse bataille. Frank Van den Broek n'a pas encore abandonné, en tout cas nous n'avons pas l'information, mais il a été deux fois mis en difficulté au kilomètre 68 et au kilomètre 91. Deux coureurs ont été emmenés vers la clinique, Michael Berry de l'équipe Discovery Channel et Emile de Vogt de l'équipe David Amon Lotto. Ce sont les faits saillants que nous avons retrouvés depuis le début des hostilités, Rodrigo. Freddy, une petite question à propos de saillants. Vous pourrez monter le Koppenberg en voiture? Ah ben on lui demandera après. En tout cas, il a été très clair avec nous. Barry aussi. Donc c'est l'autre info. Outre de Vogt à l'hôpital, Barry qui était c'est le seul Canadien engagé dans cette course et qui était au service du trio de Discovery Channel. C'est une perte aussi. Et vous avez vu Renaud Dillon tomber, dont la maman ne s'appelle pas Céline, moins à ce que je sache, mais donc victime de la chute dont nous parlait en direct de Freddy Avlanche, qui a beaucoup, beaucoup de boulot et qui nous a permis de vivre ça. Mark Waters qui dispute son dernier Tour des Flandres et qui se trouve là. Et c'est clairement donc l'équipe Rabobank qui se met à rouler derrière ce groupe de tête. On a pu entreapercevoir le plus petit et le plus léger des favoris, c'est Bettini qui se trouve là coincé aux alentours de la 10-12e place. Serpellini aussi pour l'équipe Unibet. Et puis arrivent déjà deux coureurs de l'équipe Liquigas sur la droite, dont le leader s'appelle Paolini, un ancien de Patrick Lefebvre et qui s'est classé pour la deuxième fois de sa carrière, troisième à Milan-San Remo sur la Via Roma. Et vous voyez à gauche donc le groupe de tête. Alors c'est l'habitude, chaque année c'est comme ça, il y a ce genre d'échappées, parfois d'illustres inconnus qui sont là aussi pour les sponsors, avec la télévision, des baroudeurs, des rebelles, qui doivent faire preuve d'audace et de culot, mais en se disant quand même que ça va rarement au bout, hein. Oui, effectivement, ce qui m'étonne un peu, c'est que d'habitude, ce ne sont que des Flamands qui veulent faire un peu leur publicité. À part le Flamand Thierry Maréchal, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, et Boucher n'a rien, même s'il aime. Hein, c'est un des Français qui aime véritablement ce genre de circonstances. René Martens, en 82, est allé jusqu'au bout. À la suite d'une forme d'amnésie, de renonciation collective. Je m'en même bien à l'époque s'il y avait des coureurs qui ignoraient jusqu'au fait que Martens était devant. Alors, on a eu 10 ans plus tard. Vous vous souvenez le quatuor Roulant, Wegmüller, Durand et un petit wallon Mavis. De l'équipe Karagiz, absolument, Hervé Mavis et Wegmüller et surtout Durand sont allés jusqu'au bout. Oui, mais c'était quand même un sacré numéro. D'abord, il y avait Wegmüller, et Wegmüller, c'est comme emprunter une moto. Oui. D'ailleurs, Dirk De Mol l'a fait aussi à Paris-Roubaix en 88. Exactement. Donc, il marche. Hein.
Wegmüller. Et en plus, comme dit encore Edwig van Hooydonk dans la presse flamande hier matin, disait que c'était quand même un sacré numéro de Jackie Durand, parce qu'ils avaient quand même roulé. Ce n'était pas un renoncement, comme vous dites, à l'époque de René Martens en 82. Non, non, en 92, on avait vraiment chassé derrière, un peu trop tard sans doute, mais on avait vraiment chassé derrière Jackie Durand. Et on n'a rien repris à la fin, dans la finale. Vous avez vu, c'est un camion pris en sandwich par le peloton. Ah oui, encore, une image assez rare, regardez. Je vous laisse continuer, Marc. Ça commence à ressembler à l'Amstel Gold Race, comme ça. On a encore eu d'autres cas. Hein. On a eu Theiss qui est parti en 2002. Après 30 km, il a tenu jusqu'au pied du mur. Donc 210 km devant. Attendez, je pensais que vous parliez de Philippe Theiss. J'étais complètement confondu là. Donc c'est Erwin Theiss. Erwin, ouais. Hein. Oui. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Et Leif Host, il y a 2 ans, non? Exactement. Host, il y a 2 ans, dans un groupe de 26 qui était parti dès le 11e kilomètre. Il s'est classé 2e. Et alors l'année passée, pour la petite anecdote, parti au kilomètre 75, je vous donne les noms. Zabaya, c'est celui qui a tenu le plus longtemps. Marzoli, Mouret, Barredo, Bachstedt et Boucher. Tiens, et il est là de nouveau. Oui, de nouveau. C'est le numéro 228 qui est là. Alors, David Boucher, vous savez qu'il vit en Belgique, à Momigny. Il vient seulement d'avoir 26 ans. Et c'est un gars qui, déjà chez les Espoirs, avait gagné le Tour d'Anvers et l'étape du Tour du Brabant flamand. Donc quand même... Il aimait ça. Il s'était classé 90e du Tour des Flandres l'année dernière pour sa première expérience après être parti au début. Donc ça veut dire qu'il a quand même terminé l'épreuve. Et l'avantage, c'est qu'Hilaire van der Schuurn lui offre la possibilité de s'exprimer tant sur la route qu'en cross. Il est issu du cyclocross. Il est donc d'origine belge. On ne va pas faire la récupération ici, ce n'est pas le but. Il a couru en amateur 2 années en Belgique avec qui ? Dick de Wolf. Et... voilà, pour vous présenter en quelques mots ce garçon qui a de réelles possibilités, qui aime Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, les conditions venteuses et pluvieuses. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a aujourd'hui. Minutes 51, au moment où nous sommes sur ce secteur pavé, à 126 km de l'arrivée, nous sommes sur le secteur pavé tant redouté qu'il va nous mener de la Borst-Steekhouterstraat à la Paddenstraat. Ça, c'est quand même, Marc, un des moments les plus terribles ici, la Paddenstraat. Hein. Bon, ça a été, les pavés ont été remis hein, il y a 10 ans de cela, je pense. Donc déjà, ce n'est plus comme avant. Mais bon, vous voyez déjà, pour éviter les pavés... 2,5 km. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et en évitant les pavés, parfois, on se fait plus mal. Enfin, pas plus mal aux gens, mais au matériel, quoi. Parce que, enfin, ici, ça va, il y a de l'asphalte. Mais les bas-côtés sont souvent pleins de gravillons et on prend plus de risques, quoi. Voilà, celui qui va à gauche, là, le Rick Reinerink, le Hollandais de la petite équipe Skill. Dont le leader est Vierhouten. Vierhouten, oui, c'est ça. Et attention, parce qu'à la sortie du secteur pavé de la Paddenstraat, nous serons à 12 km du pied de la première bosse, le Molenbeek. On voit ici en effet Reinerink dans cette équipe Skill Shimano. Ça rappelle des souvenirs peut-être au... Sean Kelly. Au nostalgique, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Alors voici Boucher. Et même si on essaye de prendre une trajectoire plus intéressante, je vous assure que là, comme vous le voyez, on est à 125 km de l'arrivée. Donc on a déjà 133 km exactement dans les jambes. Nous sommes à Velzeek. Rodrigo, c'est Bram Schmidt hein, qui fait le travail en tête dans la Paddenstraat. Et en tête du peloton sont 4 coureurs de la T-Mobile qui mettent le tempo. C'est la course à la place pour venir dans la Paddenstraat. Voilà, yep. Exactement. C'est le premier des nombreux sprints. Il y en aura beaucoup d'autres avant chaque berg, dont on aura l'occasion d'en parler, le Molenberg, qui lance véritablement ce Tour des Flandres, même si beaucoup estiment que c'est déjà ici qu'on sent si on est dans un bon jour ou pas. Hein. On le sent, mais on ne le voit pas encore. Enfin, les autres, les concurrents ne le voient pas encore. Alors, important aussi pour la météo, c'est vrai, un ciel un peu plus dégagé, mais regardez la route, avec tout ce qui est tombé encore, notamment ce matin, la route oui, on ne sera pas sèche, hein, mais on aura du beau temps, relativement. Un beau soleil sur la ligne d'arrivée. Donc. Et donc, malgré la présence de Schmidt devant, eh bien, on découvre une belle équipe T-Mobile avec les grands... Je crois que c'est Jack Lear en troisième position. Hein. Il y a Greipel qui se trouve là. N'oublions pas qu'aussi qu'avec des garçons comme Burkhardt, il y a vraiment
du poids, de la puissance. Et nous nous trouvons ici en queue de groupe de tête avec Auger, qui aussi de la tête. Et de nouveau cette foule, comme disait évidemment la plupart de ces coureurs, lorsqu'ils parlent avec beaucoup d'émotion dans la voix du Tour des Flandres. Ce qui est extraordinaire dans le Tour des Flandres, c'est qu'on a l'impression d'évoluer pendant toute la journée dans un stade de 30 000 personnes. Et vous avez vu qu'il passe même une galerie d'art avec des caricatures de coureurs et d'anciens coureurs. Vous avez vu aussi que tout à l'heure, il y avait deux coureurs dans le groupe de tête qui sautaient des bas-côtés sur les pavés. Et c'est sans doute de cette façon-là que Wim de Vocht, entre autres, est tombé il y a un quart d'heure. C'est en sautant des bas-côtés sur la route. Et il suffit qu'il y ait un coureur qui rate un peu son saut et tout le monde est par terre. Et le sprinter australien Graham Brown, qui est en difficulté et qui est lâché. Il a remplacé Bram de Groot aussi dans une équipe quand même Rabobank très décimée. Oh là, voilà, chute. Voilà, nouvelle chute en queue de peloton. Et la principale victime de cette chute me semble être Angel Gomez, le coureur espagnol. Encore quelqu'un qui va pas aimer les frites. Il y avait Mouret aussi. Et Bettini qui arrive à gauche. Déjà le champion olympique, Paolo Bettini, 32 ans hier. Lui, c'est pas un poisson, il est né un 1er avril. Le Toscan, 16e en 2002, 9e il y a 2 ans. Il marque dans les années paires sous le Tour des Flandres. Voilà Bettini qui a pris quelques mètres. Et qui a raison d'essayer d'anticiper un peu sur ce qui va s'arriver, sur ce qui va se passer tout à l'heure dans la zone des petits monts. Et en plus, à cause de lui, déjà, Quick-Step a bu du champagne hier soir. Pas beaucoup pour eux, j'espère, mais bon, ils l'ont fait de toute façon. Pour fêter son 32e anniversaire. Mais il est quelqu'un qui est très bien dans l'anticipation. Disons que l'année dernière, au championnat du monde à Madrid, c'était lui qui avait anticipé le rôle de favori de Petacchi dans l'équipe italienne. Maintenant, c'est Bonen qui est favori. Et donc, il aime ce genre de situation. Pas qu'il est devenu champion du monde, bien sûr. Même si on continue à penser que ce sera dans une dizaine de jours qu'il va trouver vraiment, à partir de l'Amstel Gold Race, et surtout dans les classiques wallonnes, il va trouver son terrain de prédilection. Hein. Mais la force de Bettini, c'est qu'il peut gagner partout. Et ça, c'est quand même agréable d'avoir encore des coureurs qui ne sont pas trop spécialisés. Parce que, bon, à l'époque déjà, on avait des gars comme Van Imp qui étaient spécialisés dans les grands tours, dans la montagne. Mais maintenant, on a déjà des coureurs qui sont spécialisés dans une ou deux classiques, comme Van Petegem, par exemple. Raison pour laquelle il est vraiment très critiqué pour l'instant en Flandre. Voilà encore une fois l'œuvre d'art. Oui, voilà, exactement. Galerie, et oui. Alors Laurent, vous étiez ce matin au départ à Bruges, où vous avez véritablement bravé les intempéries, et vous êtes revenu avec des petites surprises pour les téléspectateurs. Oui, quelques petites surprises. Il y avait parmi les coureurs qui sont capables de s'illustrer sur les monts flamands et qui seront encore là normalement dans les Ardennaises, il y a Philippe Gilbert. Hein. On l'a vu tout à l'heure aussi venir en tête de peloton. Il était là ce matin, je lui ai un peu parlé de sa course et du grand favori Tom Bonen. Comment faire pour battre Bonen? Et puis est-ce que lui, le vainqueur du Volk, est capable de faire quelque chose? On peut l'écouter. Oui, et Bonen est juste là d'ailleurs. Philippe, comment battre le grand favori aujourd'hui qui est Tom Bonen? Bah, je pense qu'il y a tout le monde qui a fait des plans pour le battre lui, parce que je crois que si on le bat lui, on gagne. Donc le but c'est quand même de gagner. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont imaginé beaucoup de scénarios différents. Et c'est pas toujours évident de savoir lequel va se dérouler. Mais bon, la pluie va un peu nous gêner au début de course. Puis après, j'espère qu'il va savoir sécher. Mais tous les monts vont pas être secs, parce que sur le pavé, il faut plus de quelques heures pour que ça sèche. Et même, je pense que les gens préfèrent mouiller le pavé pour nous voir glisser que de le laisser sécher. Course dangereuse aujourd'hui? Ouais, très dangereuse. Bon, il y a beaucoup de nervosité au peloton depuis le début de saison. Et sur des courses comme ça, je pense qu'il va y avoir des gros tas de coureurs à terre. Et il y aura des gens à l'hôpital ce soir. Ouais. Dernière question, on parle d'un plan, mais comment battre Bonnet justement? Quel plan? L'isoler, l'attaquer tôt? Bah, le problème, c'est que c'est un peu lui qui décide, parce que c'est lui qui attaque, donc il n'y a pas beaucoup à faire contre lui. Je pense que quand il attaque, il faut peut-être pas aller directement dans sa roue, il faut plutôt laisser faire les autres et revenir après. Parce qu'au moment où il attaque, c'est pour se mettre dans le rouge et
casser le moteur. Vous avez gagné le Volk, petit tour des Flandres, vous êtes un des outsiders. Ouais, outsider, ouais, mais bon, je suis au même niveau qu'une quinzaine, vingtaine de coureurs, je veux dire. Et bah, c'est pas évident à ce niveau-ci, à des courses de ce niveau-ci, de prétendre quelque chose, mais c'est sûr que je ferai le meilleur que je peux et j'irai le plus loin possible. Merci Phil. Oui, et il y avait des gens à l'hôpital, il a dit, mais il y a déjà de Vogt et Barry. Pendant ce temps-là, vous l'avez vu, il y a une difficulté réelle, c'est les 2 km 400 de la Padestrade. Vous avez vu les dégâts d'hélicoptère, c'est déjà cassé au minimum en 3 gros blocs, même si le deuxième revient. Donc ça vous situe quand même à quel point ça va être dur. Et nous serons dans quelques instants en direct dans le journal télévisé d'Anne Delvaux. Vous ne m'en voudrez pas d'être légèrement redondant. Et ça va revenir, mais pour à mon avis encore mieux éclater dans quelques kilomètres au Molenberg. Nous sommes dans l'entité de Zwalm, une commune des Ardennes flamandes qui offre aux visiteurs, vous voyez, des paysages champêtres si on est par la Zwalm, justement. Il n'y a pas une marque de bière, hein? Non, non. Exceptionnellement, ces collines que vous découvrez, idéal pour les promenades à pied ou à vélo. Hier, 15 000 touristes, cyclotouristes sur le parcours. Et on annonce aujourd'hui, tenez-vous bien, 1 million de spectateurs sur l'ensemble des routes du Tour des Flandres. Et on n'est que 6 millions, hein? Les Flamands, oui. Donc 1 sur 6. Mais, Marc, avec, nous dit-on, selon une enquête très sérieuse, 11% d'étrangers, des Polonais, des Suédois, même des gens qui viendraient d'Angola, et 40% dit, moi, je viens pour l'ambiance. On peut comprendre. Et malgré la présence de Albazini devant, eh bien, l'équipe Liquigas de Paolini délègue 3 coureurs à l'avant du peloton. C'est intéressant, c'est aussi dans la perspective d'être bien placé avant le Molenbeek. On l'a vu, ça a bien roulé sur la Padestrade. Et puis, sur le laps de temps maintenant entre la Padestrade et l'approche du Molenbeek, on est en train de récupérer, ce qui fait bien l'affaire des coureurs lâchés et qui peuvent in extremis rentrer. Mais on va vraiment jouer à l'accordéon tout au long de la journée, parce que je pense que ceux, à la limite dans le deuxième groupe, on peut avoir eu la malchance, mais quand on est dans le troisième, je crois qu'on a compris que ça sera galère toute la journée. Voilà, regardez, le but c'est de revenir et de remonter, de revenir se placer. Ça se voit, mais bon, tous les favoris sont quand même dans le premier paquet, je pense. Sinon... Où on a vu sur une même image le maillot de champion du monde et de champion de Belgique. Ça fait quand même plaisir dans une grande classique chez nous comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Et dans une même équipe. Hein. C'est vrai, puisque Serge Baguet est là. Ah, absolument, tout le monde ne parle que de lui, je peux vous l'assurer, Anne, ici en Flandre, c'est déjà un demi-dieu et je suis gentil en parlant que de demi. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, il y a une course assez prévisible avec un petit groupe de 6 coureurs qui se trouvent devant. Maréchal, le coureur wallon, Schmidt, Auger, Boucher, Albazini et Reinerink. Et ces coureurs comptent 2 minutes 58 secondes d'avance sur le peloton que vous avez là à l'image. Il y a du soleil, mais c'est tout à fait neuf parce qu'il est tombé énormément de pluie jusqu'à peu près 11h du matin, donc les difficultés seront très dangereuses. Et puis vous dire qu'on attend 1 million, vous entendez bien, 1 million de spectateurs au bord de la route, beaucoup d'ambiance et une course qui va débuter dans quelques instants, si j'ose dire, puisque la première des 17 difficultés, le Molenberg, c'est pour dans 5 à 6 km et nous sommes bien sûr sur la 2 toute l'après-midi. Et on voit que cela travaille ferme maintenant dans ce groupe avec, vous l'avez vu, Reinerink dans la roue de Schmidt. Voici Boucher. Vous voyez, plus que 4,5 km pour le Molenberg. Alors il va falloir évidemment essayer de découvrir cela. C'est à hauteur de la localité de Boucle-Saint-Denis qu'on commence à faire le sprint véritablement pour venir se placer. C'est un véritable sprint, Marc. Pourquoi Parce que le Molenberg est, comment dirais-je, très étroit, très raide, et surtout un entonnoir, il y a un virage avant. Un virage juste avant la montée. Donc le cinquième coureur, il est à 2 à l'heure, par exemple. Enfin, il fait presque du sur-place. Donc tout le monde dit que c'est essentiel d'être dans les 15 premiers. Un bon indice, il faut presque être dans les 5 premiers. C'est un peu...
on a envie de dire que le kilomètre avant, c'est un petit peu comme un départ de cyclocross. Oui, exactement. Et en plus, la portion la plus raide, c'est assez au début de la montée, donc on va avoir du spectacle, j'espère, dans le bon sens. En fait, on quitte une large route asphaltée pour un chemin pavé étroit sur la droite, et les coureurs disent chaque année que c'est plus le virage que la montée elle-même qui est redoutable, et notamment redoutée en raison des chutes. Donc 300 mètres, le Molenberg, précédé de 25 mètres d'asphalte, et puis 300 mètres en pavé, très raide. Molen en flamand, on traduit moulin, le mont des moulins. Le mont du moulin. Du moulin. Et tiens, ce serait peut-être juste le moment avant ce sprint d'aller écouter ce que vous a dit ce matin. Vous êtes allé voir un ancien vainqueur, Laurent. André Schmil, très intéressant. Je lui ai demandé quelle était la tactique pour battre Bonnen. Et la réponse, c'est Schmil en personne. Hein. Allons-y. Quelle tactique faut-il mettre au point pour battre Bonnen aujourd'hui? À mon avis, il faut vouloir gagner la course. C'est pas la tactique pour battre Bonnen. Il faut développer une tactique pour gagner le Tour de Flandre. Quand vous jouez, quand vous roulez contre quelqu'un, vous êtes toujours lié à votre adversaire. Et quand vous avez une idée de gagner la course, alors vous faites la votre propre course. Et vous, si vous étiez directeur sportif dans une équipe, ce serait quoi la tactique alors? C'est difficile de dire comme ça. Il faut savoir dans quelle équipe je suis directeur sportif et quel coureur j'ai dans mon équipe. Allez, choisissez une équipe, mettons, vous êtes directeur sportif chez David Amon-Lotto avec votre Petogame. À mon avis, il faut faire la course plus dure possible dès le début. C'est comme ça, quelqu'un qui a des bons, essayer d'éliminer plus possible des coureurs et après de faire une bataille directe dans les pavés entre les directs favoris. Pour ce qui est de la musique de fond, vous avez reconnu à la programmation Laurent Bruvier, évidemment. Vous avez remarqué, vous avez entendu les paroles? C'était juste avant le départ et c'était un groupe folklorique flamand qui nous chantait « Par » en français. Merci pour ces précisions, Laurent. L'équipe Lamprey qui arrive, attention à cette équipe-là, qui est aussi un des blocs dont on parle. Bien sûr, il y a Balam, mais il y a 4 ou 5 coureurs qui, dans les épreuves du week-end dernier et à la panne, ont montré qu'ils étaient en condition. Que tout à l'heure vous disiez Balan c'était le seul à pouvoir suivre Bonnen, vous avez bien raison, mais il ne faut pas oublier que c'était Balan qui a démarré attaqué. Le premier, c'est lui qui a absolument placé l'attaque. Vous avez tout à fait raison, dans le Paterberg. Oui, exactement. Il faut savoir. Et en plus, qui est-ce qui a attaqué le premier dans le Poggio Balan. Il y a 2 semaines, c'est Balan aussi. Hein, donc, Et oui, c'est un Vénitien, et vous savez qu'il a découvert ses premiers pavés lors de Kurn-Bruxelles-Kurn il y a 2 ans, et c'est Bortolami qui l'a un petit peu, qui lui a appris à aborder tout cela, qui l'a conseillé en quelque sorte. Et il rappelait aussi Balan que pratiquement tous ses succès, il les a conquis dans des conditions atmosphériques difficiles. Il a notamment gagné 2 de ses 3 courses en Belgique. Hein, à Zottegem, la plus difficile des 3 jours de la panne l'année passée, et à Verviers, histoire de ne pas faire de jaloux d'un point de vue linguistique, lors, si je ne m'abuse, du Eneco Tour. Il n'a pas gagné à Bruxelles? Pas encore. Et voilà Freddy Avalanche, après l'avoir eu, je vais dire, c'est décidément, c'est la grande vedette aujourd'hui, après l'avoir eu à votre micro, et bien maintenant, on l'a en chair et en os. Par contre, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure, que Frank Vandenbroek avait des difficultés, parce que ça fait partie du plan de Vandenbroek qu'il a annoncé. Donc il se fait lâcher de temps en temps, comme il a fait dans l'étape de mercredi des 3 jours de la panne de Coxine. Il se fait lâcher et qui est-ce qui a amené le peloton dans les 2 derniers kilomètres ce jour-là? C'était Frank Vandenbroek. Donc ça fait partie du plan, à mon avis. Ah, le voilà. Ah non. Donc nous continuons maintenant l'approche du Molenberg. Vous voyez que Léon Van Bonne est là aussi avec son maillot de champion des Pays-Bas. Il était malade le week-end dernier, malade aussi à la panne. Pourtant c'est un gars 8e et 4e ces 2 dernières années qui dans un bon jour est plus qu'un atout de premier choix pour Peter Van Pelerin. Mais dans quelles conditions est Van Bonne? Ça c'est une grosse énigme. Alors l'équipe Rabobank qui met aussi en route avec des garçons solides comme Matthew Heyman, l'Australien. On voit bien sûr Bonnen qui est dans la route Bettini, quel luxe. Kretskens qui vient aussi aux avant-postes avec son maillot bleu et blanc. Et le grand Van Imp, Kevin, qui n'est autre que le neveu de Lucien.
le papa de Kevin Van Im, c'est Frank Van Im, ancien professionnel, lui aussi, moins célèbre, ouais, évidemment. Et que Bonen voulait absolument près de lui. N'oublions pas que pour il est vice-champion de Belgique, hein, quelques centimètres près, à Saint-Hubert, mm-hmm, avec Baguet. Et vous voyez cette image toujours intéressante, oh oui, de ce sprint, dis... véritablement. Il y a, pour la première fois, je crois, Marc, plus que dans la Padostrade, il y a maintenant une sorte de fébrilité qui arrive. Je vous rappelle que le Molenberg est redevenu la première difficulté, comme jadis. En 1990, quand Argentine a gagné ici, c'était en partant dans le Molenberg, mais qui était mis sur la fin. Il était parti avec Danens. Laurent. Non, juste pour vous dire ce que vous découvrez, Roger Amon, victime d'une crevaison à un mauvais moment, hein, puisqu'on approche à grands pas du Molenberg. Oui, donc Barry qui est à l'hôpital. On a vu Gusev, très bon dixième l'année dernière, à l'arrière du peloton pendant l'interview de Tchmil. Et maintenant, Hammond. Et nous sommes de nouveau en compagnie des six coureurs devant. Je vous rappelle que le maillot rose qui est devant, c'est Schmitz. Que l'homme qui est tout derrière ici, c'est Boucher. Le coureur de l'équipe Skill, c'est Reinerink. Nous avons Albazini, le maillot vert fluo, qui est donc un équipier de Paolini. Et voilà le virage à droite. Ici, assis, c'est plus facile. Vous voyez, on part de cette grande route. C'est étroit. On repart. Et tout de suite, là, il faut mettre le petit braquet. Vous allez voir comme ça va monter très vite. 14,2% en effet d'entrée. Voilà. C'est là où se trouve maintenant Thierry Marichal, que ça devient dur. Thierry qui emmène ce Tour des Flandres. Et pavé assez sec, pas trop debout. Donc, parce que je pense déjà au Koppenberg, moi. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu curieux de voir la condition des pavés. Mais ça va, ça passe. Dont on a volé trois pavés. Quatre déjà. Quatre. Ah ouais, des chasseurs de souvenirs. Laurent. Non, juste pour vous dire que dans le virage à droite, il y a un restaurant qui s'appelle les Coucous de Malines. Ah oui, voilà. Voilà, les Coucous et de Malines. Et du coup, on vous montre du vert et blanc, les couleurs du Racing de Malines. Oui, une petite équipe qui a ses droits aussi, hein, à exister. C'est pas ça. Hein. Et qui ont gagné à Capellen 0-1 hier soir, donc que du respect. Et vous voyez que Boucher et Reinerink sont en difficulté. C'est un peu plus simple pour Auger, Schmitt et Albazini qui restent dans la roue de Marichal, lequel a fait donc la montée du Molenberg. Si on parle de pousser, ça c'est pousser quand même. Ah, ça va mieux. Voilà, et au sommet, il reste 2,9 km. Un petit peu plus quand même. Oui, 2,9 km avant le Wolvenberg. Mais avant le Wolvenberg, on aura deux secteurs pavés, dont le fameux de Matterkerga de 3 km. Attention. Et voilà, déjà, il y en a deux qui sont lâchés. Boucher et Reinerink. Reinerink est un colosse, véritablement. Force de la nature. Et très peu de temps maintenant pour revenir, car je vous dis, on va véritablement enchaîné deux secteurs pavés et le Wolvenberg. Alors voici maintenant ce peloton complètement étiré. Il y a un sprint. Maintenant, les favoris doivent être là. Pour la première fois, on peut se permettre de ne pas être tout devant dans le Patrick. Et regardez déjà le champion de Belgique devant le champion du monde. Oh, et un sprint, vraiment un sprint. Hein. Adrie van der Poel disait hier que les Clear van Peteghem, Marc. Clear, ouais, van Peteghem. Oh, ouais. Bonen va passer en tête. Bonen qui assume son statut de favori. Bonen. Clear, Van Peteghem, Paolini, oh là est là, là également. Là. Et puis un petit peu plus loin, Incapi, qui est déjà. Bonen. Qui est dans la roue de Bonen? Voilà le problème, voilà le problème. Tout pied le monde est à pied, quoi. Pied à terre, ça c'est clair. Et Bonen qui accélère encore. Il faut qu'il s'économise. Et déjà. C'est un coureur de la FDJ. Ouais, et regardez, tout le monde est à l'arrêt. Voilà, ça fait perdre des minutes, hein, de suite. Si devant ça continue, bien entendu. Alors Gilbert ou Hazel derrière? Van Peteghem en troisième position. Pour moi, c'est Gilbert. Donc Bonen, Gilbert. Paolini, Clear. Van Peteghem, Paolini, Clear. Le grand Burkhardt est là également. Je vois aussi des maillots Discovery Channel. Il y a certainement Incapi et probablement. Voilà, Incapi, c'est le premier qui est là. Il a des lunettes très particulières, on le reconnaît facilement. Donc Bonen, Gilbert, Van Peteghem, Paolini, Clear. Incapi, c'est intéressant quand même. Hein. Mais ça, c'est moi. Donc, Bonen, il s'économise bien. Hein. Il a bien compris. Il reste bien concentré parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas le faire comme à travers la Belgique. Enfin, on vient de citer pratiquement tous les plus grands favoris. Hein. Balan est un petit peu en retrait. Oui, bon, ça va revenir. On a coupé l'effort à l'avant, donc pas trop de problèmes. Et déjà, une belle indication quand même.
Mais ce que j'étais en train de dire sur Adi Van der Poel tout à l'heure, c'était que Van der Poel hier disait que c'est pas les petites montées qui sont difficiles, c'est l'amorce à chaque fois. C'est ça. Van der Poel qui est le dernier vainqueur néerlandais, ça fait tout juste 20 ans. Il y a 20 ans, oui, exactement. Imaginez en battant un Kikker ou un Van Bommel aujourd'hui, voire un Kroon, il paraît qu'il est en super forme. Bon, on l'a vu dimanche dernier. On a fait vraiment son, hein. Karsten Kroon. Où on ne comprend pas que, pourquoi il n'a pas collaboré avec Nick Nuyens. À un certain moment, il s'était débarrassé de Fréré et bon, il n'a pas voulu continuer, Kroon. Et ah donc, oui. Ça, un entonnoir, et en plus, bon. Typique Molenberg, comme on dit ouais. Ici. Ouais, ouais. On le sait, c'est chaque fois comme ça. Mais en effet, on se demande quand même ce qui va se passer tout à l'heure dans le Koppenberg. Cinquième difficulté. Bah déjà, il y aura eu une certaine élimination déjà, mais bon, on est nombreux quand même toujours. Hein. Bon, Gilbert qui passe de Molenberg en deuxième position, c'est son premier Tour des Flandres. Hein. Vous savez, Gilbert, c'est quand même c'est une sorte de Bettini quand même. Et Zabel qui est là en deuxième position aussi, avec, il faut reconnaître le maillot, hein, le maillot Milram, là, juste derrière Paolini. Attention à Zabel. Quatrième l'année dernière. Oui, et il vient de sortir aussi d'un week-end remarquable, 12e à Rolbeek, 8e à la Flèche Brabançonne. Ça peut paraître étonnant pour un Zabel, parce qu'il faut quand même se taper à répétition les côtes du circuit local. Mais pas mal. Pas mal du tout. En plus, il ne faut pas oublier que c'était Zabel quand même qui avait attaqué une dizaine de fois l'année dernière. Donc, il connaît bien, il a l'expérience, il s'est bien entraîné, c'est sa course à lui parce que Milan-San Remo qu'il a gagné 4 fois, il était coéquipier de Petacchi. Mais ici, pour lui parce que Petacchi, il ne faut pas compter dessus. Voici les 4 survivants, on va dire, de cette oui, échappée. Et Schmitz. Ils sont assez morts pour les survivants quand même. Schmitz, je trouve quand même encore qu'ils ont un coup de pédale qui n'est pas mal parce que. Mais c'est vrai qu'avec encore 111 km à parcourir, ça veut dire qu'on arrive à Mater et que mais ces hommes sont sur le point d'aborder le fameux secteur pavé qui est le plus long du Tour des Flandres. Je ne sais pas si c'est le plus dur, mais c'est le plus long de Mater-Kerkaat avant d'aller chercher le Wolvenberg. Oui, si mes souvenirs sont bons, c'est même en légère montée, donc ces pavés dont vous parliez. Donc, ça va faire mal aussi. Et là aussi, on va essayer de sauter sur les trottoirs, sauf s'il y a autant de monde qu'ici. Laurent, le seul favori qu'on n'a pas vu dans les 5 ou 6 premiers pour le moment, c'est Balan. Et vous avez rencontré son directeur sportif J'ai rencontré le directeur sportif Guido Bontempi. Et on a un peu parlé de cette jeune équipe Lampre qui est quand même là au rendez-vous depuis le début de la saison. Hein. On écoute Guido ? Allez, Guido Bontempi pour la Lampre. Comment est-ce qu'on peut faire pour que Balan batte Bonen ? qu'il gagne, qu'il passe la ligne blanche avant que Bonen. Mais on va regarder pourquoi aujourd'hui, maintenant il avait des pluies et on espère qu'après-midi il devienne sec pour nous, c'est mieux qu'il avait les tempes secs. On dit que c'est vraiment des conditions pour les Flandriens, les Flamands, les Italiens quand ils se lèvent le matin et qu'ils voient qu'il fait comme ça, ils pensent quoi ? Ah, ils pensent qu'il vient le soleil. Pourquoi jamais ils veulent de pluie, ils veulent le parcours sec et on va attendre. Chaque équipe a un plan, a une tactique pour essayer de battre Bonen, c'est le grand favori, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus ça. Quelle est la tactique chez vous ? Vous pouvez un peu la dévoiler ? Non, nous on reste, peut-être qu'on reste dans la roue de Bonen et après on va regarder s'il avait des choses qui ne marchent pas. Et on va regarder dans la TV s'il avait quelque chose de faire après. Mais maintenant on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Guido Bontempi pour l'équipe Lampre, on l'a dit, où derrière Balan, eh bien, il y a Carrara, Corioni, mais aussi des garçons comme Fornaciari qui a failli gagner un jour à Rolbeek, battu par Van Dijk si je ne m'abuse, et Franzoy qui est un magnifique coureur de cyclocross qui est sur le terrain quand même depuis le mois de novembre et qui est encore très jeune et qui est toujours dans le coup. Je crois même que c'est le garçon qui est là à droite si j'ai bien vu Franzoy. On voit Pozzato qui arrive ici en plein milieu de l'écran, juste derrière Vogels. Le grand Greipel aussi, Clear qui est attentif, Burkhardt qui est en train de manger, Milesi avec le maillot vert qui était déjà qui a roulé dans l'équipe de Patrick Lefebvre hein, et qui est donc là pour protéger Paolini
aujourd'hui. 2 minutes 57, vous le voyez, c'est l'écart. Et donc clairement, petit moment de récupération. Je pense, Marc, qu'il y en aura encore un deuxième après le Wolfenberg. Oui, parce que ce sera le seul moment où on aura une série d'un peu plus de 15 km sans côte. Pendant que je vous dis ça, voici Marlon Pérez Arango, qui avait été très bon aux 3 jours de la Panne. C'est un Colombien. On aurait quand même difficilement imaginé un gars à l'attaque sur des pavés. Et c'est ce qu'on avait vu aux 3 jours de la Panne lors de l'étape de Zotegem. Il était très bon. Regardez, regardez. Voilà, Pérez Arango de l'équipe Tenax. Vous auriez imaginé il y a 25 ans Herrera ici ? Rodrigo, je vous interromps. Abandon de Léon Van Bonne après Wim de Vogt. Oula, bizarre ça. Non seulement bizarre, mais ça fait en plus un coup très très dur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il souffrait de problèmes gastriques depuis une semaine, mais on l'avait vu devant. Peut-être qu'on lui a dit bon, essaye de mener encore pendant 2-3 km et puis tu t'arrêtes, mais quand même bizarre. Donc Marc, ça veut dire qu'il reste Bartox qui n'aurait pas dû être sélectionné. Bertruzzems qui est en très bonne forme, mais qui au départ n'était pas nécessairement prévu, même s'il a gagné quand même la course de Nokere. Stegmans, dont on sait quand même qu'il était incertain, il est tombé et il s'est quand même abîmé le bras aux 3 jours de la Panne. Il reste Van Sevenant qui est l'homme protégé par Van Petegem et Vogel. Ça veut donc dire que Van Petegem risque d'être quand même un petit peu isolé sur la fin. Ne sous-estimez surtout pas Bart Dox, hein, ce qui est en pleine forme. On a vu encore à Flèche Brabançon dimanche dernier. Oui. Donc, c'est pas pour rien que lui, il a été sélectionné et pas Nico Matan. D'accord. D'ailleurs, beaucoup dans des courriers de lecteurs dans les journaux flamands, beaucoup de supporters de Matan s'indignent de la non-sélection de Nico. Hein. Oui, mais bon, d'accord. Je pense qu'à part la prostatite dont il a toujours les ennuis, parce qu'il prend des antibiotiques depuis des mois maintenant, à part ça, j'ai quand même entendu dire aussi qu'il n'a pas passé un hiver comme d'habitude. C'est-à-dire que, enfin, disons-le comme cela, ou comme je l'ai entendu, qu'il s'est fait laisser aller un tout petit peu. Et que ça s'est senti dès le début de la saison. Et votre copain Bardox, cinquième du Tour des Flandres chez les Espoirs. C'est aussi un constat qu'on fait en règle générale. Les coureurs étrangers de moins de 30 ans qui viennent gagner le Tour des Flandres, je crois qu'il faut remonter loin dans le palmarès. Il faut donc une expérience pour gagner cette course. Bonen n'est pas un contre-exemple puisque lui, il roule quand même sur ses routes-ci depuis son plus jeune âge. Il faut vraiment, peut-être plus qu'ailleurs, une connaissance du terrain pour gagner ici. Van Bonen ici qui... Voilà, ah oui. Donc qui vient lâcher à la fin du Molenberg. C'est le Molenberg qui lui a été fatal, mais ça devient évidemment un coup dur. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être, vu l'abandon de Van Bonen, parler de cet élément-là, qui fait quand même que l'homme d'affaires, Mark Cook, qui n'a pas sa langue en poche, qui n'a pas toujours été le meilleur ami de Patrick Lefebvre non plus, met quand même une pression énorme sur Peter Van Petegem. Hein. Mark Cook est très nerveux pour le moment. Oui, Cook est nerveux et Van Petegem est énervé. C'est comme ça que moi je l'ai. Mais parce est-ce que Cook n'est pas énervant aussi pour, oui, exactement. Parce que finalement, est-ce que c'est le rôle d'un homme d'affaires de dire, moi je vais mettre des sanctions si on ne gagne pas après Paris-Roubaix ? Pas du tout, mais il est comme ça, c'est son tempérament. C'est lui qui paye Van Petegem, je suis d'accord. Voilà, exactement, c'est son tempérament. J'ai suivi le match de foot au stand malinois avec lui, et il est comme ça. Il dit toujours ce qu'il pense, et il discute, et certains disent, Cook est au cyclisme, ce que Moji Bayat est au football. Oui, c'est un peu le même genre de personnage. Oui. Pas mal comme comparaison. Donc, mais à sa conférence de presse, Van Petegem a dit qu'il n'est pas nerveux du tout. Et ça, je veux bien le croire. Mais même dans le journal de dimanche de Nils Blatt, le journal organisateur, j'ai lu quand même une interview avec Marc Sergent ce matin qui dit que mais non, on essaye de cacher un peu que Van Petegem soit énervé. Mais ça se voit, il ne voulait plus être photographié. Enfin, ça se sent des petites choses comme ça que Van Petegem. Je ne dis pas qu'il est nerveux, mais il est quand même énervé par toute la situation créée par son patron. Mais son patron, lui-même, Van Petegem, dit « Je n'ai qu'un seul patron, c'est Marc Sergent et pas du tout Mark Cook. » Donc, bon, ça se comprend. Il ne faut jamais contredire les marques. Hein. Ah non, non, ça c'est très dangereux. C'est terrible. Et on voit maintenant qu'il y a là aussi le positionnement de Sperk aux avant-postes et l'équipe Gerolsteiner. Je me demande tiens, qui est le leader dans cette équipe et Gerolsteiner, c'est difficile à dire quand on voit la composition de l'équipe. Il y a des garçons qui sont capables de faire de bonnes choses, comme Hoy par exemple. Mais c'est difficile de dire
il y a un homme protégé. Il y a quelques gars comme Kopp ou comme Hausler qui ont aussi un bon potentiel. Mais c'est plutôt une pointe de vitesse à Hausler. Mais... Zberg, Van Imp. Et l'avance qui est montée jusqu'à 3 minutes 46, comme vous voyez à l'écran. Et le colosse qui est dans la route, Van Imp, qui lui déjà est déjà une belle fond de la nature, c'est Burkhardt, 22 ans, solide gaillard qui adore les monts Flandriens. Et on voit que Clear est aussi très attentif aux avant-postes. Vogels et Stegmans y arrivent à gauche. C'est bien de voir Stegmans aussi. Stegmans chez les jeunes. Il était mieux que Bonnen. Hein. Il battait Bonnen. Chez les débutants, hein. Il a de gagné toute un championnat Belgique devant Bonnen à la Calamine. Et lui, Sanchez, qui est un des grands blessés de ce début de saison, et Bonnen raflait tout. Mais on dit jusqu'en junior, Stegmans plus fort. Oui, Stegmans gagnait entre 35 et 40 courses à l'année, tandis que Bonnen n'était que troisième dans ce classement, avec, on va dire, entre 15 et 20. Et il y avait Sanchez intercalé entre les deux, donc c'était un peu comme ça. Mais bon, il y a même eu un Grand Prix à Eddy Merckx, je pense que gagnait Stegmans et que Bonnen ne faisait que troisième. Et Jürgen van Golen deuxième, je pense. Voilà pour Stegmans, dont à propos duquel les deux personnes peut-être les plus médiatisées qui le connaissent le mieux, qui sont Marc Sergent et José de Cobre, disent on ne connaît pas encore, on n'a pas encore vu le vrai Stegmans. Mais il est très bon, tout bon même Stegmans, mais son problème c'est quand même il n'a pas la tête de Bonnen. On dit c'est tout à fait l'opposé, un extraverti, lui complètement introverti. Exactement, et pas de confiance en soi. Voilà, il vient donc de cette génération des années 80, 7 fois champion de Belgique, 3 fois sur la route, 4 fois sur la piste, ça n'est quand même pas mal du tout. Et on aura peut-être l'occasion de reparler de ce grand gaillard. Pour ceci, les choses deviennent difficiles, et notamment en vue Brown. Moi, je vous avais dit, hein, c'est en légère montée et même légère, je pourrais laisser tomber peut-être ce mot. Parce que ça monte bien, c'est pas une montée comme le Molenberg, bien entendu, mais... Un bon faux plat quand même. José Caetano était aussi lâché avec un maillot auquel vous vous habituerez cette saison. C'est le nouveau maillot de l'équipe des îles Baléares. Et nous découvrons l'équipe Bouygues Télécom aux avant-postes. Une équipe qui est peut-être une des équipes françaises intéressantes. Il y a Flickinger, Gélin et Régnier qui se sont montrés en début de saison. Même si on peut quand même parfois s'étonner de la programmation. Quand on voit qu'un Bonnen fait l'impasse sur la dernière journée des trois jours de la PAM pour se préparer et que d'un autre côté, lui, Gélin, il va courir la route à Delhi avant un Tour des Flandres. Oui. Hier, pendant que 15 000 cyclos étaient sur le parcours du Tour des Flandres, l'équipe Quick-Step a quand même fait une petite sortie encore. Ils sont passés sur la Paddestraat en plein entre les cyclotouristes. Donc, Si on abandonne la dernière journée des trois jours de la Pentecôte, et puis le samedi avant, on va se mêler entre les cyclotouristes sur les pavés du Paddestraat. On dit du Paddestraat ou de la Paddestraat? Straat, c'est féminin rue, hein, ou masculin en français? En français, c'est féminin. Oui, c'est rue. Mais c'est Straat, pas la Paddestraat, c'est pas la No Man's. C'est la rue des Crapauds. Hein. Voilà, des Crapauds. Et on vous rappelle, pour être tout à fait. On peut quand même le faire plus que jamais aujourd'hui autour des Flandres, que la traduction littérale de Bonnen, c'est quand même haricot. Hein? Haricot, ouais. Au pluriel. Au pluriel, exactement. En sauce tomate. On fait beaucoup de jeux de mots en... D'où les haricots, cocorico peut-être, ah. Tout à l'heure. Alors voilà, le Wolvenberg, avec ses caractéristiques, 800 mètres, celle-ci, donc cette difficulté est uniquement en asphalte, donc pas de pavé. Avec un passage maximum quand même à 19%, nous disent certains livres, entre le centième et le 200e mètre long. Et Schmitz, donc, qui emmène avec Marichal, Albazini et Auger. Donc, on peut dire par rapport aux favoris, c'est Stéphane Auger qui est là, que Clear, Paolini, Gilbert ou Hazel, qui sont les deux hommes de la France des Jeux. Et j'ai du mal, je coince pour Cofidis. Qui est le leader chez Cofidis? On a dit qu'il n'y en avait pas. Il y a Skerlings qui est en forme. Oui, mais on ne veut pas l'avoir dit. Voilà. D'après ce que j'ai compris d'Alain Deleuil. Et alors, il y a Rick Verbrugge qui découvre son tout premier Tour des Flandres. Bizarre aussi, à 31 ans. À part plaisir. Il estime qu'il ne pouvait pas passer à côté de ça et qu'il fallait quand même bien un jour faire cela. De là, imaginer
récidive de l'édition de 1987, évidemment qu'un pas. On se souvient de Claude Criquillon, mais qui lui avait autrement plus d'expérience. C'est Vogels, pas la journée des lotos. Hein. C'est David Amon Lotto, Henk Vogels. Ah, il est en train de parler donc. C'est de nouveau à quelques centaines de mètres du World Tour. Il faut son second vélo parce que... Oui, mais il y a surtout le problème de la voiture qui est très loin. Ouais. Je me demande s'ils ne viennent pas encore de perdre un élément. On en reparlera en attendant le Grand Milesi qui met en route avec Paolini dans la roue de Volderella à gauche. La remontée d'un coureuse, Caltel s'il vous plaît, à droite, un Basque. Clear est très bien placé également, Sberg. On voit Virauten qui est là aussi avec son maillot skill. Cette fois-ci, c'est Bernard Eisel qui est devant aussi. Ça sera difficile pour Vogels. En plus, le vent est défavorable dans ce secteur-ci. Et pour la première fois, on a vu Nick Neuens derrière, en train de boire. Quand je dis derrière, c'est à l'arrière de l'image, mais bien à l'avant du peloton. Kretzkens est là également. Il donne son bidon à Bonen. Donc, que faut-il penser de Stijn de Volder ? C'est aussi quand même un gars de la génération 80, génération dorée. Courtraisien, deux fois vainqueur du Tour des Flandres chez les juniors, 96-97. Bah, il a un peu retardé sa préparation cette année-ci parce qu'il voulait être en forme justement maintenant, voilà exactement. Tandis que l'année dernière, il était absolument en forme jusqu'aux trois jours de la Pentecôte. Depuis le Qatar, fini. Ouais, depuis et après, il n'y avait plus d'essence du tout dans le moteur. Voilà, mais plus du tout, hein, mais vraiment plus du tout. Donc, et maintenant, il voulait changer de tactique, donc il s'est préparé pour d'une façon différente. Mais l'année prochaine, déjà, il veut refaire ce qu'il a fait l'année dernière parce qu'il a un peu peur que la forme n'arrive pas à temps, tandis que quoique le contre-la-montre qu'il a fait à la panne jeudi dernier, c'est remarquable. Voilà, exactement. C'est pas quelqu'un qui est au bout du rouleau, loin de là. Ah non, pas du tout. Il a été repéré. Non, il pense qu'il n'est qu'à 90%. Vous savez que c'est à la mode de parler de pourcent. Tout le monde le fait sauf Bonen. Lui, il rigole tout le temps. Si on lui demande, mais vous êtes à 90% ou à 110%, moi j'ai jamais couru avec des pourcents. Voilà le virage. Et donc il a été repéré de Volder au Groningen Spurters de Courtrai par Dirk de Mol qu'il retrouve. Et ça, c'est une forme de confiance aussi. Kretzkens qui prend la tête. Vous voyez que Bonnen est bien mis en troisième position. Paolini sur la droite avec Virauten. Clear à gauche qui voit le grand, l'immense Burkhardt en deuxième position. On voit aussi la remontée de Volder qui se trouve là. La plupart des favoris, chaque fois placés là où il faut. Lorsqu'on aborde les secteurs stratégiques, mais on peut le dire, d'une manière générale, Bonnen fait la course en tête. Et Bonnen, si vous dites haricot, c'est un nom assez commun, c'est pas Willem Janssen ou Peters en Flandre, mais c'est quand même assez commun. Donc il y a beaucoup de Tom Bonnen, parce que Tom, c'est le prénom le plus utilisé depuis une dizaine d'années. Hein. Ça risque pas de s'arrêter, évidemment. Ah non, pas du tout. Hein, donc, vous savez qu'hier, dans le centre du Tour des Flandres à Oudenaarde, on a dû faire une blague. Un petit poisson d'avril. Donc, on avait écrit dans le journal organisateur que Tom Bonnen venait signer dans le centre du Tour des Flandres à Oudenaarde entre 13h30 et 14h30, quelque chose comme ça. Et bon, tout le monde était là, et même des équipes de la télévision flamande étaient là. Et il y avait un petit gars de 7 ans qui s'appelle Tom Bonnen en maillot arc-en-ciel qui a vraiment. Il a signé des poissons d'avril et il les a distribués. Donc Bonnen est quand même plus courant que Uterhoeve, non ? Ah oui, absolument. Premier coureur des 6 qui va être repris, c'est Rick Rennering qui est à 100 mètres devant le peloton. Et une petite info, une chute encore, il y en aura beaucoup qui vont suivre malheureusement. Aranaga, coureur de chez Euskaltel. Le Basque. Aranaga qui est venu courir en Belgique. Hein. Et Bonnen qui est en train de manger. Très bien, très lucide, reste bien concentré. Aranaga était chez Chocolat Jacques il y a 12 ans. Chocolat de Jacques. Chocolat de Jacques. Ouais. C'est un nom noble, hein. 3 minutes 51, donc pour le moment on ne s'inquiète pas trop. Tension quand même, je rappelle que Thierry Maréchal est capable de tenir. C'était classé 11e de ce Tour des Flandres, pour que je ne dise pas de bêtises. Oui, 11e. Et nous sommes, vous le voyez, en queue de peloton avec justement un coureur de l'équipe Chocolat de Jacques. Si je ne m'abuse, c'était Frédéric Willems qui a longtemps porté le maillot blanc de leader du classement continental, donc des épreuves non pro-tour en Europe.
Willems et nous revenons en tête du groupe. Les Bonnen qui parlent avec Paulini, ils étaient équipiers, n'oublions pas, l'année passée. Et donc maintenant, on va avoir une accalmie. Ça veut peut-être dire que c'est à la fois intéressant pour les hommes de tête qui doivent maintenant creuser l'écart, ou pour d'autres téméraires, certains diraient des fous, essayer de sortir maintenant avant le Quarmont. Donc je vous propose de passer une toute petite page de publicité, une quarantaine de secondes, ça vous donne juste le temps éventuellement d'aller dans le frigo ou ailleurs, et de revenir parce que l'approche du vieux Quarmont, ça est très important, encore beaucoup, beaucoup plus important que le Molenberg. On dit que le Tour des Flandres commence vraiment là, et après aussi, Marc, une fois le vieux Quarmont, il y a ça l'importance continue. Du vent aussi, hein, oui. qui va un petit peu changer. Et qui va être peut-être un peu plus favorable. Plus favorable. Oh, ouais. Donc c'est pas si mauvais pour les attaquants. Et en plus, c'est vraiment en 60 km, on va avoir 13 petites montées. Voilà. Et c'est un programme gargantuesque. On se retrouve juste après cette petite page de pub. À tout de suite. Merci. Alors, ça fait maintenant 3 jours depuis l'opération. Comment vous sentez-vous ? Ben, je crois que j'ai vraiment fait une grosse erreur. Mmh. Et je me demandais, est-ce que par hasard, vous ne pourriez pas tout me remettre comme c'était avant ? Non. Ok. Seul Opel vous offre 3 jours de test, et vous ne le regretterez pas. Appelez le 0800 90 909. Et actuellement, profitez aussi de 3 ans d'entretien et de garantie, ainsi que de 3% de financement. Rendez-vous chez votre distributeur Opel. Eh bien, regardez, si c'est pas pile poil top, ça, 100 km de l'arrivée avec le peloton qui est à 4 minutes 12 des 4 coureurs qui se trouvent pour le moment en tête. Je vous rappelle leurs noms, Thierry Marichal, Bram Schmitt, Stéphane Auger et le coureur de l'équipe Liquigas, Michele Albazini, qui est suisse. Vous savez quand on remonte la dernière victoire suisse au Tour des Flandres ? Vous n'étiez pas né, allez, je vous le dis, hein. Ça, je vous le dis quand même. Oui, oui, c'est celui qui a gagné dans les années 10, qui a gagné le Paris-Roubaix aussi, non ? Voilà, la dernière victoire, c'est Henri Sutter. Oui, voilà, exactement. Qui s'était donc imposé en 1923. Ça fait donc 83 ans. Tout le monde, parce que ça se voit à l'avance, 4 minutes 15 maintenant, donc le peloton est en train de manger. Ils ont encore 10 km avant que la bagarre commence pour l'amorce de la montée du vieux Quarmont. Et le Koppenberg dans 25 km, mesdames et messieurs. Le fameux Koppenberg, dont on a donc volé 4 pavés la nuit dernière. Oui, il y a eu beaucoup de discussions en Flandre sur le fait que si le Koppenberg doit être dans le parcours ou pas. Ça fausse la course à partir du moment où on doit être à pied, ou ça fausse quoi. Voilà que Rendring qui est repris par le peloton, comme on l'avait dit déjà. Oui, ça peut fausser la course de toute façon. On a même un ministre de Gelijkheid van Kansen. L'égalité des chances. Voilà, exactement. Et c'est ça ce qui est le plus important pour le Koppenberg, c'est que si on, à l'époque, l'équipe de Frans Verbeek, par exemple, Watnes. Oui, ça c'est incroyable, racontez ça. Oui, ouais, donc il disait que le deuxième Watnes doit laisser se tomber ou au moins mettre pied à terre pour. Donc Verbeek passait. Monde... Oui, voilà. Et une passait, fois Verbeek était passé. Et le rôle de son équipier, c'était d'être pied à terre exprès pour faire tomber donc, les autres. D'essayer de rester aussi près que possible de Frans Verbeek et mettre tout le monde à pied. Et puis les premiers étaient partis, les 8 premiers étaient partis. T'imagines, et si Bonnet fait dedans. Ça avec Van Impe aujourd'hui Voilà, exactement. Donc on peut le faire. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais de toute façon, ça peut fausser la course. Et en plus, même si ce n'est pas voulu, s'il y a quelqu'un qui doit mettre à pied parce qu'il patine, bon, ça fausse la course. On ne peut pas défendre ses chances d'une façon sportive. Et ça, ce n'est pas correct. Mais il n'y a personne en Flandre, à part moi, qui a bien parlé, parce que je parle en Wallonie et pas en Flandre pour l'instant, qui ose dire qu'il faut enlever le Koppenberg du parcours du Tour des Flandres. Il est tellement populaire parce qu'on parle de spectacle. Mais à mon avis, le spectacle, ce n'est pas un peloton qui monte à pied. Parce que là, Bernard Hinault, il y a 25 ans, il avait quand même bien raison. Ça n'a rien à voir avec le vélo que de voir monter des coureurs à pied, quelque chose comme le Koppenberg. Moi, je le compare toujours à l'Albatros, le poème de Charles Baudelaire. Exactement, ouais. Qui dit que l'Albatros, quand il est dans l'air, il est majestueux. Et quand il atterrit sur le bateau, les matelots, c'est comme ça qu'on dit, ils se moquent de l'albatros qui était tellement majestueux dans l'air qu'une fois qu'il a pique de l'air. Ouais, il faut qu'il se tienne debout avec son bec parce qu'il est ridicule. Et un coureur qui est majestueux sur son vélo,
s'il doit mettre pied à terre et monter le Koppenberg, il est comme l'albatros sur le bateau, il est ridicule. Mais c'est quand même pas le but du vélo quand même. Il faut respecter un donc, peu les coureurs aussi. Donc concrètement, dans des conditions comme aujourd'hui, vous êtes contre le Koppenberg? Oui, exactement. Moi, bon, comme il est sec maintenant, mais ça on le savait qu'à moitié de l'avance parce que les prévisions étaient mauvaises pour ce matin et bonnes pour cet après-midi. Et bon, on l'a complètement nettoyé, hein. On a discuté aussi parce que la responsabilité. N'est pas auprès de la commune, mais auprès des organisateurs qui doivent demander à la commune de Nard de le nettoyer. En début, même, on avait dit non, on ne le fait pas, parce que ça fait partie du tout les Flandres. Mais ça, je trouve absolument exagéré. Et en plus, imaginez-vous que, bon, il y en a 5 qui montent en vélo et les restent à pied. Ces images vont passer, vont faire le tour du monde et une fois de plus, on sera ridicule, quoi. Non, moi, ça me gênerait énormément de voir monter que 5 coureurs en vélo, je veux dire, le Koppenberg. En plus, tout le monde parle de la montée, mais il y a aussi la descente. Parce qu'on a monté une tente pour les VIP en haut du Koppenberg et comme c'est fait avec des gros camions, ils sont montés par derrière. Mais là, ces camions ont laissé de la boue, vous n'avez pas d'idée. Là aussi, j'espère bien qu'ils ont bien nettoyé. Risque d'être dangereux. Voilà, exactement. Bon, j'espère que je me trompe. En tout cas, nous sommes à Audenarde, la patrie de beaucoup de gens, notamment d'André Dirix, qui a gagné la Flèche Wallonne, le Tour de Belgique, notamment. Et chute de Cortinovis, Rodrigo. Ah, voilà. Cortinovis, qui est un équipier de Zabel. On a vu beaucoup de coureurs d'équipe Milram devant. Pas une équipe d'aviron, c'est une équipe cycliste. Mais voilà sans doute la confirmation de ce que voilà, nous disait Laurent. Le voilà au milieu, Alessandro Cortinovis. Tandis que vous avez vu aussi un maillot noir aux avant-postes, c'était celui du français de l'équipe des îles Baléares, Florent Braard, qui était très bon l'année dernière dans Paris-Roubaix. Des Français dans cette équipe qui est finalement la suite logique de Banesto. Hein. Il y a eu de Las Cuevas, Bernard, Arnaud, souvenez, quelques Français à l'époque. Et on a vu Florent Braard se placer devant. Mais c'est surtout l'équipe Discovery Channel qui est venue avec White qui se trouve là devant. Il n'est pas blanc, lui. Il est bleu et blanc. Et aussi les Liquigas qui se placent, plus un coureur de l'équipe Rabobank. 97 km de l'arrivée. L'avance ne fait que monter, mais bon, c'est logique. Tout le monde s'est ravitaillé dans le peloton. En attendant l'amorce du vieux Quarmon. Qui se fait contrairement à Molenbeek tout droit. Hein. Donc on arrive, on rentre dans l'entité de Kluisbergen, comme on dit, si le monde l'inclut. Mais juste avant le vieux Quarmont, il y a quand même une sorte d'entonnoir là aussi. Ouais, toujours pareil, bien sûr, parce que ces petites montées sont jamais des boulevards. Oui, le vieux Quarmont, c'est un infâme chemin, finalement, qui ne semble mener nulle part. On dit souvent que c'est là que la sérénité laisse la place à la nervosité. On joue des coudes, on se bouscule. Wilfried Peters, lorsqu'il était encore coureur, maintenant n'oublions pas que c'est lui qui est dans la voiture de l'équipe Quick-Step. Il dit, si on est mal placé, l'effort pour se replacer équivaut à 6 sprints. Petite image. Ce qui est certain, c'est qu'un mètre perdu à ce rythme-là, c'est tout de suite le rejet au second échelon. C'est long. C'est la côte en soi la plus longue, dont 1500 mètres en pavé, précédé de 700 mètres d'asphalte. Donc ça fait 2 km 200 au total. Et c'est une institution depuis 1974, pour la 33e fois de suite. On va aborder ce qu'on appelle le Old Quarmont, alors qu'ici on nous montre forum pour la sécurité. Donc c'est les enfants qui se sont mis devant dans le Centrum Ronde van Vlaanderen, donc centre du Tour des Flandres, dont on parlait tout à l'heure que le jeune Tom Bonen de 7 ans a signé des poissons d'avril hier. Et là les enfants se sont mis par terre pour former, je ne sais pas, veiligheid voor alles, quelque chose comme ça, donc la sécurité avant toute chose. Voilà. Parce que exactement, ce qu'on a fait maintenant, ce qu'a fait la province de Flandre de l'Est, le gouverneur qui est un amateur de vélo, André Denes, que vous connaissez peut-être, qui a discuté longtemps avec les organisateurs, mais on a quand même décidé de mettre plus de nadars
sur les montées, parce que l'année dernière au Patersberg par exemple, il y a des supporters qui ont vraiment arrêté des coureurs. C'est ce que disait Rick Verbrugge, c'est bien le Patersberg, il y a moyen de prendre le côté. Et alors Thierry Maréchal lui a dit non, mais tu vas voir le jour J avec les barrières Nadar, ça ne passe plus. Ce qu'on a vu samedi dernier au Grand Prix de Troyes où Balan saute des côtés, ça sera tout à fait impossible. On voit que Hammond est revenu. L'ancien champion du monde de cyclocross. À ce rythme-là, c'est pas trop difficile quand même. Toujours sous la conduite de White, le coureur australien Matthew White. On revient sur le quatuor de tête avec donc Thierry Maréchal qu'on ne présente plus. Et aussi avec ce très grand format, il y a de la taille évidemment dans cette équipe T-Mobile, qui est Bram Schmitz, qui avait débuté par le cyclocross, figurez-vous. Garçon qui a gagné l'année dernière une étape du Tour du Luxembourg. Voilà Thierry Maréchal. Et avec le maillot vert, équipier donc de Paolini, il s'agit du Suisse Albasini. Michael Albasini, qui est né à Mendrisio, ça rappelle des bons souvenirs à Eddy Merckx, ça très certainement. 71. 25 ans, il fut champion d'Europe ce garçon que vous avez là en gros plan, champion d'Europe à Bergame. Il a gagné au sprint, c'était chez les Espoirs en 2002. Il a disputé et terminé le Tour de France l'année passée. Son meilleur classement dans une grande course, c'est le championnat de Zurich 2004 qu'il a achevé à la 5e place. Voilà pour vous présenter ce petit gabarit, 1m71, 65 kg, Albasini. Et donc en 89 éditions, un vainqueur wallon du Tour de Flandre, Claude Criquillon, qui avait bien profité à l'époque de certaines rivalités entre les leaders. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut se passer aujourd'hui, car ça fait quand même très longtemps qu'on n'est pas arrivé au départ d'une course avec un coureur à ce point favori. Au point que d'ailleurs un journal flamand pendant toute la semaine s'est amusé à reprendre toutes les éditions où le grand favori a été battu. Ah oui, exactement. Et c'est Mark Wouters que l'on découvre là à gauche, le soldat qui prendra donc sa retraite, mais qui a toujours beaucoup de talent même pour prendre un bidon, vous voyez, en plein vol. C'est de l'expérience. N'oublions pas que Mark Wouters, il a raté, hein. Le dernier, oui, c'est vrai, le dernier coureur belge à porter le maillot jaune. Ah, en fait. Qui plus est. Après avoir gagné le sprint contre Arnaud Pleuteau. Avec aussi le roi qui était là. Le roi, il est là aujourd'hui. Ah, voilà peut-être l'élément. Vous êtes sûr? Ah, je suis certain. Parce qu'on dit ça, mais le rôle ça, c'est le 2 avril. Le rôle d'Eddy Merckx aujourd'hui, c'est de s'occuper de Sa Majesté. Ce jour-là, d'ailleurs, à Anvers, il avait pu compter sur un Johan Verstrepen qui se disait, on n'est pas dans la même équipe, on a la même nationalité, moi je ne roule pas derrière. Verstrepen, 17e Tour des Flandres. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, hein, lui. Même si c'est dans l'ombre, c'est aussi un fidèle. On se dit chaque année, c'est la dernière fois. Non, lui, il continue. Hein. Quand on voit la voiture de Chocolat Jacques, on ne peut pas s'empêcher à Gérard Bullens qui nous disait c'est plus à travers la Flandre, c'est à travers les voitures. Je l'ai entendu dimanche dernier. C'est vrai, très drôle, ouais. Finalement, Marc, si Tom Boonen ne gagne pas aujourd'hui, ce qui est possible, hein? Qui sera le plus déçu, lui ou le public? Ah, le public plus que lui. Hein. Parce que lui a quand même déjà lui, dit. Non, lui, il a la tête sur les épaules. Oui, il a même dit que si je perds et c'est pas de ma faute, si j'ai pas fait une erreur grossière, déjà un mètre après la ligne d'arrivée, il faut que je pense à Gent-Wevelgem et Paris-Roubaix. Donc, lui, il est prêt à perdre. Quoi. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec pour le moment? Beaucoup trop, mais c'est comme ça. On s'est tellement médiatisé. Aussi, vous avez connu la grande période, ne l'oublions pas. D'Eddy Merckx, vous voulez. Oui, mais bon, c'était pareil, mais relativement. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait moins de pages de sport, sans doute. Mais bon, moi, j'ai fait un documentaire sur Eddy Merckx dans le cadre du plus grand belge en Flandre. Donc, j'ai relu beaucoup d'anciens journaux et tout ça. Bon, Eddy Merckx, c'était encore
beaucoup plus grand que Boonen quand même, même au niveau des médias. Sauf qu'il y avait moins de médias, moins d'équipes caméras et tout ça. Mais n'oublions pas, non, Eddy Merckx était beaucoup plus grand que ce qui se passe avec Boonen. Merckx aurait jamais levé les bras, même si un équipier s'était classé devant lui, comme à Milan-San Remo. Oui, c'est vrai, parce que Merckx voulait gagner tout lui-même. Il a même demandé à Vic van Skill pendant Liège-Bastogne-Liège en 69 qu'ils ont gagné à eux deux, disons, avec 9 minutes d'avance. Il y a un certain moment, il a demandé à Vic van Skill, tu vas quand même pas me battre au sprint. Bon, van Skill l'a rassuré en disant que même si tu casses une jambe, je te porte jusqu'au vélodrome de Lecours. Mais donc, c'est impensable que Merckx aurait fait chose pareille. Mais moi, je crois bien dans la sincérité de Boonen. C'est pas de la comédie. Je pense bien que Patrick Lefebvre est arrivé à créer une certaine ambiance dans cette équipe qui vraiment fait que Boonen était content pour Pozzato. En plus, Boonen, c'est pas dit qu'il aurait gagné contre Petacchi. Hein. Je pense bien qu'il aurait perdu, même si lui, il dit qu'il n'avait... Bon, déjà, il a laissé partir Pozzato en répondant sur l'attaque de Balan dans le Poggio. Et puis après, il n'a pas pris l'initiative en main parce que, justement, Pozzato était toujours devant. Je veux bien le croire, mais je pense que 9 fois sur 10, il est battu par Petacchi dans un sprint sur la Via Roma. D'ailleurs, contre qui est-ce qu'il a perdu cette année-ci ? 2 fois et vraiment de plusieurs longueurs. Petacchi. Il l'a quand même battu à la Ruta del Sol lors de la dernière étape. Alors que Virauton est emmené par deux équipiers qu'on a vu derrière votre ami Dox qui est bien placé aux avant-postes. Voici White. Dernière chose avec Boonen aussi, c'est après sa démonstration samedi dernier à Rolbeek, des déclarations aussi comme Merckx n'en avait pas, parce que la personnalité des deux est forcément très différente. Du style, vous savez, moi finalement, mes adversaires, non, ils ne m'ont pas tellement impressionné. À la question de savoir ce qu'il faut faire pour essayer de s'améliorer, mais s'entraîner davantage, c'est un peu dur. Hein? Ça fait plutôt penser à Roger de Vlaming qui disait des choses aussi. Bon, tout le monde a sa personnalité, il ne faut pas essayer de le changer. D'ailleurs, il ne changera pas. Et en plus, il est bien critiqué, mais tout le monde dit qu'il a raison. Même ses concurrents qui ont été interviewés là-dessus donnent des réactions. Ils disent, mais le problème, c'est qu'il a raison. Donc... Et puis, Patrick Lefebvre disait aussi, et on peut le comprendre, mais finalement, en Belgique, on a l'air toujours de chercher la petite bête. Quand on a un musée, on se dit, mais celui-là, il ne s'exprime pas assez, il ne parle pas, finalement, aux journalistes, il n'est pas très médiatique, finalement. On a un Vandenbroek pendant, certes, peu de temps et de manière éphémère, mais à ce moment-là, on se dit, mais finalement, c'est un gros coup parce qu'il dit où il va attaquer, etc. Et puis, on arrive maintenant à quelqu'un comme Boonen, et on trouve encore le moyen de dire ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est quoi, la mentalité? Oui, il commence déjà à être lassant pour certains parce qu'il gagne trop ou il est trop médiatisé ou tout le monde parle de lui. Mais bon, si je vois même à l'étranger que dans l'équipe, il reçoit 5 étoiles et le deuxième des favoris ne reçoit que 3 étoiles. Donc c'est pour dire que... Non, mais vous savez, il peut dire ce qu'il veut, Boonen, et chaque coureur peut dire ce qu'il veut sur ses adversaires, mais il faut garder le respect pour ses adversaires. Et franchement, jusqu'à maintenant, Boonen n'a rien dit sans respect pour ses adversaires. C'est toujours un peu en rigolant aussi, vous savez, parce qu'on met ça en titre, mais il faudrait mettre je sais pas comment vous dites ça en français, mais des émoticônes. Il faudrait mettre entre guillemets. Ce qu'on a dans l'ordinateur, on a des petites têtes qui des petits smileys. Des smileys, oui. Vous connaissez, un truc comme ça. Si on mettait quelque chose comme ça en titre, après qu'ils disent que les autres s'entraînent un peu plus, c'est ce que je peux leur donner comme conseil. Smiley, ça serait déjà différent. Mais lui, quand il le dit, il fait un smiley. Et vous avez vu que Boucher vient d'être repris par le peloton. On voit le grand Matthew Heyman qui protège bien Fletcher. Alors Fletcher, c'est aussi quand même un phénomène celui-là, il attend beaucoup de cette course, il dit, il y a un mot que je sais prononcer en flamand, c'est Ronde, ça tombe bien, et n'oublions pas qu'il était 12e l'année dernière et l'année d'avant, sa première participation c'était en 2002, et que si on le prend pour un fou, pour le loco en Espagne, parce qu'il aime bien les pavés, vous savez qu'il habite dans une rue en Catalogne où il y a des pavés, c'est peut-être ça qu'il a donné l'idée. C'est quand même qu'en Catalogne, il faut du mérite, hein, parce qu'on parle que de Barcelone et forcément du football, et pas du cyclisme. C'est un gars atypique,
qui aurait plutôt tendance à lire Baudelaire et l'Albatros qu'à écouter de la musique tout à fait à la mode. Mais c'est un gars intéressant et on ne sait jamais, il sait bien que jamais un Espagnol n'a gagné une ronde. Je trouve qu'ils sont assez calmes encore. On n'est qu'à 5 km du pied du vieux Coalmont, je pense quand même, non ? Kretzkens qui vient se placer. Van Impe regarde également. Hulsmans qui est sans doute l'équipier humainement, on va dire, préféré de Bonen. Donc 89 km d'arrivée. Donc en effet, nous sommes à 3 km de la localité de Coalmont. On va commencer maintenant, en principe, à accélérer, à essayer de se placer, aller à bloc, comme on dit dans le peloton, au sprint. Il va être impérieux maintenant de ne plus quitter la tête de la course. On voit qu'il y a encore quelques mouvements. Et il y a quelques luttes d'influence aussi avec les équipes. Bonen a placé forcément ses équipiers. On voit beaucoup les Liquigas de Paolini, très 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 bien placé. Luca Paolini, qui avec 66 kilos, est après Bettini le plus léger des candidats aujourd'hui. Et Petacchi qui est là dans la roue de Dunbacker. Donc on l'a dit clairement, Petacchi c'est pour rouler. Est-ce que Petacchi va venir un petit peu titiller Bonen, qui a dit après le Coalmont on ne le verra plus? C'est possible. Tout à fait, oui. Oui. Voilà Skerlings. Voici Roosems avec Gilbert juste derrière. Et Eisel également. Et vous l'avez vu, Vogel s'est revenu. Heureusement pour l'équipe d'Avitamon Lotto. Tout proche du Coalmont. Et rappelons qu'après tout ça va aller très vite. Hein. Après le Coalmont, 3,5 km, et c'est le Paterberg. Après le Paterberg, 6 km et c'est le Koppenberg. Après le Koppenberg, 2 km et c'est le Steenbergdries. Et c'est parti comme ça. Pendant 60 km. Puis il y a une petite coupure entre juste avant le mur de Grammont. Exactement. Après l'enchaînement, Berendries, Ten Bosch, voilà. Straat, à Brakel, la localité, entre autres de Peter van Petegem. Et aussi le président de la Chambre, si je ne m'abuse. Michel Beke, une commune qui appartient à Brakel. Herman de Croo. Et voilà. Ah, et nouvelle chute pour la Discovery, attention. Et ça, le genou droit, de qui s'agit-il? Est-ce que c'est de nouveau Hammond? Je me demande c'est si c'est pas de nouveau Hammond. Oui, oui, c'est de nouveau Roger Hammond qui n'a vraiment pas de chance. Il était déjà tombé à la panoïe. C'est vraiment regardé en dessous du genou. Non, c'est il s'est vraiment ouvert. Voilà, le docteur Jacobs. Non, il s'est bien ouvert le genou. Avant. Pour lui, c'est quand même. Enfin, c'est juste c'est sa semaine à lui. N'oublions pas qu'il a été sur le podium de Paris-Roubaix aussi, l'année qu'il a gagné Backstedt. Et c'est dommage parce que sa course qui lui convient le mieux, justement, c'est Paris-Roubaix. Oui, exactement. Hein. Donc, ici, non, les mots sont peut-être un peu trop durs. C'est aussi une perte énorme pour Incapi. On va revoir peut-être l'hélicoptère. On ne roule pas assez vite. À gauche, voilà, de l'image, tout à fait, ouais, à gauche, bon. C'est parti. Ouais, ouais. C'est sans doute aussi comme ça qu'est tombé le gars de Avitamon Lotto tout à l'heure, Wim de Vocht aussi. Voilà, ouais, donc c'est toujours sur le côté où il y a un. Oui, il a dû prendre le guidon ou la pédale. Hein. Oui, mais le niveau n'est pas exactement. Vous voyez, là, oui. Bon. Et le Britannique qui se tord de douleur, c'est fini pour lui. Ça veut dire après Barry, voilà Hammond, c'est aussi un élément en plus qu'il faut rayer dans la liste des Discovery Channel. Qui garde cependant, heureusement, le trio de Volder, Host et... Ça fait plutôt Incapi. Slalom entre les voitures garées, c'est quand même bizarre. Oui, oulala, regardez, le vélo qui est passé tout près des spectateurs. Je pense que là, il y a quand même... prise de risque énorme. Et c'est vrai à des fins publicitaires qu'on met ces camions-là. Ça sert à rien quand même. Ah, plus, on n'a pas encore vu beaucoup l'équipe CSC, tiens. Avec Cancellara, avec Johansson,
avec aussi Ljungqvist qui fait un week-end dernier assez impressionnant. Regardez, hein. Regardez les deux spectateurs. Là. Ouais. Et maintenant, baf! Eh bien oui, là c'est passé tout près. C'est un Saunier Duval qui a failli faire une collision frontale avec le spectateur. Serpellini qui vient se placer aux avant-postes. Guédon est là également. Et Skerlings dans le centre. Decker et Zabel sur la gauche. Et accélération maintenant. Mais que font toutes ces voitures les autres années? C'était pas comme ça quand même. On n'a pas le droit de se carrer là. Voilà, le sprint du vieux Coirmont est lancé. Le vieux Coirmont, là-bas, là-haut. Pour ces quatre-là, le sprint, il n'en est pas question. Auger, Albacini, Schmitz et Maréchal. Rappelons-le. Et on voit qu'il y a du vent. Ça va jouer surtout après le sommet, parce que après le sommet, ça continue en faux plat et c'est là qu'on peut faire la différence. Oui, c'est un des trois ou quatre endroits où on est le plus exposé au vent. Justement, ouais, au vent. Exactement. Et je vous rappelle, puisque vous avez toujours en haut l'image, le nombre de kilomètres qui reste au sommet du Koppenberg. Je dis bien, le Koppenberg, il reste 73 kilomètres. Donc regardez comment on en est près. On voit à l'avance qui diminue que le peloton a pris son élan. La longueur du Coirmont, je vais dire la raideur du Paterberg, 20 km. C'est dans le Paterberg que Ballan est sorti avec Bohlen. Ouais. Et puis évidemment le Koppenberg. Là maintenant, on rentre vraiment dans une phase stratégique, dans un triptyque très 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 intéressant. Et voilà, ça se voit. Hein. Kretzkens. Les secondes tombent. Ah, pour la première fois aussi, l'équipe chocolat Jacques de Nico Eckhout qui se trouve là. Nico qui vous a dit ce matin, il faut tenir. Oui, je lui ai demandé quelle est la tactique de l'équipe Chocolat Jacques. Il a dit suivre les autres. Oui, bon, c'est pas si mal. Hein. Surtout que Nico Eckhout a une bonne pointe de vitesse, mais il doit encore nous prouver à plus de 30 ans. Lui qu'on appelle Rambo, qui ouais, peut sortir après 200 km. Hein. C'est son but de l'année, hein, la présentation de l'équipe. On dit ça chaque année. Il a dit de suite. Ouais. Ah ouais, chez nous, on dit que c'est la première fois qu'il ose dire que. Ah, enfin, oui. Ça a été un peu transformé en je vais gagner le Tour de Flandre, tandis que lui, il dit, j'ai dit que c'est mon premier but et qu'il faut que, pour une fois, je puisse arriver à dépasser les 200 km. Parce qu'on lui reproche toujours qu'il n'arrive pas à faire des finales. Après les 200 km. Les premiers mètres de pavé du Coirmont, déjà fatal à Auger et maintenant à Albacini. On a regardez clairement ça. La tendance devant. Schmitz et Maréchal sont partis. Et maintenant, c'est le sprint dans ce peloton. Bon, tout est sec. Ça me rassure pour le Koppenberg. Il faut savoir, Rodrigo, que Schmitz et Maréchal étaient déjà sortis tout à l'heure quand ils étaient 6. Et puis ils avaient attendu les 4 autres pour pouvoir aller plus loin. Mais ici, on ne peut pas attendre avec l'enchaînement Paterberg et Koppenberg. Van Petegem dans la roue de Roosems. Ah ouais. Bert Roosems, magnifique. Un des deux ou trois meilleurs rouleurs de notre peloton, très certainement des Belges. Ça veut dire qu'après, ça sera à Van Petegem de se débrouiller tout seul, je pense. Oui, à moins que Stegman soit encore dans le coup. Ouais, ça c'est possible. Et en tout cas, Maréchal et Schmitz au milieu de la foule. Mais vous voyez les nadars, hein? Les autres années c'était différent. Donc c'est beaucoup mieux quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux quand même. Plus question d'éviter la difficulté. Voyez, on va se rapprocher à presque 3 minutes au pied du Coirmont. Et sur le Coirmont, on peut refaire facilement si on le fait à bloc une minute. Hein. Oh oui, facilement. Bon, c'est pas le premier but. Hein. Et Ost que l'on voit arriver à droite. Ost Cancellara, remonté aussi. Le peloton ne tient pas du tout compte des attaquants. Hein. Donc, Fletcher. C'est ici que se joue la course. Hein. Ça ne compte pas. Bon, c'est bien sûr qu'ils ont du mérite, mais je veux dire, pour la victoire du Tour des Flandres. Aucun moment n'est bon pour crever, mais surtout pas mal. Non. Là, non. C'est une catastrophe, sinon. Ouais, et les gars qui sont là derrière. Surtout que si maintenant on doit attendre sa voiture avec. Ouh, non. Ah, maintenant. Kretzkens à gauche. Roussens au centre. Paolini, maillot vert au milieu. C'est Petak qui. Non, c'est Zabel qui est remonté à gauche, oui. Et voilà déjà. On est coincé. Premier moment où il faut mettre pied à terre. En queue de peloton. Oh, ça promet pour le Koppenberg tout ça.
Donc Kretzkens, Rousems à droite, Zabel à gauche, il fait une très bonne impression. Bettini en retrait avec Lear, avec Paulini également. Bonnen est un petit peu plus en retrait. Host, Van Petegem aussi, Uchoft que l'on a vu pour la première fois. Voilà Clear qui veut se dégager manifestement et veut venir se mettre plus devant, avoir la trajectoire, pouvoir choisir. Il y a de la nervosité. Hein. Zabel me fait une très belle impression pour le moment, même si ça sera plus dur pour lui dans le Paterberg et dans le Koppenberg ici. Eckhout qui arrive maintenant. Mais on va déjà faire une certaine sélection, je pense. Enfin, surtout pas derrière, bien sûr. Nico Eckhout sur les pavés du Vieux Coirmont. Philippe Gilbert, Rodrigo, 7e ou 8e position. Le maillot de champion de Belgique de Baguet aussi sur la gauche de l'image. Bonnen dans les alentours, dans la roue de Paulini exactement, lui-même dans ses Pettini. Et déjà, vous voyez déjà, oui, il faut faire gaffe. Hein. Oui, oui, on a failli prendre le bas-côté. Parce qu'il s'économise bien, ouais. Bonnen, mais ça a des désavantages aussi, ça se voit. Donc Clear et Zabel en première ligne. Pettini apparaît également. Juste derrière Eckhout. Ils sont pas du tout à fond. Hein. Et en cours des îles Baléares, pour moi, c'est Zabaya qui revient. Et voilà, pied à terre et on monte à pied. C'est le cas d'un coureur de l'équipage G2R. Déjà vu bien à son avantage en début de reportage. Là, il roule comme un leader ou comme un lieutenant de luxe là. Bah, vu le rythme, il n'y a pas question, donc ils font pas encore la course. J'aurais pensé que justement on aurait mis un coéquipier devant pour faire la sélection, mais il n'y a pas trop de coéquipiers qui veulent déjà se sacrifier, c'est clair. On est toujours à 84 km de l'arrivée et ce sont les grosses pointures eux-mêmes qui sont devant. Quoi. Donc, et ça ne roule pas. Hein, donc, Bettini, Zabel, Clear, Van Petegem, Gilbert, Incapi sur la droite également, on monte à gauche Zabaya. Donc effectivement, il y a eu une sélection par derrière, mais bon, il y a eu des coureurs qui étaient vraiment coincés, justement parce qu'il y en a trop devant. D'habitude, tout le monde est en file indienne sur le Vieux Coirmont, ce n'est pas vraiment le cas. Et Cote avait abandonné ici l'année passée, au même titre d'ailleurs que Weizmann, qui est un des grands absents, le vainqueur d'il y a 2 ans, qui n'est pas bien sous antibiotiques, et qui s'est fait remplacer par Korf. Eh bien, bel effort de Zabel avec Zabaya, avec Gilbert sur la droite de votre écran, derrière le champion olympique. On va revoir. Voilà, ça c'est la vague qui a failli provoquer une chute, mais qui va provoquer l'arrêt. Ça c'est parce qu'on ne va pas assez vite, c'est tout. D'habitude, on monte le Vieux Coirmont beaucoup plus vite que ceci. Et donc, ça promet pour... déjà la Paterberg maintenant, et puis après le Koppenberg. Ce que disait Schmil, la tactique pour battre Bonnen, c'est de durcir la course. C'est ce qu'on ne fait pas alors. On ne le fait pas. Pour le moment. Il met un certain rythme, Bettini, mais ce n'est pas pour lâcher des autres favoris. Hein. C'est juste, bon, la sélection se fait automatiquement par derrière, mais pour le reste, il ne se passe rien pour l'instant. Image rare hein, ces dernières années, de voir un champion de Belgique qui emmène un champion du monde dans son sillage. 82 km de l'arrivée. Nous arrivons au sommet et donc dans 3,5 km le très difficile Paterberg qui est court, hein, 400 regardez, mètres. Regardez, ça n'avance pas. Hein. Bonnen revient sans le vouloir. Quoi. Il va être en tête du peloton sans le vouloir. Voilà. Et vous voyez, il a fait le geste à Paquet. Non. Voilà. Et c'est Kretzkens qui vient maintenant passer devant. On arrive dans la ronde van Vlaanderenstraat maintenant. On sent quand même la mainmise progressive de l'équipe de Quickstep maintenant, non? Oui, on se positionne un peu. Mais... Ah, voilà votre ami Tox qui est lâché. Ah oui, mais il a fait son boulot. Hein. Ouais, et notre dur de tête qui maintient quand même un avantage de plus de 3 minutes. Maréchal. Bon, non, ça c'est rien ça. Mais
vous voyez, on va compter les éléments par équipe maintenant. Mais la course n'a pas encore commencé. Donc ça veut dire que on n'est plus sûr de rien dans le Tour des Flandres. Rosums qui remonte. Si déjà on ne fait plus la course sur le vieux Quarmont, qu'est-ce que ça veut dire? On continue à manger. Il a bien raison, Bonen. La force évidemment de Bonen, et c'est ce qui va le plus gêner ses adversaires, c'est que Bonen a le choix pratiquement de toutes les tactiques possibles. Il est capable, sur un coup de folie, de partir de loin, comme il a fait 2 années de suite à Rolbeek, mais il peut attendre le dernier moment avec son sprint aussi. Oui, mais s'il attend le sprint, il va être attaqué de tout côté. Ouais. Mais, dit ses adversaires, le problème c'est qu'on sait, avant, à l'époque de Musset, mais de Van Petegem, on savait dire quand ils allaient attaquer. Il y avait des endroits clés, on savait que c'était le mur ou à Brakel. Ici, avec Bonen, personne ne sait ce qui peut se passer. Bah, comme on a vu, on ne fait même plus la course sur le vieux Quarmont, donc ça devient très intéressant. Et voilà les deux premiers sur le Paterberg. Voilà, petite colline pavée, la plus courte, mais celle qui offre le plus grand pourcentage. Et comme on dit, si on veut mettre une patate, il faut le faire après la moitié. Voilà, dans 50 mètres. Mais bon, eux, ils n'ont pas l'intérêt, bien sûr, mais... Vous savez que Host était avec Marichal ici il y a 2 ans. Host, Marichal, dans un groupe où il y avait aussi Schaffrat, Ludovic, De Jong, Elmiger, les rescapés du groupe des 26. Donc Thierry Marichal qui s'est déjà retrouvé dans des circonstances similaires. Regardez comme c'est dur, regardez. Et voilà le Nadar encore qui fait son travail. C'est là qu'on peut prendre la rigole à gauche, hein, sinon en temps normal. En temps normal, oui, mais on est bien obligé de prendre les pavés aujourd'hui et c'est tant mieux. C'est un des passages les plus difficiles du Tour des Flandres, vraiment. C'est là que Balan faisait la différence avec Bonen, qui avait bien donc compris. Là, en fait, Bonen était dans la rigole, si je puis m'exprimer ainsi. Balan a attaqué et Bonen est sorti de la rigole pour prendre le pavé et était le seul capable de revenir dans la roue. Van Petegem disait qu'il était bloqué, donc que sa roue avant était du mauvais côté, donc du côté gauche de la roue arrière de celui qui le précédait. Et en plus, il était en 7e position. Et n'oublions pas que c'était McEwen qui était en train de freiner tout le monde. Mais le rythme n'était pas très, très... Ah non, pas du tout. Mais c'était bien vu de la part de McEwen, parce que lui, il a l'intérêt à garder un groupe comme il était samedi dernier ensemble. Mais bon, il était quand même... pas assez fort pour mener un rythme acceptable. Bon, on se jette maintenant vers le pied du Paterberg avec ce qui reste du peloton, avec les favoris. C'est la 21e fois depuis 1986 que le Tour des Flandres emprunte le Paterberg, dont le passage le plus difficile, vous l'avez vu, se situe à peu près aux 2/3 de la montée de 400 mètres, montée 100% pavée. Difficulté qui offre des dénivelés de 48 mètres et donc une moyenne générale de 12,5%, ce qui est énorme. Maintenant on va voir quand même, comme c'est plus raide que le vieux Quarmont, on sera bien obligé individuellement d'agir pas comme on l'a fait dans le Quarmont où on peut aller doucement entre guillemets. Bonen est en 4e position au moment de virer. Bagge, Kretzkens, ça c'est clair. Bagge, Kretzkens, Bettini, Bonen là. Et voilà. Quick-step Armada est là avec derrière Clear à droite, Van Petegem, Zabel qui tient toujours très bien. On peut même pas passer hein, si on n'appartient pas à l'équipe Quick-step. Ah, c'est exact. C'est un mur. Du plancher. Et dès qu'on parle de mur, rien. Le Berlinois Zabel arrive. Il est bien Zabel, très très bien depuis le début de l'épreuve. Maintenant, évidemment, c'est sur des côtes comme le Paterberg et le Koppenberg qu'on va voir. Eh bien, je me trompe. On peut faire le Paterberg doucement. Bon, c'est ce qui fait. Ouais, c'est relatif, bien entendu. Mais bon, c'est l'objectif, c'est de ne pas. C'est pas comme samedi dernier. Hein. Non, non. Et on peut se mettre debout. Et comme vous le dites, on ne s'est pas passé. Hein. Non, non, on s'est vraiment pas passé. Hein. On fait McEwen à 3 maintenant. Hein. Balan est là à gauche de l'image. Bonen, Clear, Host, Incapi, Gilbert, Eisel, Uchoft, Sapaya. Le Jens est là aussi. Donc les 4 mousquetaires sont là, plus un 5e, c'est Bagge. Ils ont quand même la chance. Hein. J'ai vu Pozzato un petit peu plus loin. Il
Bon, il reste 13 montées, bien entendu, mais on attend, hein. Ah, pas de course. Non, pour non. Le moment. C'est comme Milan-San Remo, hein, où on attend jusqu'à l'arrivée. C'est quand même pas amené Petacchi ici, hein. Non, non, non. J'y crois pas, moi, mais bon, s'il continue comme ça. Bon, ça casse quand même très, très fort à l'arrière. À l'arrière, oui, mais devant. Et bon, ça se voit à l'avance quand même, à l'avance des deux hommes de tête, qui a diminué maintenant de jusqu'à 2 minutes 42, qu'ils vont plus vite, le peloton, les favoris. On revient avec le duo de tête qui file vers le Koppenberg. Le Koppenberg, site classé par le ministère flamand de la Culture, au même titre que la cathédrale de Bruges, s'il vous plaît. Non. C'est vrai ? Bah oui. Et une approche un peu sinueuse, droite, gauche, droite. Vogels qui lâche. Il a beaucoup donné, il est tombé aussi. Et Van Petegem va être très isolé là pour la suite de la course. On a l'impression que le plus fort, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est Rosums. Qui a mené juste avant le vieux Quarmont. Donc, et voilà tout le monde enfin en file indienne. Alors, le Koppenberg, on vous en a déjà beaucoup parlé. On met d'habitude une caméra fixe. On dit que le Koppenberg, ça vous essouffle même en marchant. Ça, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vraiment très raide. Et donc, bon, on a refait les pavés il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Mais déjà, ça, l'état des pavés est dégradé depuis. Hein, donc, en plus, j'ai déjà entendu des... Comment est-ce qu'on appelle ça en français ? Quelqu'un qui met les pavés. Un pavétiste ? Je sais pas, hein, mais donc les gens qui travaillent dans... Un paveur, hein ? Un paveur ? En fait, donc il y a des paveurs professionnels qui ont été interviewés dans la presse flamande qui ont dit que la façon dont a été remis le Koppenberg, c'est scandaleux. C'est pas du travail professionnel. Peut-être que c'était voulu, hein, parce que... Ce qui est sûr, c'est que ces derniers jours, des gars comme Bettini, Pozzato, ne sont pas arrivés au-dessus. Exactement, à l'entraînement, mais bon, il faut... Les voitures faut ont essayé, ont dû s'y reprendre à deux fois pour arriver au-dessus en première. Il faut voir aussi comment ils ont pris ce Koppenberg à l'entraînement. Hein. Peut-être qu'ils l'ont fait un peu... Enfin, pas avec le bon développement déjà, ou en dansant, ce qui est complètement ridicule, par temps mouillé. Mais bon, j'espère bien qu'on a bien nettoyé le Koppenberg et que... Avec des paveurs ou des cantonniers. Des cantonniers ? Oui, mais l'objectif ici, il est clair. Je pense que l'objectif, c'est d'amener Bonen, mais vraiment, peut-être dans les mêmes conditions que Molenberg. On pourrait imaginer, vu la difficulté et le risque qu'il y a, qu'il n'y en ait qu'une partie qui arrive à pied, Bonen va presque passer le premier. Voilà, je vais te dire encore quelque chose. Donc, j'ai dit que c'est impossible de monter le Paterberg doucement. Je vais recommencer. Donc, je pense que le Koppenberg, on ne peut pas le prendre doucement. Mais là, la théorie est importante. C'est vrai que le problème d'abord, c'est que tout le monde dit si on monte le Koppenberg en danseuse, on est foutu. Ah oui, avec les conditions même sec, ça sera passé comme en été. Hein, donc, voilà. Tout ça. En plus, avec la pente. Parce que la roue arrière patine. Oui. Et donc, c'est fini. Et c'est fini, on peut pas repartir. Mais d'un autre côté, si on prend évidemment un trop gros braquet comme Ekimov peut le faire, forcément, on met pied à terre. Mais si on met un trop petit braquet, ça ne va pas non plus. Non, si on mouline trop, c'est pareil, quoi. Donc, c'est aussi important le choix du braquet. L'habilité, hein, l'expérience. Connaissance du parcours, bon, presque tous les favoris l'ont reconnu en semaine. Il y en avait beaucoup hein, qui sont pas arrivés en haut. Nick Neuen, Serge Baguet, Gilbert, Pozzato, Bettini. Mais Bettini a la seconde fois qu'il a essayé. Donc, Oui, et je vous le dis, en voiture, en première, s'y reprendre deux fois, ça situe la difficulté. Le Koppenberg, dont le sommet sera situé à 73 km de l'arrivée. Je rappelle que ce que vous avez sous les yeux quand on met 75 km de l'arrivée, c'est la situation évidemment pour le groupe de tête, donc pour le duo de tête maintenant. Ça va être déjà intéressant de voir comment Marichal et Schmidt vont s'y prendre. Hein. Le Koppenberg qui fait exactement
600 mètres, entièrement repavé, une largeur de 3 mètres, avec donc le pourcentage maximum à 22%, la moitié. Quand on voit ça, on se dit quand même que Serge Baguet aurait été très utile à l'équipe David Amonlotto. Ouais. Au début de sa carrière, on voyait plutôt Baguet quand même sur les classiques comme la Flèche Wallonne. Hein, mm-hmm. Et on voit qu'il s'exprime remarquablement. Et franchement, ça fait plaisir de voir ce maillot de champion de Belgique. Il était déjà très bien dans la Flèche Brabançon dimanche dernier. Et voilà, les premiers sur le Copenberg. Sec, le copain. Alors la caméra fixe et voilà cet épouvantail. Ah, on doit quand même être un peu nerveux là maintenant, ce stade-ci de la course. C'est dire aussi quand on est devant, est-ce que je vais arriver, hein? On est devant un public énorme, des spectateurs, des téléspectateurs, tous les pays. Alors que leur but à eux, c'est pas d'arriver au-dessus du Copenberg. Non, voilà, les cyclotouristes, bien sûr, ils essayent de ne pas mettre le pied à terre jusqu'en haut, mais ici, c'est la course, c'est quand même tout à fait différent. Ils ont presque 200 km dans les jambes. Hein. Ouais, ouais. Et leur but, c'est, au-delà d'aller au-dessus, c'est de tenir le plus longtemps possible devant. J'imagine que du côté de chez Cofidis et chez... Regardez déjà. On est content, voilà. C'est quand même quelque chose de très spécial, le Copenberg. Et encore le pavé est sec, hein. Oui, il est assez sec. Et vous voyez, on ne peut pas mettre du nadar ici, donc il y a du nadar naturel. Regardez, Thierry qui n'avait pas réussi à monter ça à l'entraînement. Ici, il est en tête du Tour des Flandres. Mais imaginez déjà le peloton tout à l'heure. Bon, le peloton qui est déjà, enfin, je ne vais pas dire décimé, parce que, mais bon, on est peut-être encore 60. Tandis qu'à l'époque, il y a 20 ans, on faisait ça comme première montée, avec un peloton complet, doublé. Regardez, on a le sentiment peut-être que Schmitz a un braquet un petit peu plus petit que Marichal. Et voilà le sprint. C'est vraiment de cela dont il s'agit. J'espère qu'on aura quand même l'occasion de voir nos deux leaders au-dessus. Donc j'ai vraiment le sentiment que Bonen va tout faire pour virer en tête. Oui, voilà. Regardez. Le champion du monde en tête. Et maintenant, chacun pour soi. Hein. Avec Bettini. Et Bonen en personne. Avec Fletcher, Bettini, Clear. On est parti. Bonen accélère. Hein. Petite différence avec le duo de tête. Oui, ça je crois, oui. Qui est parti tout à fait sur la gauche, ce que fait aussi Van Petegem. Baguet prend l'option centrale avec Cancellara. Clear et Van Petegem reviennent un petit peu du côté droit. Et regardez, ça c'est Auger. Dire qu'il est à l'arrêt. Regardez Bonen qui fait déjà le trou. Allez, toute la puissance de Bonen avec ce nouveau vélo. Et assis, hein. C'est exactement assis. Faire, hein. Ouais. Assis avec un développant, ouais, un tout petit peu trop grand pour l'instant, mais comme il est fort. Et Icapi qui vient derrière. Icapi, Bettini. Mais regardez la différence entre. Il est vraiment, pour le moment, au-dessus du lot. Il n'y a rien à dire. C'est quand même assez quelle loin. Puissance. Parti tout seul, donc c'est juste pour la sécurité. Regardez la façon dont il passe côté logé. Démonstration quand même. Ah, il est au-dessus du lot, il n'y a rien à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Non, bien sûr. Icapi, Bettini. Clear qui arrive avec un crawl, équipe CSC, j'ai pas pu identifier, Van Petegem. Kroon sans doute, non? C'est très possible que ce soit Kroon. Je me demande quand même si ça n'était pas Ljungqvist, moi. Balan qui est seulement... Ah, voilà, et les Ovalais sont à pied. Ost, Baguet, Uchoft. J'aime pas ça. Skerlings, et voilà, tout le monde est à pied, y compris Zabel et Petaki. Regardez, le grand qui est là devant vous, c'est Petaki. Avec Pozzato, le vainqueur de Milan San Remo. Guédon, également. Et c'est fini, hein, pour eux. Sauf si à l'avant on s'arrête, mais si on veut continuer. Decker, oh là là, Stegmans,
Ils sont tous à pied. Alors, ouais, ça Marc, on en reparle. C'est ce que j'avais dit. Donc, c'est ce que j'avais craint plutôt, parce que je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout ces images-là, parce que comment est-ce qu'on ne peut pas se défendre sportivement? Il y a quelqu'un qui a dû mettre le pied à terre, il oblige tout le monde. Je crois que c'est Gilbert qui vient de passer maintenant également. Mais bon, une fois de plus, Bonne a eu bien raison avec sa tactique. C'est de rouler et de ne pas s'économiser comme il a fait jusqu'à maintenant. Il a pris le devant et bon, lui, il sera en tête. Avec combien d'autres coureurs encore qui sont passés sur leur vélo, on n'en sait rien. C'est un peu... 5, 6. Beaucoup de gens aiment ce spectacle-ci. Mais bon... Ou alors il y a cette solution-là, c'est se mettre tout derrière et essayer d'y aller. Bah, Bettini a son second essai, vendredi dernier, il est redescendu. Hein. En tout cas, Bettini et Incapi ont dû laisser filer Bonne. Voilà, exactement, c'est ça. Bon, s'il n'y en a que 3 alors, ou 4, non, on est 6 ou 7. Ça, ce sont ceux qui sont montés à vélo. Donc, Bonne très certainement. Bettini, Clear. Je pense qu'on peut ajouter Fletcher. Ben on va voir ça, mais c'est vraiment comme l'année que gagne Claude Griguillon. Ils étaient 8 à passer à vélo et le reste était battu. Jamais revu les 8 premiers. Donc ça devient une course. C'est devenu alors une course à 8. Maintenant, ça sera peut-être une course à 7. Je sais pas, on devra voir la différence entre les 7. Si on a bien compté. J'imagine que la polémique va continuer. Hein. On va de nouveau avoir ceux qui vont dire ça c'est du vrai spectacle et d'autres vont dire ça mais c'est pas du vélo. On n'a pas vu le moment exact où ça s'est cassé. Donc je ne sais pas quel coureur a dû mettre pied à terre le premier. Ça aussi, est-ce que c'est à cause du fait qu'il ne roulait pas assez vite, un incident, une chaîne qui saute. Donc ça, je n'ai pas vu. Je ne suis pas sûr que tout le monde parlera d'Albatros demain. Non, ça c'est pas certain. Mais bon, vous voyez que ça, c'est quand même des albatros. Et pas dans l'air. C'est pas majestueux du tout. On dégrade les coureurs au niveau des cyclotouristes. Bon, ici, ces gars-là étaient déjà battus, je suis bien d'accord, mais à l'avant, c'était quand même différent. Mais bon, on dit aussi, du côté flamand, on dit que ça fait partie du Tour des Flandres et bon, Bonne n'a pas dû mettre pied à terre. La maîtrise, bon, on sait qu'il est le meilleur aussi. Alors, on va maintenant essayer de faire l'inventaire. Et voilà, déjà 1 minute 26. Hein. Bah oui, évidemment. Donc, bah... Alors, Schmitz et Marichal se trouvent là, mais ce qui est intéressant, c'est essayer de voir qui y a dans le groupe. Donc, c'est clair que Bettini et Incapi ont été loin derrière Bonne les plus solides. Et on a 7 coureurs. Paolini, un coureur de l'équipe CSC. C'est celui pour lequel j'ai le plus de doutes. J'avais envie de dire Ljungqvist, mais franchement, nous verrons. C'est peut-être Kroon. Encore un coureur qui essaie de revenir. Regardez, c'est... Maintenant, ça dépend un peu des 7. De l'attitude du groupe Bonne. Des 7 et voilà, de l'équipe de Bonne aussi, s'il y en a 2 ou 3 encore ici, peut-être qu'ils vont attendre. Je pense qu'il n'y a que Bettini. Pas vu Neuens et certainement pas Pozzato. Non, Pozzato, on est certain qu'il a dû mettre pied à terre. Mais bon, c'était qu'il était loin aussi, c'est ça. Ceux qui sont pour le Koppenberg vont toujours dire on n'a qu'à être à l'avant. Hein. Paguet était un des premiers à mettre pied à terre. Alors, voici ce groupe, 3, 6, 9 coureurs. 1:23, donc ça veut dire que devant, voilà. Heureusement que... Bon, ça veut dire que... Ah non, mais ça, c'est... C'est Marichal et Schmitz. C'est Marichal et Schmitz, oh, ouais. Le ravito pour eux, c'est quand même important, ça fait un moment qu'ils sont partis. Ouais. Et on les a pas vus manger tout à l'heure entre le Wolfenberg et le vieux Quarmont. C'est très agréable, le Koppenberg comme cadre, mais pour manger, déjà, l'objectif étant d'arriver au-dessus. Il faut arriver en haut d'abord. Bon, voilà, donc eux aussi, ils vont prendre leur temps, ce qui veut dire qu'il y aura du monde qui reviendra de l'arrière. Laurent, vous avez la composition du groupe ? J'arrive, Rodrigo. Bonen Bettini pour l'équipe Quick-Step, Van Petegem pour l'équipe David Amon-Lotte, Cancellara pour l'équipe CSC, un coureur de la formation Caisse d'épargne Il Balear qui n'est autre que Giulia Segarra,
Paolini et Incapi. Et bien voilà, on les a sous les yeux. Et l'homme inattendu, c'est le numéro 35, Julia. José Julia Caetano. Et Albacini. Albacini. Et Rodrigo, c'est pas Paolini. Vous rajouterez Petito qui vient de rentrer. Ah, l'autre maillot vert. Cinquième de l'année dernière. Pas mal. Petito, un Romain. Vous savez, il avait deux idoles. Roger de Vlaming et Giuseppe, son grand frère, 11 ans plus âgé, qui fut professionnel lui aussi. Oui, ils étaient quatre, hein, les frères. Petito. Et voilà donc encore cinq coureurs. Et... Alors il y a Fletcha Balan, probablement. Ouais. Un Saunier Duval qui rentre aussi. Que doit faire Bonnen avec Bettini là? Chez les femmes, il y a Myriam Melkers, la nouvelle épouse de Jean-Paul Van Poppel, qui vient de gagner au sprint. Qui vient d'effectuer le doublé en fait. Elle a gagné au sprint. Si c'est à deux. Mais c'était deux hein, dans le sprint. Ah, d'accord. Comme l'année dernière avec Ljungqvist. Alors, on a Petito ici sous les yeux. Et ça va peut-être encore rentrer. Et troisième chez les femmes, Luz Gunnebeck, une coéquipière à Myriam Melkers. Bon, Albazini a été pratiquement laissé sur place là. Alors, en effet, Fletcha. Il y a un Saunier Duval qui se trouve là, à mon avis, il doit y avoir Balan, certainement. Le Saunier Duval, je pense, c'est très difficile à voir, là. Balan, Host, Fletcha, le coureur de chez CSC, c'est Carsten Krohn, oui. Donc, Host, en commençant par l'arrière, Host, Fletcha. Et on nous annonce Angel Gomez. C'est celui qui était tombé tout à l'heure, ça, pourtant. On va voir. Donc, notre duo de tête, Marichal et Schmitz. À 57 secondes, le groupe Bonnen. À 1:10, le groupe Fletcha Osbalan. Le Steenbeek Dries. Oui. Ouais, c'est une montée qu'on faisait souvent sans qu'elle était répertoriée dans le parcours officiel. Ça s'appelait la station Strach, ouais, c'est ça. Répertorié que depuis 2002. Ici, l'année passée, Balan était revenu sur Zabaya. Il lâchera dans le Berendries. Donc Petito, Van Petegem, Cancellara, Clear, Bettini qui emmène. Mais donc si on regarde un petit peu, Bonnen est le seul à avoir un équipier ici. Hein. Et quel équipier ? Bettini, le champion olympique en titre. Et donc le retour sous la conduite de Balan. Balan Fletcha. Alors, Incapi, au vu de tout ça, pourrait récupérer Host. On n'a pas vu de Volder. Et donc, on pourrait avoir un autre duo avec l'équipe Discovery et deux CSC. Alors, si Krohn revient à hauteur de Cancellara. Donc, on aurait trois formations avec deux coureurs. Bettini, donc, qui emmène Incapi en deuxième position. Troisième, Bonnen. Quatrième, Clear. Et donc, Clear, il a encore un coéquipier devant. Exact, c'est important. Enfin, je ne sais pas si ce qui lui reste dans son assiette, mais... Non, ça peut toujours il est devant. Être utile, même si c'est un court instant. Et en tout cas, Clear est le seul à pouvoir dire dans ce groupe, moi, je ne travaille pas. Absolument. Et Bettini, qui mâche son chewing-gum. Il faut le faire aussi sur les pavés, ça peut être dangereux quand même, non? Vous l'auriez fait, vous? Non, pas du tout. Donc on est combien là? 12? Oui, je pense. Oui, 12 coureurs. 12 et 2 devant. Donc, Bettini, Incapi, Bonnen, on voit le groupe. Hein. Bonnen et Bettini, même équipe. Van Petegem seul, Cancellara avec Krohn.
Julia tout seul. Ventoso, ça c'est la surprise du chef. L'autre, Balan, Fletcher, Incapi, Host, équipier d'Incapi et Petito. 12. Mais donc il n'y a pas Paolini. Paolini n'est pas là. En fait, la confusion doit venir de Albasini, oui, qui a été repris. Albasini qui est... Qu'est-ce qui nous en plus d'hélicoptère est un peu le même format que Paolini. Qu'est-ce qui nous manque encore au niveau des favoris? Pas de Volder? Non, pas de Volder, pas de Tekker. Zabel qui était bien jusque-là. Les Mais Bonin qui insiste. Hein. Oui, oui, il a raison. Que... On ne va pas laisser revenir tout le monde. Donc Pozzato, bien entendu, Pozzato, Baguet, Neuer, Stegmans. Stegmans, oui. Fletcher qui espérait pouvoir compter sur Tekker, ça n'est pas le cas. Rodrigo. Non. Je me demande si Clear portant le numéro 135 et Radio Touré ayant annoncé le 35, il n'y a pas une confusion avec le coureur de la caisse d'épargne, Il Balear, qui serait le 13e coureur de trop. À vérifier donc. Ah, merci Laurent. Et nous voilà au Tainberg. En tout cas, voilà Clear, Bonen et Van Petegem. Et attention, avec ce Tainberg, jadis théâtre de fameux cafouillages aussi, à l'époque de Le Monde, Van Hooydonk qui ont dû y mettre pied à terre. Taffy était passé en action en 2000. Ici aussi, le pavé a été refait il y a quelques années. Toujours quelques... Vous voyez, on essaie absolument de faire passer les voitures parce que impossible, ils sont sur les talons. Ah, ça va être difficile, ça. Clear, Bonen. Est-ce qu'on peut donner, au vu de ce qu'on, de ce que nous a montré le Koppenberg, un petit avantage, par exemple, un Clear pour le moment sur un Balan ou un Fletcher? Encore un peu tôt. Oui. Confirmation, Leif Host. Ah. Il est bien. Oh, hein? Il est très bien. Et ce qui est important, dans sa tête aussi, il est très bien. Leif Host. À cause ou grâce à son mariage? Je vous laisse le choix. Dans les histoires de famille, moi je retiendrai simplement que c'est le fils de l'ancien coureur Noël Malfait, qui dans les années 50 avait notamment roulé avec Gilbert de Smet, Céramique, Klaus, Impanis, Van Steenberg. Et il a deux oncles, Lieven, notamment Malfait, qui était dans la grande équipe Flandria à la belle époque. Alors, Marichal et Schmitz qui auront au moins tenu jusqu'au sommet du Tainberg. Est-ce que ça va leur permettre de tenir? Vous savez que dans 2 km, on va avoir deux secteurs pavés de 200 et de 300 mètres. Et dans 4 km, Leichenberg. Qu'est-ce qu'il y a encore comme essence dans le réservoir là pour ces deux-là, hein? Parce que quelle magnifique échappée. J'imagine de toute façon que les sponsors sont fous de joie. Et Host qui vient se placer devant avec Austin Capi. C'est aussi un beau duo, hein. On a fait quand même déjà 192 km. Hein. Et voilà que Nico Eckhout n'est pas là non plus. Et donc Francisco Ventoso, 23 ans, l'année passée, il y a deux ans, avait gagné au Tour du Qatar et à Philadelphie. Et donc voilà qu'on est 14, non? Ou 15? Laurent. 14. 14 coureurs. Et donc pas de Paolini et pas de Julia Segarra. Mais bien et derrière, Ventoso. Intéressant, Baguet, Pozzato, Uchoff et Zabel. Ah, voilà un beau quatuor dans lequel j'imagine que Baguet et Pozzato ne vont pas rouler. Je sais pas, ça peut toujours être intéressant. De ramener deux sprinters comme Uchoff et Zabel. Oui, pourquoi pas. On peut les éliminer et on est quatre. Donc, c'est vrai. Donc Bonen avec Bettini, Van Petegem tout seul, Cancellara avec Kroon, Ventoso, Clear, Balan,
Flecha, Incapri avec Host et Petito. On est d'accord pour la composition du groupe de tête. Deux Quickstep, deux T-Mobile, deux CSC. Finalement, le Koppenberg n'a pas encore été décisif, mais il a bien fait la sélection quand même. Mais bon, comme les meilleurs sont devant, je ne vais pas traduire le Koppenberg en justice. Vous savez que Karsten Krohn, sa compagne étudiante à l'Académie du film, a réalisé il y a 2 ans un documentaire sur la peur de chute dans le peloton. Kemmelberg, sur le Kemmelberg. Elle m'a téléphoné. Elle vous a téléphoné, oui. C'est vrai. Karsten Krohn qui sort tout de même d'un très bon début de saison, 9e de Tirreno Adriatico, 2e de la Flèche Brabançonne. Lui qui, chez les Espoirs, s'était classé 2e de Liège-Bastogne-Liège. Et on le retrouve ici dans les classiques flamandes. Ses deux plus beaux succès, une étape du Tour de France à Plouay et le Rund und Enniger Turm, plus connu sous le nom du Grand Prix de Francfort, que Laurent Bruvier vous commentera en direct le 1er mai. Alors, voyez comme c'est utile d'avoir un Schmitz. Voilà, exactement. Ah oui, il ne sera peut-être plus là tout à l'heure après la côte suivante, l'Eikenberg, mais il travaille. Très précieux. Et Van Petegem est là. Donc il est prêt. Il est prêt, donc il était énervé sans doute, mais bon, il n'était pas si mal que ça ces derniers temps non plus. Mais bon, ça serait étonnant quand même de l'avoir déjà perdu, si on l'aurait déjà perdu avant les 200 km. Invisible quand même lors du week-end d'ouverture. Oui, mais ça fait un mois quand même déjà, le week-end d'ouverture. Absent de Milan Sanremo. Où pendant de longues années, on s'est dit que c'était peut-être le seul Belge capable de partir dans le Poggio. Oui, mais bon, lui, il disait que ce n'était pas le cas et il n'avait rien à chercher là-bas, donc il est resté chez lui. Il a pris Clear avec lui dans l'équipe Farm Frit à l'époque, notamment pour l'aider dans le Poggio. Hein. Oui, ouais. C'est vrai, mais... Des écarts, ce groupe-ci, Rodrigo, est à 25 secondes. Le quatuor, donc il travaille. Et ce que disait Marc, oui, Baguet travaille, en effet. Et le groupe 3 est à 50 secondes, mais le groupe 3, on n'a pas encore l'identité des coureurs. Ah, il doit y avoir les autres grands battus qui doivent être Dekker, de Volder, pour ne citer que ceux-là, peut-être Neuens, peut-être Pozzato, Paolini, en effet. Qui nous avait fait excellente impression sur les premières difficultés. Parce que les Quickstep ont 4 chefs de file. Ouais, eux, s'ils continuent comme ça, ils vont avoir les 4 devant sur 18 coureurs en tête. S'ils arrivent à boucher le trou. Et tout le monde travaille, donc déjà Zabel et Uchoft sont obligés de bouffer un peu de leurs économies eux aussi. Donc, bon, c'est correct. Hein. Tout Uchoft qui a été victime d'un refroidissement avant Harelbeek, n'a pas pu y aller, il était déjà malade lors du week-end d'ouverture. Uchoft. Ah, Uchoft, oui. Force d'habiter toute l'année à Perpignan, quand on remonte en Belgique, ben, on prend froid. Ah, oui. Vous connaissez ça, hein? Oh, oui, je connais très bien. Vous faites l'inverse, vous, hein? Oui, plutôt l'inverse. Ce qui est plus agréable. Maréchal essaie de récupérer comme il peut dans la roue de Balan. Et est-ce que Bonen et Bettini voilà le début de l'Eikenberg sous la conduite de Karsten Krohn et de Cancellara. C'est bien placé, c'est Cancellara qui laisse passer. Est-ce que Bettini et Bonen font leur partie de leur part de travail? Donc Petito qui confirme, hein, à 35 ans, 5e l'année dernière, 19e il y a 2 ans. Vous savez que Petito avait gagné le Giro des Regioni, le Tour des Régions Italiennes, en 92, dans la montagne, devant Casagrande et Bartoli et Rebellin. C'est impressionnant. Et il est à l'apogée, à la fin de sa carrière certainement, mais toujours très à l'aise dans ce Tour des Flandres. Van Petegem. C'est Flecha qui change maintenant de trajectoire. Krohn n'est pas loin non plus. On donne l'impression là que Bettini récupère un peu. Est-ce qu'il est en train de se rassurer lui-même un peu, Van Petegem? Parce que d'habitude, lui, il se cache jusqu'au dernier kilomètre. Alors, il s'exagère un peu, mais bon, c'est souvent comme ça. N'oublions pas qu'il est candidat à égaler le record d'Achille Beuys, Fiorenzo Magni, Éric Le Mans, Johan Musset, hein, avec une 3e victoire.
Rodrigo, on vient d'arrêter les directeurs sportifs qui étaient juste derrière ce groupe-ci. Donc, 26 secondes. Chez Paquet Pozzato. Zabel et Uchoff. Zabel, oui. 23 secondes. Mais là, c'est aussi, Marc, un signe de force de se dire, avec les côtes, on préfère prendre le risque de ramener Zabel et Uchoff. Regardez d'ailleurs, il lâche. Déjà, on peut l'éliminer. Pour avoir avec Pozzato et Paquet les quatre mousquetaires, il y en a un qu'on n'attendait pas, peut-être moins, c'est Paquet, à la place de Neuyens, mais ça fait toujours quatre hommes devant. Paquet se trouve là avec Zabel, et je ne vois pas Pozzato, dans l'image en tout cas. Est-ce que ça veut dire que Pozzato est déjà passé? Oui, il est juste devant la voiture. Là, la voiture est assez mal placée. Hein. Moins qu'on puisse dire. Qu'on veuille ou non, on ne passera pas. En effet, Uchoff est un petit peu trop lourd. Quoique, hein, quand on dit lourd, Uchoff fait 81 kg. Et Bonnet en a 90. C'est le plus lourd et le plus grand des candidats à la victoire. 1m92 et 90 kg. Voilà, voilà. Pozzato repris par Paquet et par Zabel, lesquels vont revenir donc sur le groupe. Donc si on était à 13, on ajoute 3, ça fait 16. En se disant que Uchoft peut peut-être essayer de revenir. Il y a combien? Oh non, il n'y a que 3 km entre le sommet et le Bonnieberg. Hein. Ça sera très difficile pour Uchoft. Le maillot vert du Tour de France. Cette image aussi de la foule qui bouge, c'est assez spectaculaire. Mais Bram Schmidt, ça fait son travail. Il va encore essayer de s'accrocher. Pozzato qui revient avec Paquet. Et Zabel qui fait peut-être un de ses meilleurs tours des Flandres. Il est très bien. Plus évidemment la pointe de vitesse qui lui a permis de remporter à multiples reprises le maillot vert du Tour de France. Mais on a l'impression qu'il a bien cette distance dans les jambes. Et ça bouge à l'avant. Attention à Zabel dimanche prochain aussi. Non, genre 13. Bah oui, 13. Ça va, ouais. Eric Zabel. Quatrième de l'année dernière. Quatrième. N'oublions pas. Hein. Et quatrième aussi en 2000. Il était 59e de son premier Tour des Flandres, disputé comme néo-professionnel. Et voilà déjà que les anciens vainqueurs du Tour des Flandres de la Ligue pourraient être assis dans la tribune royale, disons, hein, parce que c'est vraiment une tribune royale aujourd'hui. Hein. Le roi n'est pas encore là. Il est tenu au courant par les coureurs. Parce qu'il peut arriver un quart d'heure avant l'arrivée. C'est pas facile un coureur en roi. Et d'autant que la course est très rapide. Uchoff qui revient sur Zabel, les deux qui ont été éliminés déjà. Vous savez que Zabel s'est déjà classé 8 fois deuxième cette saison. Ah mais ça. Les dernières années, c'est quand même une habitude d'être abonné. 193 victoires professionnelles répertoriées. Uchoff lui en est à 36. Il a gagné la quatrième étape de Tirreno Adriatico cette année à Civitanova. Ils vont revenir au pied de la prochaine montée, sans doute. De Bonnieberg. Montée brusque sur 300 mètres, la suite est dans tout le début, le pourcentage, c'est ça. Voilà. On est venu la rechercher en 2003, avant il n'y avait qu'un seul précédent en 78, l'année de la victoire de Walter Gottfroth. On dirait que ça n'est pas décisif comme difficulté. Et maintenant il n'y a plus de montée en pavé, à part le mur de Grammont et le Bosberg bien sûr en plein final, mais pour le reste, c'est de l'asphalte. C'est de l'asphalte. Voilà, Uchoff et Zabel sont rentrés. Donc il reste le Bonnieberg, puis le Forest, ensuite le Steenberg, le Lehberg, le Berendries, le Valkenberg, le Tenbosse, le Mur de Grammont et le Bosberg. Vous voyez que ça fait encore un sacré programme, même si les choses se sont maintenant clairement décantées. Et si au moment où je vous parle, les grands battus s'appellent Dekker, peut-être, mais n'oublions pas que c'est sa première participation, Philippe Gilbert de Volder.
et on peut ajouter éventuellement Neuens, Paolini et Stegmans, mais d'une manière générale, tous ceux qu'on attendait sont bien là devant, dans ce peloton emmené par Bettini, devant Bonen et Baguet, à nouveau la mainmise véritablement de cette formation Quick-Step sur ce Tour des Flandres. Et regardez même les gestes de la tête, c'est un vrai leader ce Tom Bonen, on le sait, il est arrivé véritablement comme une comète des amateurs au top véritablement mondial avec un très peu de temps d'adaptation. Rappelez-vous chez US Postal à l'époque, il était déjà revenu comme dans un magnifique Paris-Roubaix. C'est Ivanov qui rentre, le champion de Russie. C'est un équipier pour Clear, Sergei Ivanov, qui a un passé intéressant dans le Tour des Flandres. Il était 9e ici l'année dernière. Et ça pouvait permettre donc à Clear d'avoir un équipier. Uchoft et Zabel qui s'accroche. Schmitz qui est lâché. Et Schmitz qui forcément va payer ses efforts au moment où Ivanov va se substituer à lui, puisque donc c'est bien un coureur de l'équipe T-Mobile. Dans l'histoire du Tour des Flandres, comme podium de coureur originaire de l'Est, on a bien sûr la victoire d'Andrej Schmil, mais déjà la nationalité belge à ce moment-là. Et on a Weinsteins, c'est tout. Alors peut-être que encore un moment, Schmitz va pouvoir s'accrocher dans le sillage de Ivanov, voilà. Et même peut-être mieux, c'est le dernier effort de Schmitz avant de rendre les armes, c'est d'essayer de ramener, se mettre à plat ventre pour ramener Ivanov dans le groupe et dire moi je suis plus là, mais tiens un petit cadeau pour Andreas Klier. Très utile, j'assure que là il doit être déjà très très loin dans ses réserves. Mais magnifique travail de la part de Bram Schmitz qui a vraiment rempli son boulot. Regardez, il est au bout du rouleau, mais il sait qu'il y a encore quelques mètres d'effort à effectuer. Ah, ça c'est vraiment, c'est de la puissance, mais c'est au caractère hein, qu'il fonctionne, le coureur hollandais. Mais il va falloir qu'Ivanov passe, parce que je crois que Schmitz est vraiment à bloc. Oui, il le dit d'ailleurs. Ouais. Encore un sprint. Un petit assaut avant les vacances. Ah oui. Voilà, merci pour le boulot. Et à Ivanov à faire ce dernier petit sprint pour rentrer au bon moment. Donc un homme de plus dans ce groupe qu'on va retrouver dans quelques instants, car nous allons passer la dernière page de publicité, si vous le voulez bien, histoire de vivre ensemble la fin de ce Tour des Flandres passionnant, indécis en intégralité, indécis certainement, même si Bonen a tout de même fait une énorme démonstration dans le Koppenberg. À tout de suite. Prêt pour le départ ? LOTTO, l'auto. I think you owe me some money. Okay, I'll pay. Expect.com, paris sportif en ligne à partir de 10 cents. Nouveau beurre allégé Balade, pauvre en cholestérol et riche en oméga 3. Le bonheur est dans Balade. Nous sommes de retour sur la route du 90e Tour des Flandres, à 57 km de l'arrivée, au moment où Ivanov met tout pour essayer de boucher ses 100 derniers mètres afin de rentrer dans un groupe qui serait alors composé de 18 coureurs, au moment où les coureurs justement s'apprêtent à aller chercher la 10e des 17 difficultés de la journée, le Forest. Voici Ivanov. Ça devient difficile. Hein. Oui. Ouais, ça avait l'air de rien du tout, mais on va pas lui faire ce cadeau là derrière. Regardez. Mais regardez, hein. Non, il perd encore. Ouais, là, il perd du terrain. Oh, ouais. Alors, 43 secondes, c'est le fameux peloton dont nous parlait Laurent il y a un instant.
un peloton au sein duquel on annonce Decker, mais on annonce aussi que Guédon serait sorti en poursuite et qu'il aurait Ivanov en point de mire. D'accord, ça pourrait d'ailleurs... Il faut attendre, enfin attendre, c'est relatif bien sûr, mais comme ça, ça ne sert à rien, hein. Il est en train de se fausser. Et... Oui, ça deviendrait ça un Guédon hein, pour mais Ivanov. Il faut revenir sur un groupe comme ça, il faut revenir de suite ou pas du tout. Hein. Quel beau champion de Belgique, quel beau Tour des Flandres pour Baguet, alors qu'on nous annonce que De Vogt souffrirait de deux côtes cassées. Une des premières victimes de chute en tout début d'épreuve. Ce qui doit être terrible, évidemment, quand il verra les images tout à l'heure, c'est Bram Schmidt, le travail qu'il a fait pour essayer de ramener Ivanov. Et on voit bien d'ailleurs avec cette image et ce groupe de tête en file indienne qu'on ne fait pas de cadeau, pas de raison d'en faire au champion de Russie. Voici Ventoso. L'homme qui avait donc gagné au Qatar il y a 2 ans, son premier succès professionnel. Il en est à sa 3e année chez les pros. 2 succès, un à Doha et un à Philadelphie. C'est pas mal. Une très bonne pointe de vitesse, forcément. Mais il risque d'un peu coincer à partir des 200 km. Hein, Ventoso. Bah, il appelait sa voiture. Oui, je crois pas que ce soit Ivanov qui lui ait demandé de l'attendre. Non, 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 bien sûr que non. Non il... Alors c'est fini pour Ventoso. Ah oui, sa voiture est loin. Ouais, ça... Dommage parce que le garçon a fait un... Il est cuit, c'est vrai, mais il a fait un... Très très bon Tour des Flandres pendant 200 km avec les meilleurs. Bon, le but du jeu étant d'isoler Bonen, finalement, mais non, c'est plutôt les autres qui sont isolés. Ouais. Hein. C'est plutôt l'inverse, oui. Parce que, rappelons-le, il se retrouve avec Bettini, Baguet et Pozzato. C'est la Dream Team. Voilà. Alors voilà Guédon en effet, mais Guédon n'est tout pas seul, encore, il est tout seul, il est toujours même s'ils si sont deux, Guédon ouais, est seul. C'est évident, et la voiture de Hushovd qui remonte. Schmidt il est déjà un tout petit peu en panique parce qu'il pense, si jamais il me ramène sur Ivanov, je vais encore être obligé de travailler. Cela dit, si on essaie de se mettre 2 secondes dans la peau d'un Van Petegem, d'un Clear, d'un Fletcher, d'un Balan, psychologiquement, ça a quand même dû faire mal ce qu'a fait Bonen sur le Koppenberg. Déjà un petit peu dans le Molenberg, mais enfin, ça c'était testé. Avec quand même oui, mais c'est juste c'est la continuation de ce qu'il fait depuis deux semaines. Hein. Oui. Donc, moi je pense qu'ils sont déjà contents d'être là. Et puis, maintenant aussi, comme les autres sont 4, c'est à eux de jouer. Et on peut tirer son épingle du jeu hein, en jouant tactiquement dans la finale. Enfin, on est dans la finale, mais... On a encore quand même des ouvertures. On verra bien ça. Et si c'est pas aussi un luxe, regardez, c'est le vainqueur de Milan San Remo qui vient se mettre en train de rouler. Devant Pozzato. Le champion de Belgique, devant le champion du monde. Pippo, le flamboyant. Ferretti qui disait il y a un peu plus d'un an, la gloire et l'argent lui sont montés à la tête. En parlant donc de Pozzato, bah, qui c'est... est maintenant en pleine confiance. Oui, hein. D'accord, mais c'est pas que Ferretti a menti. Hein. Peut-être qu'à cette époque-là, c'était comme ça. Hein. Parce qu'à part une étape du Tour de France. Oui, une étape à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc il voilà. A gagné l'année dernière la classique de Hambourg, Tirreno Adriatico. Et évidemment, son plus beau succès. Il y a un peu plus de 2 semaines. Oui, bien sûr, Hambourg, c'est une Coupe du Monde, mais il ne faut pas exagérer quand même, ce n'est pas une des grandes courses. 5e du Volk cette année, 6e du Volk il y a 3 ans. C'est là qu'on l'a découvert pour la première fois. On se dit, tiens, voilà un jeune Italien qui, en plus de son talent, passe bien les pavés. Et voilà toujours le pauvre. Et là, Ivanov, toute proportion gardée, m'a fait penser pendant quelques instants à Johan Musset après la redoute
l'année où il avait son maillot de champion du monde. Mais là, il était moins nombreux devant. Hein. Il y avait Jalabert, Zulé et Bartoli. Et il va voir revenir Guédon et Schmitt. Hein. Schmitt va revenir. Schmitt, et voilà, c'est ça ce que je dis. Donc, Schmitt, de ses vacances, c'est pas pour... Mais ça vous fait beaucoup rire, Laurent. Oui. Non, mais c'est votre dos. Deux Belges et deux Italiens de l'équipe de Quick-Step. Et Thierry Marichal est toujours là. Toujours hein. Là. Hein. Même s'il faut bien le dire, le rythme dicté désormais par les équipiers de Bonen n'est pas un rythme fou, c'est simplement un rythme soutenu pour surtout empêcher de perdre tout l'avantage gagné dans le Copenhague. Ben, on ne sait pas où se trouve le reste des savoir-faire, les Paolini et tout ça. Il y a un groupe de 23 coureurs au sein duquel se trouve Dekker, je n'ai pas votre réponse Marc, mais qui est en contre-attaque. Quand on voit comment Bettini s'est fait mal, comment Pozzato roule maintenant, ne parlons pas de baguette, non, mais on a bien compris qu'il y a une leader unique. Hein. Ils ne font pas le forcing, les Quick-Step, mais il y a encore une élimination par derrière. Hein. Oui. Et en commençant par Thierry Marichal qui Thierry Marichal, mais lâché à cause d'une mauvaise manœuvre. Ah oui. De Zabel. Et Uchoff qui est cyclocrossman. Ah non, oui, c'est difficile. Zabel qui est le dernier à s'accrocher dans ce groupe. 51 km de l'arrivée dans le forest étroit, sinueux, mais avec une pente assez régulière. Pozzato, Paget, Bonen, Palan. Et toujours attention hein, à Incapi et à Host qui ne se montre absolument pas pour le moment, mais qui est très efficace. Rodrigo. Ah, nous allons retrouver au bord de la ligne maintenant Benjamin de Senac. Bonjour Benjamin. Et bonjour Rodrigo, je suis donc dans la tribune d'honneur à côté du roi. Mais du roi Eddy évidemment. Alors Eddy Merckx, peut-être les derniers moments où vous serez le dernier porteur du maillot champion du monde à avoir gagné le Tour des Flandres aujourd'hui. Espérons. Comme ça, ce sera Bonen qui gagne le Tour des Flandres et je pense que c'est une bonne chose pour le cyclisme belge. Alors on le compare évidemment sans cesse à vous maintenant. Pourtant, vous n'êtes pas du tout le même type de coureur. Vous n'avez pas vraiment le même caractère, mais il y a cette soif de gagner qui se rejoint là, entre vous deux. Oui, je pense que tous les deux sont des gagneurs. Bon, il est certain que les temps ont changé, mais en tout cas, Bonen a certainement un beau drapeau pour le cyclisme belge. Oui, il fait forte impression. Hein. Pour l'instant, il a déjà marqué des points moralement par rapport à ses adversaires, notamment dans le Copenhague. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ben, j'ai entendu, vu que je suis arrivé. Bien sûr, ici, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe dans la course. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que Bonen gagne aujourd'hui. Allez, un petit pronostic, est-ce qu'il va gagner seul ou accompagné? Oh ben je pense que la manière dont il roule, pourquoi pas seul. Allez, pourquoi pas seul? Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré quasiment de tous les anciens vainqueurs du Tour des Flandres, c'est pas mal ça. Oui, absolument, non, je pense que c'est une belle panoplie de grands champions qui sont présents ici et pour le Tour des Flandres, c'est le lendemain anniversaire aussi, donc c'est un peu normal que c'est une fête. Merci beaucoup et on espère que, évidemment, Rodrigo, la fête va se poursuivre. Oui, vous pouvez dire à Eddy que si vraiment il ne voit pas la course, il a toujours une place auprès de nous, il vient quand il veut. Mais c'est moins confortable avec Sa Majesté le Roi, évidemment, là où nous sommes que là où eux doivent être. Merci beaucoup, Benjamin. C'est vrai qu'il y a du beau monde. Hein. Il y a des moments où on regarde moins notre écran, plus du tout notre écran, et on voit Rick Van Looy maintenant qui vient d'arriver. Tiens, Vittorio Adorni a gagné le Tour des Flandres. Adorni? Jamais de la vie. Zandego. Oui, et Magny. Et Magny. Mais à l'époque d'Adorni, je veux dire, c'était en 67, c'était Zandego. Adorni a gagné? Oui, non, oui. Pas du tout. Non. Il fait partie de l'UCI? Voilà, il a défaussé. Ce sont ses fonctions officielles. Allez, on est d'accord. Andrej Schmil qui est là. Entre-temps, aussi. Pozzato a demandé à Bonen signe de la main, rien que pour demander si l'allure était bonne. Donc, si on parle domestique, ça en est un. Hein. Tout va bien pour le champion du monde. Oui. Donc ils ont vraiment pris les choses en main et c'est Pozzato qui se sacrifie le premier. Bon, on se souvient que Pozzato, de suite après Milan-San Remo, a dit « Bon, j'ai vraiment apprécié le geste que Roger de Vlaeminck n'a pas apprécié du tout, c'est-à-dire qu'il a levé les deux bras sur
sur la ligne d'arrivée à San Remo. Et Pozzato dit j'ai vraiment apprécié, donc je vais faire quelque chose pour Bonen. Enfin, je vais faire tout ce que je peux pour Bonen pendant le Tour des Flandres où il est chez lui, comme moi j'ai gagné chez moi. Et ça, ça aussi, c'est un peu la force de l'équipe Quick-Step, où ils peuvent cibler dans le pays voulu, quoi. Donc c'est l'Italien qui gagne à San Remo et on essayera de faire gagner Grosseler au sommet du milieu de l'eau. Ouais, exactement. Voilà. Bon, ben voilà, Marichal qui, donc on l'a vu, finalement, avait peut-être encore les moyens, avait certainement encore les moyens d'accrocher un moment, en tout cas le groupe des meilleurs, et il est là maintenant avec Ivanov qui, lui, malheureusement, se retrouve chaque fois avec des gars qui sont devant depuis le début. Oui, voilà, donc... Alors, le Steenberg maintenant, c'est la 9e fois qu'on aborde cette difficulté dans le Tour des Flandres. C'était une côte pavée jusqu'en 1981. C'est assez long, mais il n'y a rarement une véritable décision ici parce que le revêtement est de bonne qualité. Mais attention, le Steenberg, on enchaîne avec directement avec le secteur pavé de 2 km de Aakhoek. Donc à Sint-Cornelis-Orebeek. Il y a un secteur pavé après qui est peut-être lui plus embêtant encore que cette difficulté, que ce mont proprement dit. Et toujours Pozzato Paghe de Bonen. Zabel qui cette fois-ci a quitté l'arrière du peloton. Et on voit par exemple les Discovery Channel, Incapi et Host, très prudents qui laissent faire. Et Host il connaît parce qu'on est à l'endroit où lui a forgé sa victoire d'étape, sa première victoire d'étape aux 3 jours de la Pancorsine. Oui, il a gagné 3 fois en 3 jours, puisqu'il a gagné classement en finale, le chrono des autres games, là où il avait gagné 6 fois en 8 ans. Voilà, fini pour Thierry Marichal, tout à fait compréhensible. Et Ivanov qui, bon, je sais pas, vis-à-vis de Marichal, il est très fort, mais vis-à-vis des premiers, il doit se sentir assez ridicule, parce que c'est désespéré ce qu'il fait, c'est un peu en chasse patate. Hein. En tout cas, Thierry Marichal, plus de 200 km en tête, bravo. On veut aussi impressionner lors d'un championnat du monde comme ça. Et récidiviste, puisque déjà à l'avant, dans cette même course, il y a 2 ans. Pozzato, Paghe, Bonen et Bettini. Les 4 quick step aux 4 premières places de ce groupe. Le vainqueur est là Certainement, mais j'étais juste en train de penser que font-ils les quick step? Parce qu'on est toujours à une petite cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et on est déjà en train de sacrifier Pozzato. Bon, le prochain, ça sera Paghe. Et puis, parce que bon, il y a encore quand même une bonne dizaine de concurrents si qui sont à l'aise. Et si vous posez la question à Patrick Lefebvre, bonne idée. Peut-être bonne idée. On va essayer. Un mot, un geste, et Sixte Grignard fait le reste. Nous sommes en communication avec Patrick Lefebvre. Bonjour Patrick. Allô. Vous m'entendez bien Patrick? Allô Patrick Lefebvre. Allô. Oui Patrick Lefebvre. Voilà. Petit raté aujourd'hui. Patrick. Allô Patrick. Eh bien, nous allons réessayer dans quelques instants. Toujours la même physionomie, Pozzato, Paghe, Bonen, Bettini, dans cet ordre. Rapidement, Petacchi a passé le Quarmont puisqu'il est dans un groupe à 3.30. D'accord. À 3.30 tout de même. Hein. Et Petito qui ferme la marche dans la roue de Uchoft. Voilà Petito. Uchoft. Là, tout le monde est à l'aise. Là. On refait une tentative avec Patrick Lefebvre. Patrick, bonjour. Bonjour. Voilà, Patrick. Ben finalement, à 47 km de l'arrivée, 4 coureurs dans le bon groupe. C'est le scénario idéal pour vous? Bah, c'est le scénario, mais je voudrais quand même dire que j'aimerais que les autres collaborent un petit peu aussi.
voilà, en fait, c'est... 4 coureurs de Quick-Step en tête, c'est beau pour voir, mais c'est peut-être pas le scénario idéal. Voilà, c'est exactement la question que posait Marc Huitereau il y a un instant. Est-ce que ce n'est pas encore loin pour sacrifier pratiquement déjà un garçon comme Pozzato? Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il n'était pas avec. Donc, on a fait temporiser Bettini et Bonen pour le permettre, lui et Serge Baguet, de retourner. Mais bon, il ne faut pas... Bon, Tom se sent dans la cour, moi je suis pas, je ne sens pas ses jambes, mais c'est quand même un petit peu, bon, il y a quand même du bon matériel là-bas et j'ai peur que dans quelques kilomètres, il sera peut-être isolé avec 8 ou 9 concurrents qui ne feront absolument pas des codos. Oui, qu'est-ce qui vous fait forte impression dans le groupe de tête, à part Tom? Il n'y a pas de surprise, je pense. Hein. Mon favori absolu, c'était Incapi, qui a passé toute la course déjà à être devant sans se faire voir. Host est retourné, Balan est là, Campete Gamma là, je crois qu'il n'y a pas qu'il y a des surprises. Hein. Non mais ils sont tous à l'abri, pourquoi est-ce qu'on vous n'obligez pas les autres coureurs à collaborer? Bah, à l'abri, pas tout à fait, on a vu tout à l'heure qu'ils ont déraillé sur la route là, donc il y a le banc latéral quand même, mais bon, je trouve quand même plutôt osé aussi. Merci Patrick, merci beaucoup. Oui, c'est une... Je voulais dire autre chose avec Abri. Moi, je voulais dire les concurrents sont à l'abri, c'est-à-dire dans les roues. Ouais. Mais lui, il a compris qu'ils sont bien couverts, qu'il n'y a pas trop de vent. Mais cela dit, c'est vrai qu'il est dans une double position. D'une part, en se disant, c'est un super scénario, allez, le favori avec trois équipiers. Et quelles équipiers? Voilà, déjà, il commence. Baguet fait signe. Ah, mais non, c'était juste pour signaler que... Mais d'un autre côté, cette crainte de... faire en sorte que les autres puissent en profiter. Il ouais, faut plus prendre le... Enfin, faut faire le signe universel dans le monde du cyclisme, c'est-à-dire tourner avec l'index pour montrer qu'il faut tourner, que tout le monde doit collaborer. Hein. Parce que comme ça, bon, ça sera, comme dit Patrick Lefebvre, Pozzato et Baguet vont se sacrifier et à la fin, on va au mur, on va avoir 9 concurrents assez frais. Hein. Le Haag Hoek. Et puis le Leeperk. En tout cas, vraiment Serge Baguet très impressionnant aujourd'hui. Et qui fait, répétons-le, honneur à ce maillot. Pozzato, Bonen, Bettini. Oui, là, Patrick Lefebvre a raison, bien sûr. Donc maintenant, ils sont quatre devant. Donc on fait de sorte que les coureurs de Quick-Step sont à l'abri et les autres sont obligés de courir dans le vent. Dans le vent. Ouais. Mais c'est relatif. C'est relatif pour l'instant. Mais l'écart ne cesse d'augmenter avec le groupe des poursuivants. Hein. Non? Bon. C'est qui? C'est Ivanov, ça? Oui, le groupe 2, c'est Ivanov tout seul. Hein. Ah, d'accord. Mais c'est un groupe, hein, lui. Mais donc, le groupe d'équerre est encore... donc la remarque vaut aussi pour... tout simplement, les plus forts sont là, on l'avait compris. Finalement, les seuls qui avaient mis pied à terre dans le Koppenberg qui ont pu revenir, c'est le groupe de Host, alors. Host, Pozzato, Baguet. Oui. Fletcher aussi, je crois. Disons qu'on dira que ceux qui sont passés sur le vélo, plus les 4 ou 5 premiers à avoir mis... Uchoft, regardez Uchoft qui fait encore du cyclocross. Mais donc là, ça c'est l'idée. Les 3 qui sont dans la route de Pozzato sont bien abrités et le reste, moins. Mais bon, du moment que ça monte... Et la voiture de Bottepi à gauche. Regardez Uchoft là. Voilà. Ivanov qui était à une trentaine de mètres tout à l'heure dans la route de son coéquipier Schmidt, mais depuis
Bon, maintenant, le problème quand même qu'il y a maintenant, ce groupe, c'est que, parlons à la régulière, ne parlons pas évidemment de chute ou de crevaison, pour battre Bonen, il faut le lâcher. Oui, mais attends, la problématique, il y a encore Bettini aussi dans l'équipe, donc... Mais pour les adversaires de Bonen, ça change un petit peu la donne par rapport aux autres favoris de ces dernières années, quand on pensait à un Musset, à un Van Petegem. Bonen peut se permettre d'attendre. Van Petegem le pouvait aussi. Hein. Van Petegem aussi. Il fallait voir avec qui. Oui, d'accord, mais bon, à son niveau, il n'avait pas quand même beaucoup de concurrence au sprint. Hein, donc, donc le Leberg, 12e difficulté de ce Tour des Flandres, avec un passage maximum à 14%, 700 mètres en asphalte. Bagué a fait son travail, se met à l'arrière dans la roue de Balan. Toujours Petito à l'arrière du groupe aussi. Et pour le moment, derrière les Quick-Steps, c'est Van Petegem, la bouche ouverte. Bagué qui paye peut-être un petit peu ses efforts. Donc celui il perd contact. Et Pozzato qui va pas quand même pas passer le mur avec, avec les premiers s'il continue comme ça jusque là. Bah, il va rentrer mais c'est pas bon signe. Et il y a encore une zone assez spéciale et dangereuse avant le mur de Grammont. C'est encore c'est un boulevard, une dizaine de kilomètres où on peut avoir des attaques de surprise donc. Ou encore, ils vont devoir tout ménager parce qu'ils sont bien obligés maintenant. La situation est claire et la course est un peu bloquée par la force des Quick-Step, par le nombre qui est de 4 sur 15. Il y a de rares exceptions près. On peut enlever Bettini, par exemple. Ce sont les gars qu'on va retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain, dans Paris Roubaix. Il est toujours Ivanov. Le chasse-patate. Coupé en frites. Ivanke, comme on l'appelle ici. Et ça avait l'air facile quand même à un certain moment. Hein. Mais si Schmitz, je vais vite reprendre le groupe de tête. Jamais de la vie. Hein. Petite heure de course encore. Bagué qui essaye toujours de revenir. Oui, il va revenir, mais bon, on va arriver au Berendries dans 2 km. Parce qu'on est déjà à Elst. On va passer devant la maison de Herman de Croo. Ivanov à 1.02, Paolini à 1.45, Rodrigo. Paolini dans un groupe. Le groupe d'équerre à 2.37. Et Baguet, on vous confirme qu'il est bien lâché du groupe de tête. Donc en effet, les coureurs quittent Elst pour rentrer à Mikkelbeek. Nous sommes à moins de 15 km de la localité d'Audenaarde. On tourne beaucoup en rond là, dans cette partie-ci. Baguet qui commence à payer ses efforts. Je vois aussi que le gouverneur de Flandre occidentale et Eddy Merckx sont partis, sans doute pour aller recevoir le roi. Mais je vois que des bus, il viendrait en bus le roi? J'ai un doute. À votre avis? J'ai vraiment un doute. Il faut qu'il ait de la place, bien sûr. Mais même s'il y a marqué VIP sur le bus. Et qu'il y a d'ailleurs, je compte, 7 étoiles. Qualité et confort. Ça sera lui alors. Voilà là-bas, Eddy Merckx est le gouverneur, à 50 mètres de la ligne. Une ligne un peu particulière, hein, Marc, quand même, parce qu'on ne le répétera jamais assez, c'est en très légère montée. Ah oui, c'est ça, le roi est arrivé, il s'est mis au soleil, il a bien raison. Et nous, il nous reste le Berendries, le Valkenberg, le Ten Bosch, le mur de Grammont et le Bosberg. 5 difficultés.
Alors le Berendries, c'est la prochaine difficulté. En trois paliers, les plus forts sur le grand, plateau à la fin. Musset, oui, est parti avec Schmil, Ballerini et Bugno en 1994. Et Fletchardi, c'est celle que j'aime le moins. Toutes les difficultés. On peut toujours, je ne dis pas que ça arrive chaque fois, mais on peut souvent y attendre l'attaque d'un favori. Le problème ici, c'est que tout le monde avait un petit peu ce matin la même manière de raisonner qui est Kaut. Le malheureux qui était bien bien loin dans le Koppenberg. Il faut suivre les autres, mais c'est ce que font les concurrents de Bonnen pour l'instant. Donc une course un peu bizarre. Oui, mais Van Petegem lui-même disait, lorsque le moment clé va arriver, personne ne peut dire quand sera ce moment clé, la question ne sera pas de savoir où est Bonnen ou que fait Bonnen, mais de savoir comment moi je me sens. Et comme le disait aussi Schmil, ce qu'il faut, c'est pas dire j'ai battu Bonnen, mais c'est j'ai gagné le Tour des Flandres. Et là, évidemment, la situation est très complexe pour tous les gars qui sont derrière, parce que en se contentant, même si c'est déjà remarquable, de suivre, on ne gagne pas le Tour des Flandres. Non, non, ça c'est... Et en plus, Pozzato, ça se voit aux tronches. Pozzato commence à faire mal. Oui, commence à faire mal. Mais l'élimination, si on continue comme ça, se fera par derrière. Voilà. Quoique, après le Valkenberg, j'attends quand même encore des attaques sur le plat. Oui. Enfin, si le Berendries est à fond, Uchoff doit lâcher prise. Hein. Par exemple, toujours Pozzato. Attends, Pozzato qui doit s'économiser relativement, parce qu'il faut qu'il continue quand même. Parce que Baguet pendant quelques dizaines là, de kilomètres. Ouais. Baguet sinon, est déjà parti. Sinon, il faut sacrifier le champion olympique. C'est quand même exagéré. Vous avez raison. Le Grillon, qui a la tête tellement petite que pour avoir un casque à sa taille, c'est très difficile à trouver. Il faut un renfort intérieur. Laurent. Une petite anecdote concernant les casques. Ils ont tous les trois, ce sont les trois seuls, un diamant sur le casque. De 2500 euros. Déjà, on a beaucoup parlé du vélo de Tom Boonen. 20 000 euros, c'est ça, hein? Mais il avance, hein, ce vélo. Tout seul. Hein. Bettini et Boonen qui sont en train de discuter. Oui. Vous avez déjà essayé, quand même, après 220 km, en pleine ascension du Berendries, de tenir un petit brin de causette. C'est vraiment une discussion. Hein. Ah ouais. C'est comme faire le point. Hein. Oui. Vraiment, ils prennent leur temps. Hein. Le zevende dag. Le zevende dag, exactement. Ouais. Bon voilà, il rigole encore avec Pozzato. Je vais boire un coup, moi. Du lef. Voilà. Pas de publicité. Hein, tandis que... Ça aussi, c'est... pas dire que c'est nouveau, mais on avait plus ça. C'est un champion qui rit aussi sur son vélo. Oh, regardez. Voilà. Ils s'amusent, les gars, en pleine finale. Répétons-le, cette image, je le montre pas, mais on est dans l'ascension du Berendries. Hein. Ah bon, hein. Donc, revoici notre groupe de tête. En effet, à 37 km de l'arrivée. Bah, pour l'instant. Oui, excusez-moi. Moi, j'allais juste dire que maintenant, il faut compter sur les autres. Donc, les Quick-Step ont pris les choses en main maintenant. Pour que la course bouge ou qu'il s'en change quelque chose, c'est aux autres d'attaquer maintenant. L'idée de Quick-Step, c'est de l'emmener jusqu'ici. Hein. Et on est à Meerbeek, nous. Hein. Excusez-moi de vous avoir coupé, Rodrigo. Vous me coupez quand vous voulez. Et voilà Fletcha. Et maintenant le Valkenberg et on va arriver à Brakel. Voilà, on est chez Van Petegem. Ah oui. Il est vraiment... C'est sa patrie. Avec le Valkenberg où il y a chaque année une caricature d'Eddy Merckx et un vieux vélo pendu. Vous savez que l'année passée, Zabel a attaqué dans le Valkenberg. Suivi de Petito, tiens, il est là aussi. Et au sommet qui est revenu, Clear, Van Petegem et Boonen. On vous cite 5 noms, ils sont tous les 5 là. En parlant de spécialistes. Voilà.
les baguets. Vous allez voir que maintenant Ivanov va reprendre baguet. Après l'avoir avec Schmitz, avec Maréchal. Non, mais tout à l'heure, si Bonne gagne son tour des Flandres, je suis sûr que Baguet sera aussi dans la série des récompenses. Qu'attendent en fait les concurrents pour attaquer? La disparition de Pozzato? Parce que là, il n'y a que Bonnen et Bettini, deux chefs de file, qui devront faire le travail d'aller chercher celui qui attaquera ou ceux qui attaqueront, parce que bon, on est quand même assez nombreux, faire des petites coalitions. On a quand même, tactiquement, il y a des possibilités maintenant. On rappelle en tout cas le point de la situation. Nous avons trois coureurs de l'équipe Quick-Step. Le champion du monde, Bonnen, le champion olympique, Bettini, le vainqueur de Milan-San Remo, Pozzato. Nous avons deux coureurs de la formation Discovery Channel, Incapi, déjà vainqueur entre autres de Keun, Brussel, Keun et de Gambé Volgame, et Host qui vient de gagner les 3 jours de la panne. Nous avons un duo de l'équipe CSC, le Suisse Cancellara et le Néerlandais Krohn. 82 ans qu'un Suisse n'a plus gagné, 20 ans cette année qu'un Néerlandais n'a plus gagné. Et puis on a 7 coureurs qu'on va appeler des individuels, Fletcher pour l'équipe Rabobank, Balan pour l'équipe Lampre, Petito pour l'équipe Tenax, Uchoft pour l'équipe Crédit Agricole, Zabel pour Milram, Van Petegem pour David Amonnotto et Clear pour T-Mobile. Et c'est toujours la discussion. Oui, ils discutent un peu du rythme. De l'autre côté, ils sont bien obligés de continuer à imposer le rythme, parce que si eux, ils ne font pas, ça va fuser de partout. Donc, la course est bloquée, quoi. Derrière, Rodrigo Paulini perd du terrain, puisqu'il est pointé maintenant à 2 minutes 55. Et le groupe d'équerre est à plus de 3 minutes 30. Donc, le seul qui pourrait revenir peut-être un jour, c'est Ivanov. Et trois coureurs belges dans ce groupe. Le champion du monde, le double vainqueur Van Petegem et Leif Host. ...34 km de l'arrivée donc. Balan bien souple. Petit braquet. Vous savez que Balan et Pozzato sont des compagnons d'entraînement. Ce sont des Vénitiens, ils habitent à 20 km l'un de l'autre. Balan qui a connu beaucoup d'ennuis, de blessures, notamment aux jambes chez les jeunes. Et qui a 26 ans, progresse, 82e il y a 2 ans, 6e l'année dernière. Rodrigo. Et on retrouve Benjamin de Senac en plein dans l'ambiance sur la ligne d'arrivée, j'imagine. Oui, quelques secondes seulement, ça va faire plaisir à Marc, Sa Majesté le Roi Albert II, si vous la percevez là-bas au bout, et dans la dernière ligne droite. Eddy Merckx l'attend bien là devant sur la ligne. Voilà, sprint à deux. Très bien. Un autre duo, Rodrigo, c'est Ivanov et Baguet, pointé à 1 minute 05. Voilà donc le Valkenberg, toujours avec un travail colossal de Pozzato, qui a pris le relais depuis de nombreux kilomètres de Baguet. Bonnen qui se retourne, qui regarde où sont les autres, notamment Bettini. Je rappelle que Bonnen et Bettini, c'est un petit peu les opposés. Bonnen est le plus grand et le plus lourd, 1m92-90kg. Bettini est le plus petit et le plus léger, 1m68-60kg. Pozzato a éliminé beaucoup de force, mais peu de coureurs.
Oui. Et voilà. C'est qui ça? Un couple royal. Ah, ils se connaissent, il était là quand Axel est devenu champion de Belgique il y a 6 ans. En effet. Je sais pas s'il y a des Albert qui ont gagné le Tour de France. En plus, Albert, à il est deuxième. Ah, voilà. Première attaque d'une accélération au sommet de Leif Ost. Et regardez la facilité avec laquelle Bonen plonge dans la roue, véritablement, de Leif Ost. Et c'est pas mal, c'est un beau coup d'audace. Il était temps et c'est lui le premier qui ose. Du coup, c'est Pozzato qui explose littéralement et Ost qui continue Van son Peter. Effort. Et maintenant, Clear et Van Petegem sortent, mais à bonne distance du duo. Ost est en grande forme et nous l'a montré à la panne. Et encore Ost au sprint véritablement. Et finalement la victime c'est bien lui, c'est le vainqueur de la Primavera. Ça c'était prévu, mais bon maintenant, tactiquement, qui est-ce qui fait le travail? Bettini est dans un fauteuil. Attendez, je me demande si Bonen ne vient pas de relayer, oui. Ah oui, mais il a bien raison. Parce que si tout le monde vient, ça va fuser de partout, tandis que maintenant... Est-ce que Bonen ne se dit pas pourquoi ne pas faire maintenant avec quand même 30 km de moins ce que j'ai fait à Rolbeck ces deux dernières années? Bah, mieux vaut, il faut éliminer des concurrents maintenant, parce que s'il attend, Ost ne va pas continuer non plus, donc c'est, tactiquement, c'est finement joué de la part de Bonen aussi. Hein. Et le troisième homme qui va revenir. Oui, voilà. Et puis, qui est-ce qui fait le travail derrière? Est-ce que Bettini arrive à couper un peu la poursuite? C'est Cancellara. Bettini en 4e ou 5e position. Et voilà Bonen qui est généreux dans les trous. C'est Krohn pour moi, c'est Krohn qui revient. Oui. Non, c'est le dernier mètre. Regardez, il est revenu à 2 mètres et sur l'accélération de Bonen, Krohn qui rend les armes. Il ne peut pas y aller. Il est vraiment venu à 2 mètres du duo. Et il a soufflé, il ne sait pas. Vous voyez ça? Donc ça veut dire n'oubliez pas que Ost, 6e dans le championnat du monde, contre la montre, Ost. La façon dont il a gagné, si ces deux-là se mettent à rouler ensemble, on ne va plus les revoir. Il a mis Incapi à 14 secondes, deuxième du contre la montre de jeudi dernier. Et voilà donc l'arène. Au moment où le couple royal arrive, eh bien Ost place une attaque terrible. Et si on revoit l'attaque de Ost tout à l'heure, Rodrigo, vous verrez qu'il a d'abord essayé de placer la première accélération bloquée par un spectateur avant d'attaquer définitivement. Pas oublier que quand Bonen est parti avec Balan, c'est Balan qui a attaqué à Rolbeck. Bonen est parti avec, mais ici on ne laisse pas faire, on se rend bien compte qu'on ne peut pas se permettre de laisser 30 secondes à ce duo. Et grâce à Ost, on voit ce que les autres ont finalement encore comme jus. Hein. Même un champion du monde comme ça aussi, qui attaque. Et c'est Pivato qui en mène le groupe. Et maintenant, il faut que ces motards... Ah voilà, très bien. C'est ce que je voulais dire. Ils étaient en train de fausser un peu la course. Et voilà, ça tombe un peu en panne, la poursuite. Et Bettini fait très bien. Ils étaient à bloc tous. Eh bien, je pense que si... Regardez, Fletcher est en dernière position. C'est au CNC maintenant qu'ils sont deux encore. Parce que les Discovery, il y a Incapi qui est comme Bettini, pardon. Exactement. Eh bien, je crains qu'on ne les revoie plus. Ils sont revenus à quoi? 4 secondes? Ah, il y a d'abord Krohn qui est revenu à 2 mètres et c'est Balan qui sort. Balan qui est parti tout seul. Mais est-ce qu'il peut revenir tout seul sur un duo comme Bonen et Ost? Ça va, évidemment, on ne peut pas comparer à Rolbeck autour des Flandres, mais ce qu'il a réussi l'année dernière, Tom Bonen, avec Clear et cette année avec Balan, Ost, c'est encore mieux pour faire une course à deux. Hein. Franchement, pour Bonen, c'est encore mieux parce que lui, comme lui, il est costaud. Chaque kilomètre après les 200, c'est de la survaleur pour lui, hein, parce que tant que la course dure, Bonen peut s'exprimer mieux que les autres. C'est lui le plus fort. Il faut avoir les moyens de s'exprimer et la distance est une de ses atouts. Quoi. C'était vraiment un moment important, bien sûr l'attaque de Ost, mais le moment dans le haut de votre image, vous avez vu que Bonen passait, et bien voilà. Et là, il ne se pose absolument pas de questions tous les deux. On a probablement
c'est le scénario idéal. Non, pour mais les motos, prône. Écoutez. Oui, ça, je suis d'accord. Donc, c'est voilà, et Horst Kiegel, il a bien raison. Il a raison. Mais à propos de moto, si Bonen pouvait choisir un gars avec qui aller, à 30 km de l'arrivée, Horst, c'est peut-être l'idéal. Hein. C'est l'idéal. Et Horst, il a déjà fait deuxième. Deuxième il y a 2 ans. Ouais. Pour avoir, on lui avait reproché d'aller derrière Breuland. Si on avait su alors comment les choses allaient se passer, on se dit qu'il a quand même évité peut-être un vainqueur plus malheureux. Ou moins malheureux, disons-le comme ça. Ouais. Voilà. C'est pas fini, mais de toute façon, il faut agir vite. Hein. 20 secondes, Rodrigo. Ouais, mais on va pas, si, 20 secondes déjà. Donc, si ces deux roulent comme ça, on va pas revenir. C'est de la résignation, hein. Oui, mais de la part de Host aussi, c'est une sorte de résignation parce que mieux vaut être deuxième dans le sillage du champion du monde. C'est comme à l'époque d'Eddy Merckx. Hein. C'est tout à fait valeureux, hein, une deuxième place. Mais celui qui doit le plus s'en vouloir, c'est celui-ci, hein, Krohn. Parce que lui, il est vraiment revenu, il a tout donné, il est revenu à 5 mètres. Et on a vu clairement, il dit non, je peux plus, là, je suis à bloc. Et regardez, c'est parti. Mais il faut constater que les Quick-Step, enfin Bonen en personne, avaient besoin d'une attaque d'un autre pour pouvoir s'exprimer. Tout à fait d'accord. Parce qu'il l'attendait lui aussi sans doute. Vous avez vu d'ailleurs quand Host a démarré, il y a eu un effet de surprise. Mais combien de temps ça a duré chez Bonen? Très peu. Hein. Cette très vitesse peu. À laquelle il a pu revenir. Bon, il ne l'a pas lâché de 2 mètres. Hein. De suite, il a plongé dans la roue. Hein. Très bien. La glorieuse incertitude du sport, oui, mais pour moi, c'est fini. Pour les autres. Oui. Bon, il y a beaucoup de chances que vous avez raison, mais bon. Voilà, Petito qui tente, ce que Palan a essayé quelques instants. Mais je rappelle quand même les caractéristiques de Leif Host, sixième d'un championnat du monde contre la montre. Il a gagné en surclassement le chrono de la panne. Deuxième à 4, son coéquipier à 4 secondes, donc c'est presque 2 secondes par kilomètre. N'oublions pas que Leif Host fut aussi champion de Belgique contre la montre. Oui, c'était sa dernière victoire avant qu'il gagne la première étape des 3 jours de la panne coxide mardi dernier. Il avait gagné à Ostrosbeek quand même l'année dernière. C'est pas mal quand même. Ostrosbeek, vous ne connaissez peut-être pas, mais là, c'est là que Rudy Dannens a devancé Dirk de Wolf dans le même ordre, le premier critérium après leur titre, après leur doublé de Otsunomiya. Hein. Ça dit beaucoup quand même. Ah oui, Ostrosbeek. Ostrosbeek. C'est un des premiers sujets de Thierry Delerue d'ailleurs pour le week-end sportif. Alors on est dans le Tonbos. C'est là que Musset aimait bien partir. Et il est parti avec Maassen en 93, seul là en 98. Il avait attaqué en 2003 mais provoqué la réaction de Van Peteghem. Et donc là on a vu quand même qu'il manquait un tout petit quelque chose à Van Peteghem pour être dans la roue de Bonen. C'est quoi, c'est l'âge? Ouais, peut-être qu'il est l'âge, mais peut-être qu'il est un peu moins en forme que les autres années, ou qu'il est tout simplement un peu dépassé par la jeune génération. Hein. Et pas par l'âge, mais par le fait que la jeune génération vient vraiment en force. Leif Host, 28 ans, donc qui arrive, on va le dire, à pleine maturité. Oui, il a perdu aussi au moins une saison à cause de problèmes physiques. Petito. Donc Petito à 30 secondes et réaction dans le peloton, c'est Clear qui essaye de partir maintenant. Et vous voyez déjà presque 50 secondes du duo de tête. Cancellara qui ferme la marche avec Uchoft qui s'est bien content d'être encore là. Fletcher qui n'est pas aussi bien que l'année dernière. Regardez Fletcher qui lâche et Petito avec Clear qui donne tout ce qu'il a désormais avec Van Peteghem dans la roue. On dit que c'est la côte que Van Peteghem préfère. Il va essayer peut-être encore Peter Van Peteghem. Voilà, mais dans cette situation en retrait. Impossible. Impossible de boucher 38 secondes. Et d'autant que, regardez, Van Peteghem et Clear et les deux qui sont en 3e et 4e position, Incapi et Bettini, ne vont évidemment pas rouler. Impossible. Ouais, vous avez raison, les jeux sont faits un peu comme l'année de Rudy Dannens dont vous parliez tout à l'heure avec Argentine.
oui, en 90. Ils étaient passés dans le Molenbeek. Voilà, et là aussi, Danens était dans l'impossibilité de faire n'importe quoi vis-à-vis de quelqu'un qui va plus vite au sprint, et ça sera le problème de Host. Mais de l'autre côté, Danens était au moins content d'être deuxième du Tour des Flandres, puisqu'il avait le temps de se réaliser que c'était impossible de battre l'autre. Mais Marc Letourneau, ça veut dire pour vous que Host n'a aucune chance de gagner le Tour des Flandres à ce stade-ci de la course à 25 km de l'arrivée? Non. Sauf si l'autre prend une fringale incroyable ou un ennui mécanique pour Bonen, quelque chose comme ça. Mais il ne peut pas lâcher Bonen sur le mur ou le Bosberg pour l'instant. Non. Et après, impossible. Sur le plat, avec ses qualités de rouleur? Non. Impossible. 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 Et il ne peut pas jouer sur la surprise, hein, Host. Non. Plus que lui à regarder. Maintenant, Host a quand même été, toute proportion gardée, très surprenant lors de cette première étape des trois jours de la panne à Zottegem. Parce qu'il arrive avec deux gars qui sont beaucoup plus forts que lui sur le papier, Hazel et Stegman. Oui, mais là aussi, ils gagnent parce qu'ils sont deux les autres. Et ils se regardent. Donc, oui, ils se sont regardés, c'est-à-dire que Hazel, il tenait que compte de Stegman. Hazel, qui est le seul avec Petaki à avoir battu Bonen. Saison dans la Sprint Massive, même si j'y étais, c'était au Qatar et où il y a eu un sacré un problème mécanique pour Bonen. Mais donc là, c'est mission impossible maintenant. Hein. 48 secondes, vous voyez ça? On vit exactement avec une vingtaine de kilomètres en moins ce qu'on a vécu lors des deux dernières éditions du Grand Prix de Troyes à Rolbeek. Au lieu de Clear l'année dernière et de Balan cette année, il y a Host. Et donc peut-être la perspective d'un doublé belge, ou qui sait même d'un triplé avec Peter Van Petegem. C'est la première fois que le Valkenberg est décisif dans ces dernières années. Hein. On parlait toujours du mur, du Bosberg, voire du Ten Bosch qu'on vient d'aborder. Et peut-être que Host est parti comme premier, parce qu'ils avaient encore un Incapi dans l'équipe aussi, que Host dit bon, moi je vais essayer le premier et toi tu contre-attaques après. Et bon, finalement, c'est Bonen qui a décidé que le premier coup était le bon. Et il a bien eu raison. Et si c'est bien ravitaillé, Bonen, il n'y aura pas de problème. On est à Parikeberg, comme on appelle, ça monte, ça fait mal quand même au bout de 230 km. Donc vous faites à 25 km de l'arrivée de Tom Bonen, le vainqueur final du Tour des Flandres, alors que quelque part il n'a pas encore attaqué une fois. Attends, il n'en a pas eu besoin. C'est vous qui avez commencé à dire que c'était fini, hein, déjà. Donc, non, c'était fini pour les autres. Hein, pour les autres. Oh, ouais. Pour les autres. Non. Oui, sans attaquer, oui. Non, il a bien dans le Molenbeek. Il a attaqué dans le Koppenberg. Disons que dans le Koppenberg, il a surtout fait en sorte d'être le premier et de ne pas tomber. Donc à son rythme, donc forcément plus fort que les autres. Petite accélération dans le Molenbeek, petite accélération dans le Koppenberg. Juste par sécurité. Troisièmement, il a suivi l'attaque qu'attendu. À la limite, il lui reste un sprint, mais il peut y avoir le panache. Il peut lui monter des ailes aussi dans la foule, dans le mur de Gramont. Ouais, mais bon. Voilà, Parikeberg in de ronde. Vous savez, c'est la seule montée dans tout le final qui n'est pas répertoriée dans les habitants de Paris en ont marre maintenant. En ont ras-le-bol. C'est scandaleux. Et qui est l'habitant le plus célèbre de Paris? Ah, c'est Herman de Croo sans doute. Non, il est de Mistelbeek. Il est Van der Schuur. Ah, il habite là-bas. Il est Van der Schuur. Ah ouais, d'accord. Qui n'a pas eu beaucoup de chance avec son équipe ces derniers temps. Beaucoup de malades, de blessés. En attendant, Clear avec Bettini qui est bien calé dans sa roue. Non, ils savent bien que c'est pour la troisième place au grand maximum. Il y en a trois qui ont essayé de boucher le trou, c'est-à-dire Kroon, à l'instant qu'il fallait. Petito et Balan. Mais maintenant, c'est trop tard, quoi. On peut pas. Tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est de bien tourner et de reprendre du temps. Mais vous voyez, surtout, impossible. Surtout que, j'insiste Marc, si dans le groupe Bonen avait pu choisir un gars pour l'accompagner à 30 km de l'arrivée, le meilleur c'est Host. C'est Host. Oui, même mieux que Incapi. En plus, il est assez grand. En plus, Incapi va plus vite que Host au sprint sur le papier. Voilà, exactement. Host est mieux contre la montre, comme il a prouvé encore jeudi dernier. Est-ce qu'on pense aussi à certaines rivalités? N'oubliez quand même pas que... Qu'est-ce qui doit se passer dans la voiture de Dirk de Mol? Vraiment, rappelez que Bonen a commencé sa carrière dans l'équipe à l'époque US Postal,
où ça ne s'est pas très bien passé, la façon dont Patrick Lefebvre l'a amené. Non. Il y a eu quand même quelques rivalités, etc. On se souvient de ce Paris-Roubaix extraordinaire, où parce que finalement, Bonnen était là pour aider Nkapi, mais on s'est aperçu que le plus costaud des deux, c'était finalement pas celui qu'on croyait. Il y a voilà quand même des rivalités. Il a... Oui, oui, mais bon, Dirk de Bol s'est résilié lui aussi, elle a bien compris. Hein. Il le dit souvent dans les interviews qu'il n'en veut pas à Bonnen de l'avoir fait. En plus, il faut quand même dire, Bonnen, à cet âge-là, il avait quand même du culot hein, de dire mon... On avait déjà compris que c'était un vrai patron. Oui, hein. Mais il était critiqué énormément, même par son propre père et sa propre mère, qui disait un contrat, ça sert à respecter. Et lui disait, vous ne comprenez pas, je dois penser à ma carrière personnelle, et mieux vaut que je parte. Et il le fait, critiqué comme il était. Et bon, il n'était pas champion du monde à cet instant-là, donc il faut le faire. Hein. C'est quand même un champion né. Hein. Un leader. Pas bon, seulement physiquement, mais rappelez-vous, il a la tête qu'il faut. Il n'avait pas encore gagné de monument, alors qu'on va revoir l'attaque. Voilà, il est parti. Pouf. En effet, là, il est gêné par un spectateur. Voilà. Tout de suite, Bonnen est lucide. Les oreillettes. Et regardez le rôle de Bettini aussi, qui vient se mettre là. Ouais. Et il ne passe pas. Et c'est Krohn maintenant. Ouais. Et puis Clear. Et le premier, c'était Van Petegem. Je suis certain que Wilfried Peters, dans les oreillettes, a dit... Attaque à droite, Osten. Et il était parce qu'il était déjà en marche au moment que Osten le passe. Dommage, les oreillettes. Maintenant, avant même de gagner un monument, Bonnen nous avait déjà montré aussi son, on va dire, ce côté leader qu'il a. C'était dans une étape du Tour de Belgique à Malines. Hein, on n'a pas apprécié les Malinois. Ah mais non, j'imagine. Ah mais non, écoutez. Mais... En plus, il a été dans mon émission. C'est quand même lui qui a décidé d'arrêter, hein. Oui, d'accord. Mais il m'avait promis de faire un critérium à Malines. Et il n'a pas fait. Bon, ça, je comprends. Entre temps, à un certain moment, il voulait le faire, hein, à 10. Bon, fallait trouver une période. Et... Il faut que je lui rappelle ça un jour. Et regardez, hein, généreux dans l'effort. Et 1 minute 6 déjà, ils sont partis quand ? 30 km hein, Laurent à peu près. Dans le... C'était dans le Wolfenberg, c'est ça ? Le Valkenberg, pardon. Oui, donc à 30 km de l'arrivée, hein. 33 je pense. Et ce n'est pas que tout le monde s'est regardé, hein. C'est pas ça, hein. C'est à la pédale qu'ils sont partis. Hein. Et qu'ils ont creusé l'écart, hein. Et qu'ils sont toujours en train de creuser l'écart. Pozzato est à 2 minutes 30 et Bagué à 5:30. Donc les écarts vont être terribles, c'est vrai. Si on est archi favori comme l'était Bonnen avant le départ et on gagne encore, là vraiment chapeau. Hein. Encore plus que l'année dernière. Hein. Bon, il n'a pas encore gagné. La dernière fois que deux coureurs se sont disputés la victoire, c'était en 2003, lorsque Van Petegem est arrivé ici avec Vandenbroek. Et puis, il faut remonter à 93, quand Musset est arrivé avec Maassen. Et puis, vous l'avez dit, hein, Argentine avec Danens aussi. On a eu Plancard qui est arrivé ici avec Anderson. Anderson avait encore attaqué dans le dernier kilomètre. Hein. Maintenant, rien ne dit... Que Osten ne va pas essayer, mais bon. C'est clair, de toute façon, Osten doit essayer et Bonnen peut le faire. N'oublions quand même pas qu'il reste le mur. Là aussi, souvent, ces dernières années, tout s'est joué ou rien n'était encore joué. Oui. Ici, ça fait quand même quelques années que ça ne s'est pas joué aussi loin de l'arrivée. Je pense que la dernière fois, ne parlons pas de l'année de la victoire de Bortolami. Gramont. Musset était parti à 26 km de l'arrivée en 98. Hein. Au Berendries. Exact, c'était. Voilà, on plonge. Alors, la spécialité ici, c'est la tarte au maton. Hein. La tarte au maton. Il pourrait presque prendre le temps de et là aussi, de la déguster. Classé comme monument, je sais pas, nutritionnel, quelque chose comme ça. Oui, je vous assure. Vous avez raison. Ah. Donc, mais je crois que Bonnen n'a jamais eu l'occasion
de découvrir le mur de Grammont dans le Tour des Flandres dans ces conditions-là. Ah non. Aussi, je ne vais pas dire relax, mais 24e la première année, 25e les deux années suivantes, et vainqueur, mais il était encore dans un groupe assez imposant à ce stade-ci l'année dernière. Grammont, grosse bourgade arrosée par la vallée de la Tendre. Et voilà le mur qui se dresse, une rampe abrupte qui a pour nom la rue du Cloître. Les habitants de Grammont l'appellent la vieille montagne, mais son vrai nom c'est le mur de la chapelle, de Capelle-Mur. Référence à la chapelle Notre-Dame située en haut, 162 mètres d'altitude. Mais maintenant on fait les Vesten d'abord, ici à gauche. Voilà les Vesten en pavé, comme vous le voyez. Et puis à droite dans quelques 500 mètres. C'est la 40e fois. C'est un chiffre rond pour le 90e Tour des Flandres, la 40e fois qu'on aborde le mur de Grammont, devenu évidemment le plus populaire des monts flamands, avec une foule considérable. Vous allez voir ces doubles et le spectateur qui prennent possession des bas-côtés. Ça monte déjà. Hein. On peut rappeler que ce sont quand même les 300 derniers mètres qui sont les plus diaboliques. Et la règle dit que le futur vainqueur passe au sommet dans les 5 premiers. Là, ils sont bien tombés. Hein. 8 minutes 18 déjà. Hein. Vous savez qui sont les deux derniers coureurs à s'être extraits seuls du mur ? Musset en 95 et Bartoli en 96. Petit plateau quand même, tandis que je me souviens que Johan Musset le faisait grand plateau. Mais je préfère voir ceci. Si vous comprenez ce que je veux dire. Tout à fait. Ah, j'aimerais quand même bien être dans les pensées de Leif Ost maintenant. C'est l'homme qui a provoqué cette situation. C'est sans doute à l'heure actuelle le Belge. Fier d'être là aussi. Hein. Oui, il est né à Courtrai, il vit à Maldeghem. Mais le Belge qui va le plus vite dans un contre-la-montre à l'heure actuelle, c'est sans doute lui. Il se dit, après tout, pourquoi pas? Et si là-haut, je pouvais faire, après le Bosberg peut-être, ce que... Bonen a fait. Oui, mais il est tellement explosif, Bonen, que comment le surprendre? En criant bout? Non, crevaison ou une chute, à part ça, c'est très difficile. Homme contre homme, on le disait, Bonen est pratiquement imbattable. Et voilà, homme contre homme, Bonen, Ost. Les haricots. Pourtant, Ost, ce n'est pas le plus célèbre de son nom. Je ne suis pas un spécialiste de... On appelle ça les Bekken de Vlaam. Les... On ne le fait pas en wallon, parce que sinon, ça serait, hein, si on faisait les WC, ça serait les wallons connus. Mais il y a, je crois, une star, Ost, une dame qui s'appelle Ost, comme ça, dans le paysage, dans les shows. Il y a Fedra Ost. Voilà, Fedra Ost, qui est sans doute plus connue que Leif. Oui. Ancienne fiancée de Roger de Vlaamie, et pour l'instant avec Loridon, le ça, je ne demandais pas, mais donc c'est mais non, pas nécessairement si le si vous demandez pas, je vous donne des explications, je suis consultant pour ça. Hein. Il y a aussi Frank Osten. Exact. Il y a l'écrivain Paul Osten chez nous. Donc, Osten, il y en a des vainqueur du Grand Wevelgem et Maillot Vert. Et Maillot Vert est champion de Belgique en 82. Non, Grand Wevelgem en 82. Et Bonen, on le sait, a un homonyme qui a 7 ans et qui a signé des autographes hier et des poissons d'avril. Voilà. Ouais, déjà le Capelle-Mur, donc ils sont déjà en haut. Mais c'est ici qu'on avait vu Musset notamment partir tout seul en 95, si je ne m'abuse. En lâchant Ballato. Exactement. Donc nous sommes ici très exactement, vous le voyez, à 15 km de l'arrivée, dans moins de 2 km le Bosberg. Et là, même s'il en avait envie, Bonen n'avait aucun intérêt à tenter de lâcher là, Leif Ost. Ah non, bien sûr que non. Hein. Knir, Bettini, Incapi, Van Petegem, Cancellara, Balan, Kroon et Petito. Plus de Zabel, plus de Uchoft. C'est tout à fait logique. Et Petito qui paye maintenant ses efforts, cinquième l'année dernière. C'est pour la troisième place et ils le savent très bien. Et cette image nous prouve quand même que le plus fort, à mon avis, dans ce groupe, c'était bien l'Américain. Hein. Oh, ouais. Dans le groupe débattu, en tout cas. On a aussi la preuve dans une même course qui lui... Même Bettini souffre dans la route de l'Américain. Dans une course qui lui convient peut-être moins bien, on voit aussi que Cancellara sera là la semaine prochaine dans Paris-Roubaix. Hein. Okay.
Et voilà les deux CSC, Cancellara et Krohn. C'est Krohn qui ferme la marche. Cancellara déjà quatrième de Paris-Roubaix il y a deux ans, je pense. Hein. Krohn devant le roi, ça aurait été bien quand même. Oui. Puisque la traduction de Krohn, c'est couronne. Ouais. Bah, vous savez, il y a eu un Paris-Roubaix que gagnait Sean Kelly. Et devant, au sprint, devant Rudy Rogiers, ancien vice-champion du monde chez les amateurs, vous vous en souvenez? Et on demandait après à Rudy Rogiers ce qu'il avait pensé, parce qu'il était battu comme sera battu Host si rien se passe. Et Rogiers y pensait tout le temps, il disait supposons qu'il crève, supposons qu'il crève. C'était ce qu'il pensait tout le temps. Ouais. Donc c'est un peu pareil pour les Host pour l'instant. Et vous avez vu que Fletcher est avec Zabel? Ce qui veut donc dire qu'il manque un petit quelque chose aussi à l'espagnol aujourd'hui. Donc nous voici lancés vers le fameux Bosberg. Beaucoup de journaux ont fait l'interview, à juste titre d'ailleurs, de celui qu'on surnommait Eddie Bosberg, lui qui a Hedwig van Hooydonk, qui a bâti ses deux succès dans ce fameux Bosberg. La dernière difficulté, le Bosberg qui en soi n'est pas une côte spécialement difficile, la seule chose qu'il y a, c'est qu'elle arrive en tout dernier lieu du Tour des Flandres et après 245 km. Et évidemment, c'est ça qui fait tout son charme. 33. 34 déjà. C'était donc le camp d'entraînement en hiver d'Hedwig van Hooydonk. Durant, il y avait lâché avec Müller. Ils étaient partis au kilomètre 43. Depuis, plus personne n'y a fait la différence, même si Van den Broek est revenu sur Van Petegem et Musset en impressionnant, 99. C'était ça, ouais. Et puis Tchumil en 2000 est parti seul, mais c'est juste après le sommet que ça a été décisif deux fois, avec Tchumil qui a résisté 10 km alors que la meute de 40 coureurs qui était lancée à toute allure derrière lui laissait penser que ça ne serait pas facile. Pareil avec Bonen l'année dernière. Et l'année dernière, Clear Attack. Et voilà. Et puis Bonen trois fois. Les solutions pour Rost. Et puis 6 coureurs, et puis il faut y aller au-dessus. Et grosse discussion, c'est Dirk De Mol. Je vous rappelle que cet homme, Dirk De Mol, qui conduit la voiture, est allé chercher Host au Groening. Je suis au téléphone. Oui, je suis au téléphone. Mais non, le problème, c'est que c'est difficile de donner une tactique. Les deux hommes parlent la même langue et se comprennent très bien. Host qui a fait un choix, il y a un peu plus d'un an, de quitter l'équipe Lotto pour aller chez Discovery Channel. On rappelle aussi que Host a passé 2 années chez Mapei et 2 années chez Domo, donc chez Patrick Lefebvre. Rodrigo. Et on retrouve sur la ligne Benjamin. Oui, je ne suis pas tout seul, je suis avec un homme qui connaît très bien Tom Bonen, mais qui connaissait aussi très bien Johan Musset, c'est Dirk Nachtergaal. Vous étiez le soigneur de Musset, vous êtes le soigneur de Tom Bonen. Alors maintenant, est-ce que Tom, selon vous, peut encore être battu? Quel est votre état d'esprit là maintenant? J'espère qu'il gagne naturellement, mais on n'a jamais gagné avant qu'on passe la ligne. Mais j'ai vu une équipe très très forte, mais j'étais un peu inquiet parce que tu sors avec 16 hommes, il y a 4 quick-step énergétiques avec et tu dois prendre la course en main à plus que 50-60 km de l'arrivée. C'est long. Et tu offres un homme comme Pozzato, tu offres un homme comme Baguet qui est quand même champion de Belgique. Et c'était, pour moi, j'étais très très inquiet. Mais alors on a vu qu'après le démarrage de Host, que Thomas a réussi bien de prendre la roue, il a repris le relais et il a trouvé un homme très fort dans sa compagnie pour peut-être tenir jusqu'à la fin. Alors vous avez gagné beaucoup de courses avec Musée, vous gagnez maintenant beaucoup de courses avec Bonen. Ils gagnent les mêmes courses, plus ou moins, mais ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes coureurs. En 2-3 mots, quelles sont les différences principales entre ces deux grands champions? Intrinsique, Tom est plus vite et il veut faire des sprints massifs. Et c'est Johan a gagné aussi des sprints massifs. Mais surtout, Tom est un homme qui veut gagner beaucoup de courses. Johan, il se prépare pour les classiques, ses courses, ici en Flandre, pour la fin de l'année, pour le championnat du monde. Et c'est ça, il était plus un coureur à Van Petegem qu'il gagnait plus que Van Petegem. Et donc, dernière chose, vous allez une nouvelle fois être le premier homme à féliciter le vainqueur. Pardon ? Vous allez une nouvelle fois être le premier homme à féliciter le vainqueur aujourd'hui. J'espère, ce sont des journées très belles quand on gagne des classiques. C'est incroyable.
Voilà, merci beaucoup Dirk, il a l'air très très confiant, hein, Rodrigo. Oui, mais vous savez, c'est peut-être l'homme qui connaît le mieux son coureur. C'était déjà le cas avec Johan Musset quand on passe des heures et des heures sur une table de massage. Ce sont les confidents. C'est un petit peu comme, comme la maquilleuse chez vous, hein, lors de Studio 1, hein, Benjamin. On dit parfois des choses, on parle, on a une espèce de complicité, mais voilà. Et donc, on se trouve dans cette situation. Je voudrais quand même rappeler que Leif Ost, il y a 2 ans, était parti au kilomètre 26. Et qu'il s'est classé deuxième dans un contexte qu'on peut rappeler à l'arrivée. Un Allemand, Wesemann, 2 Flamands, Ost et Breuland. Qui plus est, à l'époque, c'était 2 équipes rivales, les 2 grandes équipes belges. Et donc, ils se sont un petit peu tirés dans les pattes. Wesemann, qui était déjà intrinsèquement plus rapide au sprint, n'en a pas demandé autant et est allé gagner 40 ans après Altig. Et donc, quand même, deuxième après une course tactique, en étant parti après 26 km. Et la semaine suivante, rappelez-vous cette image incroyable, ce drapeau flamand qui vient véritablement s'enrouler dans les rayons de Ost. Et finalement, il s'est encore bien classé. Hein. Je crois qu'il était encore 12e à l'arrivée sur le vélodrome. Et que ça bouge un petit peu dans le groupe. Mais c'est quand même pour dire que ce Ost est un personnage qui monte en puissance chaque année. Qu'on a eu peut-être tort de cataloguer trop vite un spécialiste des chronos. Et qui démontre que derrière Bonen, eh bien, il y a autre chose et il y a un Ost qui arrive à pleine maturité et qui aujourd'hui n'aura sans doute rien à se reprocher ce soir, bien entendu, face à ce monstre qu'est Bonen, qui une fois encore en aura fait voir de toutes les couleurs, j'ai envie de dire de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, non seulement à nous, à vous téléspectateurs, mais surtout aux acteurs, aux coureurs eux-mêmes. Paris-Roubaix 68, le champion du monde à l'époque c'était Eddy Merckx et il a gagné au sprint contre Herman Van Springel. C'est deuxième, pareil, la même situation. Mais à la fin, Eddy Merckx commençait quand même à s'énerver un tout petit peu, à être nerveux parce qu'on ne sait jamais dans un sprint à deux, il peut arriver des choses. Mais franchement, Bonen, il n'a pas de doute, hein, à mon avis. Quand Bonen a été battu cette saison, attention, c'était des sprints massifs. Hein. C'est arrivé au Qatar. C'est arrivé à la Ruta del Sol. Paris-Nice. Et c'est arrivé aussi. Non, Paris-Nice. Non, c'était à Milan-San Remo. Les 3 fois, il a dit j'ai eu un problème mécanique. Oui, c'est vrai. Non, à Paris-Nice, il a gagné malgré un problème. Mais donc, oui, c'est vrai qu'en tout, ça fait 4 fois. Et c'est notamment pour ça qu'on s'est un petit peu inquiété quand même au niveau de son équipe. Avec quand même comme explication cet excès de puissance qu'il développe sur la machine. On dit toujours que dans le Tour des Flandres, pour gagner le Tour des Flandres, il faut savoir frotter dans le Tour des Flandres. Eh bien, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, à côté du roi, il y avait le gouverneur André Denes, Flandre Occidental. Puis Herman de Croo est arrivé. Je vous laisse deviner qui est à côté du roi pour l'instant. Eh bien, c'est Herman de Croo. Dans le Tour des Flandres, il faut savoir frotter. Et il a bien fait. Hein. Plus question d'André Denes. Hein. Le gouverneur est Je vous dis qu'il se trouve à côté de la reine pour le moment dans la tribune, il faut aussi savoir frotter. Ah oui, ça c'est Eddy Merckx. Lui, il a été obligé sans doute. C'est vrai que cette tribune devant nous est vraiment magnifique. Il me manque Hedwig van Hooydonk comme ancien vainqueur, parce que pour le reste, on n'a que des anciens vainqueurs dans la tribune devant nous, la tribune royale donc. Mais Hedwig van Hooydonk, je l'ai vu de l'autre côté. Donc. Dans l'autre tribune. Modeste comme il est sans doute. Marc est revenu 1 minute 45. 7,7 et on n'a pas l'impression qu'ils sont nécessairement à 100%, même si Bonne n'aime pas les pourcents de leur potentiel. C'est énorme. Bonne, à cet endroit-ci de la course l'année dernière, était déjà tout seul. Maintenant, ici, il est avec Ost. Bon, c'est-à-dire qu'il est plus à l'aise maintenant, mais de l'autre côté, comme disait Eddy Merckx à l'époque, c'est quand même plus certain d'arriver tout seul. On ne sait jamais, mais il faut qu'il se passe quand même quelque chose d'exceptionnel pour faire perdre ce Tour de Flandre et se doubler. Donc, on peut rappeler qu'on n'a plus vécu depuis 33 ans voilà. Avec Éric Lemann. Donc, pour ce qui est d'un doublé, 33 ans, pour ce qui est d'un maillot de champion du monde, 31 ans. Voilà, donc. C'est quand même assez étonnant. Et on le disait de tous les grands, les monuments
les courses d'un jour, le Tour des Flandres et celui où on attend depuis le plus longtemps un doublé. C'est l'épreuve dont on attend cela depuis 33 ans. Et voilà, Clear qui essaye encore quelque chose. Comme l'année dernière, il est devenu deuxième grâce à ce sort de manœuvre. Attention, Van Petegem avec sa pointe de vitesse peut être troisième. Troisième, hein. Oui, comme l'année dernière. On aurait un triplé belge. L'arc-en-ciel qu'on voyait. Triplé belge, le dernier, c'était en 99. 1, Van Petegem, 2, Van den Broek, 3, Musset. Et puis, on a eu ça aussi en 82. 1, Martens, c'est la fameuse année là, de René Martens. 2, Planckaert, 3, Pévenage. Il y a des démarrages maintenant dans le groupe des poursuivants qui sont, avec tout le respect qu'on leur doit, à 1 minute 46 quand même. Tout cela en un peu, en moins de 30 km. Il y a des petits mots encore. Oui, Tenderwindeke. On est chez Clear. Exactement, oui. Windeke, c'est petit vent. Et Dender, c'est le fleuve. Enfin, le fleuve. Le ruisseau. Rodrigo. Oui, Benjamin. Juste pour l'anecdote, il y a des petites gouttes qui tombent, il y a du soleil. Ça vous fait penser à quoi, ça? Joli. On a eu déjà une image, hein, d'ailleurs, de l'arc-en-ciel. Hein. Oh, ouais. Tout est symbolique aujourd'hui. Et le roi sera content parce qu'il y a deux Belges devant. Hein. Ce sera quand même difficile pour Bonnen de gagner le Tour de France. Ce que seuls Bobet et Merckx ont gagné le Tour des Flandres et le Tour de France. C'est quand même... N'exagérez pas, monsieur Benkens. Non, c'est un constat comme quoi il n'y a quand même que deux coureurs dans l'histoire qui ont leur palmarès, qui ont gagné les deux. Hein. Comment qu'ils ont gagné les deux? Le Tour des Flandres et le Tour des Flandres, pardon. Ouais, je pensais que vous étiez en train de suggérer que il n'y avait que quelques coureurs qui avaient gagné le Tour de France pendant leur règne comme champion du monde. Non. Là déjà. Bien sûr. Déjà, faut pas rêver. Ça, il va pas gagner. Tom Bonnen. Non, mais pendant quelques années, il risque quand même de donner mal de tête à beaucoup de coureurs dans ce genre de course, comme aujourd'hui ou comme dimanche prochain. Voilà, Denderwindeke. Nous sommes à 4 km 300. Pour ceux qui ont bonne mémoire, c'est dans 500 mètres à 3 km 800 que Taffy avait porté sa 7e attaque après être revenu sur la PDM. Mais avait remporté à l'époque ce qui reste la dernière victoire italienne. Et alors, ce qui est absolument exceptionnel dans ce Tour des Flandres, mais cela évidemment, il faut le vivre à la place d'un coureur, et tout le monde vous le raconte, c'est que ici, avec la foule qu'il y a pendant toute une journée, regardez, les coureurs sont partis à 10h, il est 16h30, ça fait donc 6h30 de sel, eh bien, ces gars ont l'impression d'être tout le temps devant, dans un stade de football de 30 000 personnes, acclamés. Et ils vous disent qu'une semaine plus tard, dans Paris-Roubaix, c'est pas tout à fait la même chose. On est dans le stade, une fois qu'on est dans le secteur pavé, mais après, entre les secteurs pavés, là, c'est le vide. Il n'y a rien. Ici, c'est tout le temps. Regardez, le public crie, qui chante et qui imagine de desserts. Wilfried Peters. N'en fais pas trop, hein. Il y a encore le sprint. Ouh, il regarde Dost. Très différent aussi. Regardez le dos des deux coureurs. Ost qui a toujours eu un dos très plat. On pourrait presque mettre une bonne pinch ou une bonne trappiste sur son dos. Et à la limite, il, à part sur les pavés, ça ne tomberait pas. Bonnen plus bombé. Forcément plus puissant, plus explosif. Mais quel beau scénario. Et en tout cas, la confirmation vraiment pour Leif Ost. Si on était au Tour de France, on lui aurait déjà donné, pour moins que cela, le prix de la combativité. Ah non, c'est pas un Français. Je savais que vous alliez nous taquiner.
Et voilà. Herman de Kroo. On est passé chez lui, vous l'avez bien dit. Hein. Oh. Il était fâché, en fait, parce qu'il y avait des inscriptions devant chez lui avec les initiales VDB. Ah oui? Oui. Il trouvait que ça faisait un petit peu désordre. Et vous savez que malgré tout, dans la tribune d'honneur, on ne voit pas très clair. Tout le monde est là avec sa main, le soleil dans les yeux. Mais il faudra, à mon avis, pas grand-chose pour pouvoir vérifier qui sont les deux premiers. Laurent Bruvier. Quatre hommes en poursuite. Hein. Bettini, Petito, Cancellara et le dernier. Tampedrin. Non, Cliff. Ah. C'est ce qu'on nous annonce. Mais regardez, on va arriver à 2 minutes pratiquement. Et maintenant, que se passe-t-il dans la tête de Leif Host? Et voilà Derek Nash. Jouer le sprint ou tenter quelque chose avant. Rappelons que Patrick Lefebvre a eu pendant 4 ans Leif Host, qui a débuté dans l'équipe Vlaandre, où il a gagné une étape du circuit des montagnes en Espagne, une étape du Tour de l'Avenir. Puis chez Mapei, Host a gagné à Anu une étape du Tour de la Région Wallonne à Oufali, champion de Belgique contre la montre. Et puis, Ostrozebeek. Ça voulait donc dire pour Host, je n'invente rien, un total de 6 victoires en 8 ans. Et puis, en 3 jours, 3 succès à la page. Le classement final, la première étape à Zottegem et le chrono final. Plus d'un kilomètre de retard pour les 4. Hein. Exactement. Pour la première fois, Host a parlé à Bonnen. Oui, vous savez que samedi dernier au Grand Prix E3, Balan et Bonnen étaient devant et Balan avait un problème de selle qui venait de monter, l'avant venait de monter, c'était gênant pour Balan. Il disait, peut-être que je vais m'arrêter pour prendre un autre vélo. Et Bonnen a répondu, mais non, continue comme ça, de toute façon je te bats au sprint. Donc maintenant je veux voir ce qu'il a dit à Host, mais bon, la situation est comparable. Le virage, c'est l'avant-dernier virage, ça, mesdames et messieurs. Ultimo kilometro. Est-ce que non, dit Host. Maintenant, c'est à toi. Ah non, dit Boone. Et maintenant, on est parti pour une séance sur place. Et voilà. Ah non, qu'est-ce que tu veux? Et Host ne veut pas. Ah non, 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 non. Hey. Host qui a déjà été, je le dis, dans une situation un peu comme ça, mais il y en avait un troisième. C'était Wieselman qui avait profité. Ici, à deux, c'est différent. Ils ont 2 minutes. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas de marche arrière. Il faut rester concentré maintenant parce que c'est la seule chance de Host. Voilà le dernier virage là-bas, juste au bout. Et donc Host ne veut pas l'énerver, passer. Mais ah ouais. il est difficile à énerver Bonnen. Vous souvenez comment il était parti pas samedi avec Balan dans le dos, ça est, on va pas le laisser faire. C'est du surplace à 500 mètres de la ligne, le dernier virage, le champion du monde. Et Leif Host dans la roue. Et une ovation véritablement dans la chaussée de Halle. Où on arrive pour la 31e fois sur place. Et Host qui attaque. Host attaque. Host attaque. Il tente sa chance. Bonnen qui a sans un bruit mécanique, ouais. Il a le temps de se reposer encore. Host qui attendre, faut attendre. Joue sa carte. Et voilà maintenant. Bonnen maintenant qui développe toute sa puissance, qui part sur le côté. Et Host est résigné. Magnifique. La loi du plus fort. 31 ans après Eddy Merckx, un champion du monde gagne le Tour des Flandres et réalise de doubler. Ce qui n'était plus arrivé depuis Eric Le Mans il y a 33 ans. Et oui, les couleurs de l'arc-en-ciel, il y en a pu voir de toutes les couleurs à tous ses adversaires. Est-ce que, quelque part, Bonnen n'est pas en train de faire, dans ces courses-là du cyclisme, un sport prévisible? Et voilà, avec déjà... il a trouvé la bonne femme de suite. Oui, la sienne. Et le bonheur de Patrick Lefebvre. Et Herman de Kroo qui explique les développements. Et sympa, Peters qui vient saluer Leif Host, qui pourra revoir le film 25 fois et se dire, j'aurais tout pu essayer aujourd'hui. Et attention maintenant pour la 3e place, Van Petegem est là, pour peut-être un triplé belge. C'est Cancellara qui emmène, avec Incapi, Van Petegem et Balan qui part sur le côté, qui essaie de surprendre. Voilà. Balan est parti de très très loin.
Van Petegem qui s'accroche pour essayer au moins de sauver quelque chose. Il est enfermé. Ouais, il a sa chance encore maintenant, voilà. Et alors le sprint, ce sera Incapi. Incapi. Van Petegem. Qui se fâche. Balan Cancellara. Parce que Balan l'a coupé dans son effort. Donc Incapi troisième. Donc deux discoveries sur le podium. Hein. Et voilà, il se remet en selle et puis sur les pédales. Et maintenant, sixième place. Je pense que c'est la huitième. Ah, huitième déjà. Ou septième. Septième. Avec Bettini. Bettini, Clear, Krohn et Petito. Et voilà, cette loupe, comme on dit, il a le temps de lever les bras, de se retourner. Il pourrait presque passer à pied. Et c'est sa 12e victoire de la saison, Marie. Vous savez que l'année dernière, hein, quand il avait gagné le Tour des Flandres, c'était sa 6e victoire de la saison. Donc, Oui, ce maillot de champion du monde. Alors, tout le monde se dit, c'est plus arrivé depuis Merckx, depuis Hinault. Non, le champion du monde avec des monuments. On a eu Saronni qui a gagné un Milan-San Remo. Et on a eu en Argentine qui a gagné un Liège-Bastogne-Liège. Non, hein. Mais bon, si Boone gagne la semaine prochaine encore, ça va être différent. Ça devient évidemment très fort. Et quand on voit la façon dont il a fait ça aujourd'hui, on a envie de dire que homme contre homme, et avec l'équipe qu'il a... Regardez le mur qui s'ouvre. Mais quand on voit ce qu'il a fait aujourd'hui, on se dit de nouveau que sans chute, sans crevaison, on le battra difficilement. Et quand on voit aussi ce qui s'est passé aujourd'hui, il est encore jeune, n'oublions pas. La malchance peut être plus importante la semaine prochaine quand même. Et il fait gagner en Wevelgem ? Sans doute, hein, coup de s'amuser. En principe, oui. Voici maintenant Fletcha et Zabel. Bonnen, 25 ans. Et le doublé. Et on a envie de dire que ça risque de ne pas être fini. Zabel, évidemment, face à Fletcha. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour se classer devant l'Espagnol. Et sympa, les deux hommes se donnent la main, regardez. Ils ont fait un bout de chemin, beaucoup de sportivité. On l'a vu aussi avec le geste de Wilfried Peters envers Leif Ost. C'est aussi un enseignement aujourd'hui. Ce qu'on vient de voir, c'est le moment que Boone traverse la ligne d'arrivée, que le roi il salue l'autre roi. Quoi. Eh bien... Il faut le faire. Et regardez, c'est super. Ça arrive aussi. Ça, ce sont les vraies valeurs du sport. Ils se sont battus homme contre homme. Et Dirk Nachtegaal, que vous aviez entendu il y a quelques instants, micro de Benjamin. Ces images enregistrées. Et arrive maintenant Pozzato et Uschoft. Voilà le classement. Van Petegem fâché de rater le podium. Oh, il aurait été troisième sans le manœuvre de Balan. Balan cinquième, Cancellara 6, Bettini 7, Krohn 8, Clear 9, Petito 10 et on retrouve Benjamin. Mais oui, justement avec Peter Van Petegem. Peter, vous étiez bien aujourd'hui, vous êtes montré, mais il a manqué un petit quelque chose. Vous n'étiez pas assez fort tout simplement. Oh, l'attaque de Host était très forte. Et moi, j'étais dans la route de Bettini et il a problème avec le DRR. Et là, on perd 20 mètres et les deux, ils sont partis. Et c'était, je pense, le plus fort de la course. Et vous terminez quatrième, petite déception, j'imagine, de ne pas monter sur le podium en plus. Bon, j'étais déjà quatre fois sur le podium. Et moi, je roule pour gagner et OK, c'est toujours bien sur le podium, mais quatrième. Pour moi, l'important, c'est que je suis là. Aussi, après beaucoup de pression avant, et on a encore réussi et montré que je peux. Vous étiez un peu seul, malgré tout, dans votre équipe aujourd'hui. Bon, on a perdu deux personnes déjà tôt. Et je pense beaucoup étaient stressés. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit ça depuis un temps, mais gagner c'est pas facile.
Et pour moi, c'est l'important. Je suis en très bonne condition et la semaine prochaine, c'est encore Paris-Roubaix. Et là, il y aura moyen de faire quelque chose avec les aléas de la course. On connaît Paris-Roubaix, il y aura peut-être moyen là, de la gagner. On va essayer. Merci, Peter. Oui, c'est la 9e fois sur les 11 dernières éditions que Peter Van Petegem termine dans le top 10 du Tour des Flandres. C'est quand même un chiffre impressionnant. Et même s'il ne sera pas sur le podium, c'est pas mal. On va essayer de l'écouter. Le Koppenberg, ça doit devenir le Bonenberg maintenant. Non, 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 non. Mais ça a été mal fait en fait, les pavés. Hein. Ils n'avaient pas fait de reconnaissance de parcours cette année. Je connais tout. Comme ma poche. C'est pas le dénivelé, il y a des places où il n'y a pas de pavé, donc c'est dangereux. C'est spécial comme technique pour monter. Sur la roue arrière, comme un vélo de cyclocross, et remettre la roue avant. Gagner deux fois tous les Flandres de suite d'affilée et en champion du monde en plus. C'est ma réponse sur toutes les questions connes que j'ai reçues ces derniers temps. Voilà, Bonen. Je savais bien que j'étais bien. Tout le monde l'a vu ces dernières semaines. Je ne me suis pas caché, bien entendu. Mais gagner comme archi favori, comme je l'étais. Et j'ai laissé attendre tous les autres favoris. Et dans ma roue. Op de Valkenberg, weer op die Valkenberg. Ja, ik Valkenberg. Had het gezegd, ik zeg let op, want het is echt... Valkenberg is eigenlijk, het is niet zo'n speciale berg, maar het is strategisch gezien een ideale plek. J'avais dit que Valkenberg, strategiquement, c'est un bon endroit. Heel hoop op een volging gaat dan. En, on a eu la suite de toutes ces montées, tout le monde est à bloc. Die hadden daar tempo ook in ingestoken. Et Pozzato faisait un rythme magnifique. Dat Paul ging, hè. Et quand Paul allait, Paul c'est le surnom de Host dans le peloton. Et Kroon n'a pas réussi à prendre contact avec nous et j'ai repris de suite chez eux. J'ai pris des relais. Et donc Incapi bien sûr et Bettini n'allaient pas courir derrière. Donc. Et puis Bettini qui a bien réussi à freiner la poursuite. Oui, on était magnifiques tous les huit. Tout le monde a fait ce qu'il fallait faire toute la journée. Et tout le monde paniquait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comme nous d'ailleurs, Rodrigo. Mais nous, on l'a bien nettoyé, comme il dit, littéralement. Je parle pas de Paris-Roubaix, c'est pour le reste de la semaine. Il est aussi posé de questions comme. Il est vraiment à l'intérieur comme sur son vélo. Hein, c'est ouais, il est comme ça, il est comme ça. Alors regardez, il vient l'idée du Pro Tour, ça veut donc dire qu'il ne peut pas gagner avec son maillot de champion de champion du monde la semaine prochaine. Dommage. Ah oui, mais attendez. Non, il faut que Balan gagne Grand Wavel Game. On va organiser ça. Ce sera la stratégie, parce que sinon on ne pourra pas aller chercher ce genre de documents. Ce sera en qualité de champion du monde. Mais donc il devrait aller avec le maillot du Pro Tour. C'est un peu bête, hein. Absolument bête, ça. Et qu'est-ce qu'on va faire, là? Ça, ce serait une... Peut-être qu'il paye... c'est pas une question conne. Il paye l'amende. Il paye l'amende. Ouais, il paye l'amende. C'est peut-être... peut-être demander, tiens, essayer de savoir via Laurent si... si finalement Tom Bonen... n'est pas déçu d'aller à Paris-Roubaix avec le maillot du Pro Tour. C'est un détail, je le concède. Voilà Vittorio Adorni, le président de la Ligue Vélocipédique Belge, Laurent de Backer. Les quatre qui restaient de l'échappée matinale de 6, Bonen sur le Molenberg. Et puis. Ah oui, ça c'est Perez à Rango. Et là voici le Koppenberg. Finalement, donc on peut résumer Bonen en quatre temps. 1. Accélération dans le Molenberg. 2. Impressionnant dans le Koppenberg. 3. Il va dans la roue de Leif Host dans le Valkenberg. Et 4. Il gagne au sprint. Et le voilà.
sur le podium, dernière phase. Et voilà le roi et Eddy Merckx. C'est pas un pléonasme ça. Et entouré de deux coureurs de Discovery Channel. Un Bonen, deux Host et trois Incapi. Le roi n'a jamais été aussi proche de nous que ça, hein, Rodrigo. Ah, une fois quand même, au championnat de Belgique, moi personnellement. Ouais, 5 mètres. Et voilà, Bonen. Ah, mais je vous connais. Ah, il y a son papa, en fait, qui est là. Il vient d'arriver, un ancien. On peut rappeler que son papa fut coureur cycliste professionnel. Hein. C'est André Bonen, professionnel de 79 à 84 chez Mini Fiat et chez Mazda. Et c'est à lui que s'adressait le signe. Ah, il a vu ses parents, hein. Comme l'année dernière d'ailleurs. C'était et il lance voilà, le il lance bouquet le, ouais. Dans la bonne direction. C'était déjà une icône et maintenant, que dire? Maintenant, il lance son trophée. Ça risque de faire des dégâts. Hein. Il y a encore des diamants dans ce trophée-là aussi. Hein. Il va en avoir des diamants. Et voilà Baguet qui passe la ligne d'arrivée, ouais, qui salue. Oui, très sympa. Et le geste de Bonen, là, ouais, vous venez de voir, c'est à l'attention du champion de Belgique, qui a vraiment fait un travail énorme dans une course dont on n'aurait pas dit au début de sa carrière, quand même, que Baguet, quand il est monté sur les toits, ah non, qu'il allait aider Bonen à gagner le Ronde de Van Vlaanderen. Symétrique. Voilà. Le podium. Le vainqueur de la panne à gauche, le vainqueur à Luzerne-Niden, au Tour de France à droite. Et le prochain vainqueur du Tour de France. Vous parlez d'Incapi? Ah, bien sûr. Eh bien, je vous fixe évidemment rendez-vous dans notre week-end sportif, hein, où on va revenir avec une page importante consacrée notamment à l'effet, à la Tom Bonen Mania, Tornado Tom, comme on l'appelle. Traduisez littéralement haricot au pluriel. On avait connu les petits oignons avec Cipollini, mais c'est nous qui sommes aux petits oignons avec un gars comme ça, hein, quand même. Absolument. Voilà, tout le monde est de nouveau fier, pas seulement du cyclisme, de ce maillot de champion du monde, et quelque part, ce qu'il y a aussi, c'est que par sa manière d'être, il suscite des vocations. La moyenne d'âge aussi du public cycliste, hein, diminue énormément avec Bonen. Se diversifie, on voit de plus en plus de jeunes femmes aussi. Il savoure pour l'instant, hein. Ah oui. Il n'a pas besoin de le faire, mais il s'amuse, quoi. Ouais, voilà. Encore une fois, il va saluer Eddy Merckx, la reine et le roi. Même si, Marc, je voudrais quand même rappeler cette image qui est peut-être pour moi l'image du Tour des Flandres. C'est cette énorme discussion avec Bettine. Il relaxe peut-être quelques minutes avant sa dans le Berendries. C'était quand même extraordinaire, puisque c'est dans la côte suivante. Bon, on a rigolé, mais c'était vraiment... Il faisait le point, hein. C'était faire le point. Hein. Faire ouais, le point au sommet du Berendries. Ouais, ouais. C'est sans doute l'image. C'est le meilleur endroit, en plus. Voilà. Eh bien, c'est sur cette image que nous allons... Il va. Il va.